Hello à tous, hello, bienvenue, bienvenue. Vous êtes nombreux, ça fait plaisir. J'ai presque le track et du coup, on a un peu de retard. Forcément, il y avait un petit bug technique, mais ça, c'est normal. Nous ne sommes pas entre professionnels, hein, mais en tant qu'amateurs, donc c'est toujours un peu long à démarrer. Euh, en tout cas, merci d'être là euh, nombreux. Alors, euh, vous êtes déjà euh, 80, 82. Euh, je, alors, normalement, je dis bonjour à tout le monde, mais euh, je vais saluer un petit peu tout le monde. Allez vite fait, Terre Sauvage, Néfa, Armand Jason. Il euh, y en a que je ne connais pas, donc bienvenue à tous ceux que je ne connais pas. Euh, Bidim Studio, alors je suis dyslexique, alors les noms c'est compliqué. Chez Liel, Peps, Alex, Adrien B, euh, Toto La France, Twan Cabs, euh, Nail Wax, euh, Evand. Alors il y, y a de la Team MJ d'ailleurs là-dedans, il hein. y a de la Team MJ, je reconnais euh, pas mal de pseudos. Les Frères Potard, dr T, David Paula, Monophonique, Philippe B, salut Philippe B. André Demet, salut André Demet, euh, D2D bien connu sous le nom de D2D. Euh, et puis voilà, bon j'ai fait à peu près le tour, Régisso et vous êtes beaucoup ce soir, donc ça va être dur de vous suivre. Euh, mais en tout cas, vous avez le droit de parler entre vous. C'est formidable. Bon, en tout cas, quant à moi, je suis ravi de recevoir euh, MJ. On va tout de suite, euh, suite l'accueillir. Euh, l'émission, alors, pour faire un petit, euh, un petit démarrage, donc on, va, on vous réserve, euh, on va dire, allez, une petite surprise pour l'émission. Euh, il va y avoir un moment, on va donner un, un, un password, un mot-clé euh, qu'il faudra retenir pour l'utiliser pour certaines choses. Mais par contre, on vous dit pas quand. Donc, bah, ce sera pour remercier euh, ceux qui sont là euh, en live. Euh, donc voilà, et puis il y aura un autre cadeau pour ceux qui nous, qui nous, qui nous reprennent, en, évidemment, en replay. Et puis voilà, une petite annonce, donc l'émission risque d'être chargée, à mon avis, on en avoir pour euh, 8 ou 9 heures, donc prenez euh, des bières, de l'eau, euh, à manger, tout ce que vous voulez, installez-vous confortablement, et c'est parti. Donc voilà, pour faire un petit euh, résumé, on va parler de pas mal de choses avec MJ. On va parler de son parcours évidemment, du site MG Tuto, de formation, de, de production, de matos, évidemment, parce qu'on sait que c'est ça qui vous plaît, de technique euh, et, puis, euh, et puis de musique générale, de la distribution, le futur de l'Asie, tout ça. Donc j'ai plein 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 de questions. N'hésitez pas à poser des questions si vous avez des questions importantes dans le chat. Et puis bah, si jamais je les loupe, puisque vous êtes beaucoup à parler, bah, reposez-les si vraiment elles sont importantes, sans troller évidemment. Euh, donc voilà, j'ai déjà du mal à vous suivre. Bon, bah, on va pas tarder et on va tout de suite donc accueillir euh, MJ, c'est parti. Oh qu'est-ce que et, Hello, hello, ça va, qu'est-ce que tu caches Je cache ma bouteille d'eau. <laughs> ouais, ouais. Tous des bouts. Si ça dure 8 ou 9 heures. Oui, dit, bon, oui, tu chercher ouais, vite un pack d'eau. Ouais. Ah, oui, ouais. j'espère que tu n'es pas pressé parce que je suis connu pour avoir des émissions longues et, euh, et, 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 et avec les invités euh, qui ont beaucoup de choses à dire comme toi, j'imagine. Voilà quoi. Génial. Bon, ah, les... En tout cas, je suis content d'être là. Merci beaucoup pour, euh, pour cette invitation. Ça fait plaisir. Bah écoute, euh, je, voulais, je voulais commencer par ça euh, pour expliquer pourquoi, euh, pourquoi je t'avais invité. Euh, moi, je suis très, très heureux. Mais ça fait un petit moment que je te cours derrière hein, ça, <laughs> pour, pour t'inviter. Euh, donc. <laughs> Donc, euh, donc justement, et je sais en plus que tu es attendu par la communauté parce que je parle de toi souvent euh, quand je fais des lives et souvent je te donne en, ré en référence. Euh, pourquoi Parce qu'en fait, tout simplement, tu sais, dans, dans la vie, tu as des mentors et tu as des gens qui, euh, euh, bah, qui font que ta vie à, à, est un peu différente de ce qu'elle aurait été si tu n'avais pas connu ces gens-là. Et, euh, et moi, au tout départ, c'était monsieur Jean-Michel Jarre, hein, pour ceux qui me connaissent, ils le savent, qui m'a mis, euh, quand j'avais 6 ans, un, un pied dans l'électro. Et puis c'est ce qui m'a fait aimer la musique, donc je pense pas que j'en serais là si j'avais pas croisé ces disques, on va dire. Et puis après, quand j'ai commencé à produire, bah, je suis tombé sur sur le chemin d'MG Tuto. C'était en 2000, 2010, je crois, donc pas longtemps après le départ, oui. hein, si je ne m'abuse. Presque au début. Ouais, ouais, presque au début. Ouais, c'est ouais. quand, quand je travaillais à l'Apple Store, il y a un mec qui me dit ah tu fais de la musique, il faut que tu ailles voir MJ Tuto, tu verras c'est des conseils de ouf et tout. Donc moi je suis allé voir. Et puis euh, et puis bah donc j'ai tout de suite apprécié. Et finalement après, il y a pas si longtemps, tu as lancé un, un Discord. Euh, et c'est là vraiment où tu proposais des, euh, on faisait pas mal d'audio en fait sur Discord, on faisait pas mal de ouais, rendez-vous ouais. audio, et c'est là où on a fait connaissance et où on a sympathisé, et, euh, et c'est donc aussi grâce à toi qu'on est là ce soir parce que finalement. Euh, j'ai rencontré pas mal de potos sur le Discord, c'est avec eux aussi que j'ai sympathisé du coup euh, en direct. Et quand pendant le confinement j'ai lancé la, la chaîne YouTube et qu'on se faisait chier qu'il qu fallait faire des lives pour occuper tout le monde, nous y compris, et bah ah donc ouais. j'ai fait participer la team quoi, c'est à dire euh, Lorenzo, Corby Back etc., euh, euh, Kevin Wax et compagnie, et compagnie, tout le monde que je salue, donc des, des gens de chez toi. Et donc finalement j'aurais sans doute pas lancé ça tout seul, donc c'est euh, un peu, peu l'initiative de, des lives en tout cas, donc c'est pour ça que tu, tu as toute la. Toute ta place et que je suis content de t'y recevoir. Voilà. Avec plaisir, je suis super ravi d'être là encore une fois. Merci. Voilà. C'est vrai que tu as, as su fédérer une communauté, mais on va, on va en reparler. C'est assez grande et la preuve, ce soir, on est, on est nombreux. Donc, donc voilà, ça continue. Euh, donc bienvenue. Alors justement, je voulais te demander, euh, puisque je parlais de mentor, déjà pour, pour introduire ça, est-ce que toi, as des, comme ça, tu as des personnes que tu as croisées, euh, vraiment, dont tu, tu sais tu n'aurais pas fait la même chose si tu ne l'avais pas croisée Et. Euh, voilà quoi, en gros. Je pense que ouais, il y a beaucoup de monde comme ça. Après, si tu veux, je, je pense j'en ai eu plusieurs à différentes époques, tu vois, parce que j'ai pas mal voyagé, comme comme tu sais. Donc, quand j'étais en France, j'ai eu des mentors, évidemment, déjà quand j'ai commencé vraiment jeune, parce que j'ai eu la chance d'avoir plus ou moins un oncle éloigné de la famille, hein, tu vois, je sais plus c'est un arrière ou je sais pas quoi, euh, qui, qui était ingénieur du son. Et donc, j'ai eu la chance d'aller dans les studios d'enregistrement alors que j'étais encore à l'école, tu vois. Justement, c'était bah, les... ouais, une question que je voulais te poser, ça justement, euh, ouais. comment tu es arrivé dans les studios, Donc, c'est par rapport à la famille, à ton oncle finalement Voilà, c'était genre euh, de demander, est-ce que je peux venir voir les séances, tout, tu vois, quand t'es petit, et donc ça m'a formaté, je me suis dit, ouais, c'est trop génial, c'est vraiment ça que je veux faire, quoi. Et donc, voilà. Et d'ailleurs, c'était dans une petite ville, toute petite ville qui s'appelle Corde-sur-Ciel. Ou là, je ne connais même pas. le gouvernement français qui avait investi dans un studio super high-tech puisqu'à l'époque, il y avait les premières 33-24, c'était les premiers magnétos numériques de Sony, à bande, mais numériques. Et puis, il y avait les premières consoles Total Recall, tu vois ce que je veux dire. Enfin, ce n'était pas Total Recall, mais c'était les Flying fadders tu vois, les faders qui bougent. C'était impressionnant quand t'es gosse, ça. Et tout ça, c'était pour enregistrer des, des groupes ou des, des orchestres qui étaient dans différentes églises. Donc, le machin était connecté à toutes les églises de la région et ils enregistraient euh, des, la musique traditionnelle d'église, de machin, et des fois du jazz. Voilà. D'accord. Moi, j'ai commencé comme ça. Donc, quand tu dis mentor, bah, lui, c'était un peu un mentor, tu vois. Ouais, ok, finalement. Euh, euh, et après, ai, ai eu, ça m'a donné vraiment l'envie, mais après, j'en ai, ai eu plusieurs. Après, aux États-Unis, évidemment, j'ai des gars que je, que je mets en idolâtrie totale, tu vois, des Dave Pensado et tout comme ça, même si je n'ai pas travaillé avec eux directement. Ouais. Mais voilà, il euh, y a des gars qui, pour moi, ont, ouais, ont changé ma façon totalement de, de voir la, la prod, de voir la musique, de voir le, le son, quoi, mmh. bien sûr. Donc euh, moi, c'est important de savoir quels sont nos mentors et de faire un peu un, un retour dans le passé, de savoir qui qui a un peu changé nos vies. C'est toujours, euh, c'est que le pouvoir de, de l'artiste et de la musique vraiment et peut faire beaucoup pour ça. Quoi. Donc il y a souvent des artistes, nous on les connaît, mais eux nous connaissent pas, mais ils ont quand même changé changé nos vies. Donc euh, donc voilà. Et, euh, et donc ouais, ça correspond un peu à ma question. Avec qui t'as finalement, tu penses avoir le plus appris toi de ton côté, puisque maintenant tu as. T as, t as, le, le flambeau était passé et maintenant tu as, as appris à toute génération, mais toi, est-ce que tu as quelqu'un vraiment de particulier qui t'a vraiment appris beaucoup de choses ben, Je pense que comme je te dis, c'est à, à différentes époques, j'ai appris vraiment différents trucs. Tu vois Donc, toute ma première partie de vie qui s'est passée en France, avant que je quitte la France. Euh, bah, j'ai appris énormément mais si tu veux euh, plutôt dans la musique à l'image musique de pub j'avais travaillé avec des gars qui faisaient ça tout le temps tu vois ouais. euh, après euh, dans, la, dans la chanson j'ai travaillé sur à l'époque sur des projets qui n'avaient rien à voir avec ce que je fais aujourd'hui qui était Hubert Félix Thieffen, ce genre de truc donc okay. c'était du rock Vraiment underground, même, tu vois, je veux dire. Et donc là, j'ai appris beaucoup sur tout ce qui est guitare, prise de son de guitare, de machin. Donc en fait, j'ai eu, eu plusieurs périodes comme ça. Après, j'ai commencé à faire de l'électro. Euh, on a signé des trucs chez Scorpio Music. Donc tu vois, c'était à fond dans l'électronique. Et, et donc là, j'ai vraiment appris dans ce domaine-là. Et après, je te dis, quand j'ai quitté la France, je partais aux États-Unis, là, j'ai switché au urban, au hip-hop. Ouais. Et donc, j'étais avec des teams qui faisaient de la pop ou du, ou du urban, et des fois du urban assez méchant, quoi. chez Bad Boy tout ça. Et donc, euh, j'ai vraiment eu différentes périodes, et je pense que j'ai cumulé les apprentissages, tu vois. C'est-à-dire que j'ai dit, tiens, bah, là maintenant, je connais ça, tiens, je vais apprendre ça. Et puis, hop, maintenant, je connais ça, je vais apprendre ça. Et surtout parce que j'ai beaucoup bougé, tu vois. Donc, quand tu bouges, évidemment, tu rencontres plein de gens. Ouais, forcément. Et tu apprends plein de trucs qui sont, je veux dire, évidemment que mon, mon premier ma plus grosse gifle, c'est la première fois j'arrive aux États-Unis et que je vois les premières séances sérieuses. Tu vois, c'était à Miami. Je suis pas allé directement à New York. Je suis allé d'abord à Miami et que je vois les premières séances sérieuses de la team latino là-bas, qui travaille avec Laura et Stéphane, Gilo, Ricky Martin, tous ces artistes-là. Tu vois, qui sont un peu latino. Alors, alors Gilo, précise quand même pour ceux qui connaissent pas le pseudo. Jennifer Lopez. Ouais, voilà, ouais, voilà, quand même, ça vaut le coup d'être précisé quand même. Ouais, et donc toutes tout ces teams, quand, quand j'ai eu la chance donc d'aller, c'était euh, plus ou moins un ami qui euh, nous avait co-signé des, des tracks et qui, qui travaillait avec tous ces artistes. Et quand j'ai vu comment ils travaillaient là-bas, je me dit ah ouais d'accord, c'est comme ça qu'ils font. Parce que si tu veux, il y a toujours ce fantasme des prod américaines. Je ne sais pas si les jeunes le ressentent aujourd'hui, mais nous on le ressentait très fort et, et toujours aujourd'hui. C'est-à-dire que tu plays une prod, euh, c'est pas pour être méchant, mais tu plays une prod de chez nous <laughs> et tu plays une prod rican derrière, tu te dis oh il ouais. y a un gap dans la façon dont, dont c'est traité, dont c'est processé. Dont... Et en fait, en réalité, quand tu vas là-bas et que tu vois comment ils font, tu te dis, ah non, mais d'accord, j'ai compris. C'est-à-dire qu'ils ne travaillent pas du tout pareil. Donc c'est vrai que j'ai beaucoup appris, là où j'ai pris des gifles, vraiment, c'est quand je suis arrivé là-bas, évidemment. Mmh. Oui, ok. De bon, toute façon, ça, on va y revenir parce que je voulais te poser un peu de ouais, questions. aussi sur, sur la méthode de, de travailler, justement, un peu à l'américaine, vu que comparé à la France, on va dire. Mais ça, ouais, on, en, on en parlera plus tard. Et euh, alors, sur le chat, il y a euh, quelqu'un qui nous dit, euh, il est où il me dit, MJ, tu as encore changé de studio. Oui, parce que tu es, tu es connu pour ça. <laughs> je change tout le temps. C'est l'homme au mis le studio. Ouais, C'est l'homme ah, le ouais. Tous les <laughs> ans, vrai. hop, un nouveau studio. Bah ouais, ce soir, on Là, fait. Là, j'étais un... pas loin. J'étais à l'étage au-dessus et puis je suis descendu ici. C'était un déménagement. On fait un concours de studio, tu vois. Là, regarde, hop, comme ça voilà ramener <laughs> des geeks hein. ouais, 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 ça ouais ouais avec des lumières partout on aime bien ça on aime bien ça <laughs> Moi aussi euh... je peux changer la couleur et tout là sur la... <rire> <rire> tu vas déconnecter le live sans faire gaffe <laughs> ah non non je touche pas je touche ouais. pas alors oui j'ai pas précisé mais évidemment évidemment euh, pour ceux qui attendent ça euh, tu vas nous faire en fin d'émission un studio tour c'est-à-dire qu'on va prendre la caméra puis on va regarder un peu le matos que t'as puisque c'est toujours un moment sympa et ça on aime bien le faire donc euh, donc il y aura il y aura un studio tour calmez-vous dans le chat euh, voilà. <laughs> on va vous montrer du matériel c'est ça qu'ils aiment hein, les gens Matériel, c'est vrai que je me rends compte souvent, tu vois, moi qui fais, euh, qui fais des tutos, etc. Et quand je fais des tutos, enfin, quand je fais des tests de matériel, il y a beaucoup plus de vues que quand j'explique ah ouais comment faire marcher ce matériel là, tu vois. Et, euh, et j'ai remarqué quand même que les gens étaient très fans de matériel et un peu moins fans d'apprendre à l'utiliser, donc euh, toi il as faut pas... les, deux, il les deux. Mais il bon, faut... moi, je j'avoue, je suis geek aussi, et euh... dès que je peux avoir des nouveaux trucs, euh... et on est des grands enfants, c'est clair. C'est clair. C'est clair. Et, euh, et donc euh, et au niveau de la musique, tes influences, justement, euh, quand étais jeune, en fait, t'écoutais de quoi de, de tout. Parce que je sais que t'écoutes de tout, mais... Tu sais, moi je viens d'une je suis assez je suis plus 17 ans, tu vois, donc <laughs> j'ai pas honte de le dire. Et donc euh, à l'époque, il euh, y avait pas un million de trucs. Euh, moi j'écoutais Goldman, Cabrel, euh, voilà, je sais pas, j'écoutais les grands artistes français ouais. de la pop de l'époque et puis surtout, j'étais fan. En... Si tu veux, j'ai vécu cette je ne sais pas si ça existe toujours aujourd'hui si les jeunes le ressemblent comme ça. Euh, j'ai vécu cette différence entre ceux qui aimaient la musique commerciale et le fait d'être musicien et de, de, de te mettre dans des musiques pas commerciales plus euh... alors moi j'aimais le rock progressif c'était des mélanges de je sais pas si tu vois ce que c'est c'était Marillion ce genre de groupe, ouais, ouais. Okay. de groupe qui faisait des morceaux qui duraient 18 minutes tu vois avec l'orchestre symphonique avec le machin les guitares héros toute cette époque là j'ai vécu tout ça et j'adorais ça et en fait quand je suis venu à Paris après et que euh, ma, mon, ma passion pour la musique commerciale, qui est mon truc aujourd'hui, où je ne jure que par la musique mainstream, radio commerciale, etc., ça m'est venu bien plus tard. Et euh, si tu veux, à la base, j'aimais la musique de musicien, j'aimais les musiques compliquées, euh, où il y avait de la performance euh, de musicien, tu vois. Ouais. Donc je ne peux pas dire que j'ai grandi avec des influences qui ont quoi que ce soit à voir de ce que je fais aujourd'hui. Ouais, ouais. Mais quand même la technique, tu avais quand même cette, ce, ce goût pour les choses compliquées, on va dire peut-être. Ouais et ouais. puis surtout pour le perfectionnisme c'est-à-dire et ouais, ouais. qui peut, peut être aussi un gros défaut ah, oui. parce que si tu veux et surtout à l'époque où on vit où le perfectionnisme est presque devenu un défaut dans le sens où euh, tu vas pas mettre trois semaines à faire un morceau il te faut mettre trois ouais. jours euh, ouais bon, bah, ou des fois trois heures il y en a qui te disent ouais j'ai fait ça l'après-midi ouais d'accord si tu veux on va en discuter ouais. <laughs> mais euh, bon euh, enfin voilà Donc, mais, si mais... tu veux non j'ai mais... découvert la musique commerciale bien plus tard quand je suis arrivé à Paris et, et euh, c'est assez rigolo à raconter mais je sais pas si c'est le moment que je te raconte ça si si carrément vas-y Là, on est sur ton ouais. historique, donc sur tes anecdotes ouais, et donc, ça, donc, ton parcours. donc. Euh, Quand je suis arrivé à Paris, je voulais être assistant à un gson tu vois, c'était mon but en fait. Et donc, je voulais aller trouver un poste d'assistant, pas, dans les gros studios, tu vois, je ne sais pas, parler des congrès ou quoi, ou okay, quest à l'époque, il y avait plein de studios. Euh, et en fait, c'était frustrant parce que si tu veux, j'avais la sensation d'être déjà formé. Parce que j'avais, depuis, depuis l'âge de 15-16 ans jusqu'à 17 ans, j'avais vécu trois ans où j'avais déjà appris des trucs. Et on me proposait de porter le café en gros. Ouais. Donc, si tu veux, je n'ai pas. Je n'ai pas, pas saisi ces perches-là. Ouais. Et je suis plutôt allé d'abord dans le monde de la musique à l'image, truc trucs comme ça, la musique des génériques télé, trucs. Tu vois, j'ai. Voilà. Donc, euh, j'ai été assistant dans des studios qui faisaient plutôt ce genre de musique au début. Mmh. Et quand même, j'ai toujours eu ce manque parce que moi, ce qui m'intéressait, c'était la chanson. Tu vois, ce n'était pas, pas la musique de film ou autre truc. Donc. Petit à petit, je me suis redirigé vers la chanson. Sauf que je me suis rendu compte que toutes les musiques que j'aimais, justement, que je te disais qu'étaient étaient des musiques de musiciens, comme on dit. Et donc, euh, dans la pop ou dans le truc, il n'y avait pas du tout... Ça ne nécessite pas la même formation, la même intelligence. C'est ouais, pas la même intelligence, ouais. c'est la même approche, tu vois. Bah, au euh, euh, limite, en pop, il faut faire au plus simple, quoi, au plus efficace. Alors que... Voilà. Ouais. Alors que dans l'autre, c'est au plus inverse. complexe. Ah, bah ouais. <laughs> donc, si tu veux, je me suis pris quelques claques au début comme ça. Et puis après, je me suis dit... mais. C'est trop facile cette musique-là. Et quand j'ai essayé de la faire, je me suis rendu compte que je n'y arrivais pas. Ouais. Je me suis dit pourquoi tu n'arrives pas à faire un truc où il y a trois accords, alors que tu fais des trucs où il y a 128 accords. Et pourquoi tu n'y arrives pas Et donc j'ai pris ça comme un challenge, comme un défi de me dire je vais y arriver. Et donc euh, j'ai commencé à étudier pourquoi, c'est quoi la simplicité, c'est quoi un titre avec quatre accords, c'est quoi une structure commerciale, c'est quoi etc etc etc. Et j'ai pris ça comme une passion. Euh, alors finalement, alors que j'étais dans l'extrême opposé, tu vois, et donc je crois ouais. qu'il n'y a pas beaucoup de musiciens qui, qui font ce switch dans mais ce ouais. sens. Il euh, y en a qui font le switch des fois dans l'autre sens, mmh. où tu commences par la musique simple, entre guillemets, et puis après tu t'intéresses à des trucs plus élevés. Ouais, bah, il faut pas qualifier élevé, pas élevé, mais... Ouais, ouais, je ouais, 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 ce que tu veux dire. Mais il ouais. y, y a souvent des artistes qui ont du mal, qui ont fait le conservatoire et qui ont du mal à, à désapprendre en fait et, ouais, et à ça. pouvoir faire des choses simples parce que c'est, ouais, ils ont pas été formés comme ça. Et souvent, des fois, quelqu'un qui n'a pas fait de musique, il peut avoir des idées euh, neuves et puis euh, il peut expérimenter, tomber sur des choses qu'il n'aurait peut-être pas trouvées avec une, une grosse formation avant de. De... Oui. De... Ouais. oui parce que la formation alors je ne devrais pas dire ça moi qui fais de la formation mais <laughs> la formation t'enferme dans une façon de faire et si ton cerveau ne te dit pas bon ça on m'a dit que c'était une erreur ouais. mais je vais le faire quand même euh, et ça a été le cas à tous les grands trouvailles je veux dire l'autotune sur la voix au départ c'est un gars qui a dit ah, ah, ah j'ai mis à fond ah, mmh. finalement c'est pas mal tiens on va, on va sortir un morceau comme ça alors qu'en fait on t'aurait dit oh, c'est une erreur j'ai ouais, jamais, jamais erreur. ça mais ouais. jamais le mmh. retune speed au taquet tu vois et donc en fait il y a beaucoup de je veux dire la distorsion sur la guitare c'est une erreur au début C est, c est... et puis quelqu'un ose utiliser cette erreur entre guillemets dans un morceau et ça devient les kicks saturés d'aujourd'hui euh, ça aurait pas été possible il y a, il y a, il y a 10 ans à part en hardcore peut-être mais euh... <laughs> exactement, ouais. exactement ouais. Et clairement, et la, la distorsion en général d'aujourd'hui à l'époque, pas que sur les kicks, dans les masters ouais, ouais, c'est un truc de ouf mais l'oreille s'y habitue donc, euh... Euh, ouais. mmh. Et bon, alors, du coup, j'ai plein, plein de questions qui se sont venues que j'ai oubliées, mais c'est vrai, on y reviendra. Euh, y a, y a, tu vois, il y a quelqu'un, alors je sais plus que c'est, euh, Armand Jason, qui dit Et eh alors le Dolby, on en parle, tu vois, je t'avais dit qu'il <laughs> y aurait des questions <laughs> sur le Dolby. On en parlera vite fait plus tard, mais, mais voilà, ce, ce, ce sera court, ce sera court. Promis, Armand. Salut, euh, Kevin. Salut, euh, Kevin Wax. Je, 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 je vous remercie, l'équipe, de m'avoir aidé à démarrer justement les, les lives. Donc, on est, on est là grâce à vous aussi. Il y a une question là qui va dans le sens de ce que je disais. Eh ouais, est passé, je ne la vois plus, mais ouais. comment fait-on pour prendre plaisir, je crois, sur une musique qui n'est pas notre goût Ou quelque chose comme ça, j'ai cru lire. Et, et c'est ce que je voulais ajouter, c'est que ça ne sert à rien de se forcer à faire, à faire quelque chose qui n'est pas son goût. Moi, je sais que je n'aurais pas... Si, si la musique commerciale ne m'avait pas plu vraiment par goût, je ne ouais. l'aurais pas fait. Parce qu'en fait, il faut y trouver plaisir. Dans, quelle que soit la musique qu'on fait, si on n'y prend pas plaisir, ce n'est vraiment pas la peine de se forcer à faire un style qui ne nous plaît pas en se disant, ouais, mais il faut que je gagne ma vie avec. Et surtout, ça marchera pas parce mmh. que ça, ça demande tellement d'heures de travail tellement d'heures de travail, je veux dire, euh, que si on n'y prend pas plaisir, on ne les fera pas ces heures de travail. Donc, à mon avis, le plaisir fait partie de... On ne peut pas faire une musique sur laquelle on n'a on pas de plaisir, je ne pense pas. Ouais, de toute façon, tout, je crois tout domaine artistique, de manière générale, si tu le fais à contre-cœur, ça ne ouais. va pas marcher sur du long terme. Quoi. Ouais, tu vas peut-être avoir un coup de chance, comme c'est le cas d'ailleurs de certains groupes qui ont réussi à faire un tube un peu par hasard, j'ai l'impression, et finalement peut-être ouais. que... Voilà. <laughs> Et d'ailleurs, bah hésite pas, hein, si tu vois des questions passer euh, que je relève pas, hésite pas à interrompre hein, avec plaisir carrément. Il euh... <laughs> y a, y a, y a Metz qui est là. Nabil. Ah Nabil. <laughs> et il dit est-ce que je la pose ma question parce qu'il y a un running gag c'est qu'à chaque fois que Mess vient sur mon live il me demande s'il y a des promos chez cash Audio <laughs> et à chaque fois je lui dis il n'y a pas de promo chez cash <laughs> Donc voilà ça va, venir, ça va venir Black voilà. Friday les gars. <laughs> ouais Black Friday Black Friday on va en parler du Black Friday. Bon salut Mess en tout cas fait partie de la team lui aussi carrément. Yes. <laughs> MDR qui dit. <laughs> ouais. Euh, et ouais, alors bon, on en parlera plus tard parce que je voulais te parler un peu justement de la complexité de la, et de la simplicité des choses de la musique, enfin de la musique d'avant et de la musique de maintenant. Euh, ouais. Et, et c'est vrai que tu parlais quand même des guitares héros, tout ça. Et bah, je dévie un peu, mais j'en profite pour le dire maintenant. Euh, Est-ce que as, toi qui as connu cette époque où justement les, les, les stars étaient idolâtrés, dans le sens c'était des demi-dieux et c'était inatteignable, c'est-à-dire qu'on pouvait même pas espérer faire la moitié de ce qu'ils font puisque c'était des stars et tout. Est-ce que tu ne penses pas que maintenant aujourd'hui il y a une tendance à, euh, alors, je vais pas dire à faire du médiocre parce que ça serait méchant, mais à faire du simple, du accessible, que ce soit dans, dans la manière de communiquer, dans les réseaux sociaux, d'être quelqu'un de simple et d'être comme tout le monde, justement pour que la jeunesse puisse s'identifier et se dire ah ben moi aussi je peux le faire, moi aussi je peux faire des arrangements un peu. Euh, un peu facile, tu vois, qui, qui ont l'air facile. Et il euh, n'y a plus ce côté où, genre, c'est inatteignable. Et tu vois ce que je veux dire Alors, par exemple, en général, je pense à Jules, tu vois, j'ai rien contre lui, mais j'ai l'impression qu'il y a un peu ce côté-là. Euh, et il a ce talent, hein, complètement. Mais, euh, mais tu vois, de, de proposer quelque chose qui est un peu cheap, qui, qui peut paraître cheap, mais finalement, qui marche le tonnerre, quoi. Et, euh, et qu'est-ce que tu penses de ça, de cette évolution un peu je pense, si tu veux, que ce n'est pas réfléchi. Les gens font ça sans se poser la question. Et du moment que qu'il y en a quelques-uns qui ont commencé à fonctionner en faisant ça. Ils se sont dit pourquoi pas continuer à faire ça. Donc si j'ai pas besoin d'apprendre des techniques de fou, si j'ai pas besoin de faire des recherches de dingue, de d'avoir une qualité de ouf et je sors mon truc et ça marche, pourquoi je vais m'emmerder me, <laughs> à aller étudier des trucs ou aller, tu vois je veux dire ouais. Donc moi je le comprends encore une fois comme un phénomène qui est lié à l'arrivée du matos abordable parce que tout le monde aujourd'hui tout le monde n'a pas des énormes studios mais tout le monde peut avoir un ordi. Un logiciel, un clavier-maître, et voilà, un casque, deux enceintes, mmh. et faire de la musique. Donc, de ce moment-là, la question qui se posait, c'était est-ce que la musique qui sort est suffisamment écoutable pour être vendue, ouais. etc. Et du moment que la réponse est devenue oui. Euh, donc, si tu veux, moi, tu sais, c'est tellement difficile de faire un, un, un truc qui sort et qui marche, mmh. c'est difficile. Et c'est pas forcément difficile juste de produire la musique, c'est-à-dire produire la musique, c'est un des aspects. Oui, tout le reste. Mais... <laughs> Et déjà, dans cet aspect-là, il y a X aspects, parce que tu as la compo, tu as les paroles, tu as les arrangements, la prod, le choix des sons, le sound design, le mix, le mastering, le machin, tu vois, etc., etc. Donc tu veux, déjà là-dedans, il y a plein d'aspects. Mais au-delà de ça, aujourd'hui, le talent, il ne s'arrête pas là. Tu as ton master, c'est fini, le track, elle est là. Bon, mais l'artiste, il est... Est-ce qu'il est charismatique Est-ce ouais, qu'il est, ouais, ouais. ou elle est belle ou il est beau Est-ce qu'il a de quoi dire Est-ce qu'il est, est qu a une aisance à parler avec les gens Est-ce que ses réseaux sociaux sont développés Est-ce qu'il a un bon look Est-ce que ceci, est-ce que cela, est-ce qu'il se comporte bien en live Est-ce qu'il est est-ce qu'il est, est qu peut pas chanter live Enfin, tu vois, ça fait beaucoup de choses et surtout, tout simplement et ça ça a été vrai à toutes les époques, est-ce que cet artiste génère des émotions chez les gens, c'est-à-dire mmh. et les émotions elles peuvent être élevées genre ouais une musique vachement élevée ça me fait spirituellement euh, <laughs> frémir tu vois ouais. ou alors ça peut être l'émotion juste de ah oh, ça me donne la pêche je me lève je danse voilà ouais. bah, c'est une émotion c'est une émotion on peut dire moins élevée si tu veux mais c'est une émotion et donc est-ce que cet artiste est capable de soulever des émotions tout simplement mm. tu vois ouais, elles peuvent tout, même tout, être négatives d'ailleurs hein. il y a des ça peut, négative, mettre... ouais, ouais, hein. ça peut il y en a qui peuvent jouer là-dessus ouais. on, <laughs> on fait du noir ouais. <laughs> Et il euh, y a quelqu'un, il y avait un, une question que j'ai vu passer. Vas-y, bah, je l'ai euh, zappé. Ouais, il y a, a Evan Torison qui me dit Moi, ma musique, je la, fais, je, je, je la fais de plus en plus simple. Je joue qu'un do en continu sur un morceau de 10 minutes. Oui, mais Evan Torison fait de la techno. <laughs> Donc, c'est exactement le principe. <laughs> voilà. Et ouais. Et ouais, ouais Moi, quand j'ai voulu passer de la techno à des trucs un peu plus pop et un peu plus, euh, un peu plus travaillés, bah, c'était compliqué parce que c'était facile d'être en, en la mineur sur tout le morceau, forcément. Ouais, ouais, ouais. Euh, euh, bon, ok, alors euh, pour, pour finir un peu sur ton parcours rapidement, euh, au niveau des, des, des plusieurs endroits dans lesquels tu as pu voyager, tu as connu pas mal de ouais. régions du monde diverses et variées. Euh, quels sont les endroits qui t'ont marqué Et surtout, quelles sont les différences peut-être avec la France assez rapidement euh, -ce que... Je te dis, c'est surtout mon, mon expérience, surtout sur les États-Unis. Je suis resté euh, quasiment 10 ans là-bas. Mm -hmm. euh, Miami et New York, je suis pas allé à Los Angeles, je suis allé à Los Angeles juste en passant. Quoi, mais j'étais pas parti pourquoi pour... d'ailleurs je, je te coupe, mais tu étais parti pourquoi Tu avais déjà un plan en fait où... En fait, je suis parti pour des raisons et personnelles, et, euh, puisque j'étais avec euh, quelqu'un avec qui après je me suis même marié, etc., qui était une chanteuse aussi et qui voulait travailler là-bas. Euh, et donc, qui ne voulait, voulait pas faire tenter de carrière ici en Europe, qui voulait tenter de carrière là-bas. Bon, et, et puis, si tu veux aussi, parce que euh, à un moment donné, tu as la sensation d'avoir fait le tour et si tu veux, en France, à l'époque où j'ai quitté la France, je, je, je ressentais quand même un, un climat qui commençait à être un peu... Je ne sais pas, ça me plaisait pas trop. Ça me plaisait pas trop, donc j'avais cette... Euh, cette envie de voir qu'est-ce qui se cachait là-bas. Et d'abord, je suis parti à Londres, en fait. Ça, c'est mmh. marrant aussi, parce que si tu veux, à l'époque, je me rendais pas compte, et je pense qu'il y a beaucoup de Français qui sont dans ce cas, quand, quand une musique passe à la radio, je ne, mon cerveau n'était pas capable de dire Ah, ça, c'est américain, Ah, ça, c'est british. Ouais. Mmh. Ce pas pareil, si tu veux. Voilà. Et en fait, donc, comme j'étais pas capable de ça, moi, je pensais que l'Angleterre, c'était la même chose, quoi, tu vois. Et donc, je suis parti à Londres un an et demi. Je suis resté un an et demi. C'était d'ailleurs. C'était sympa, franchement, je ne regrette pas du tout. C'était un beau moment et tout. Euh, J'avais un beau studio là-bas aussi, à Islington. <laughs> mais, euh, mais par contre, niveau musique, je me suis rendu compte que ce n'était pas du tout ce qui me faisait kiffer. Parce que, alors, l'urban anglais, le grime, ça ne me fait pas du tout kiffer. Ouais, ouais, ouais. c'est particulier. Et la pop rock, si tu veux, à l'époque, il y avait de la pop rock à Londres. On n'a jamais arrêté de faire la pop rock, les groupes, les bands, tout ça. Mais à l'époque où je suis parti, c'est-à-dire en 2000, je sais plus, 2003 ou 2004, un truc comme ça, euh, c'était pas du tout le moment de faire de la pop rock. Aujourd'hui, peut-être ça le serait. Aujourd'hui, ça serait peut-être un bon moment d'aller à Londres. Mais alors, moi, je me suis retrouvé là-bas à une période où je me rendais compte que tout ce qui me plaisait, qui était l'hip-hop américain, en fait, ou la pop américaine, ne venait pas du tout de Londres. Donc, je ouais. me suis dit, euh, bon, pas la peine y aller, bon, hein. on alors peut-être <laughs> <faut> envisagé <laughs> de traverser l'Atlantique. Et donc, au bout d'un an et demi, je suis parti à Miami. Ok, ouais, d'accord. Après, je suis parti à New York. Je suis resté plusieurs années à Miami, et après, plusieurs années à New York. Quoi. Okay. Dubaï aussi non t'as fait à Dubaï c'était après Dubaï c'était ouais, quand j'en ai eu marre ah, de, des États-Unis États je voulais prendre des longues vacances euh, je me suis dit bon allez c'est bon j'étais été un peu tranquille on va dire financièrement j'ai dit tiens allez je vais vivre à Dubaï j'ai vécu trois ans d'accord c'était une bonne expérience ou pas ah ouais super ouais, super, super, franchement, super. Franchement, ouais. après pas pour le professionnel ouais 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 ou trois ans tu te dis euh, bon j'ai peut-être rentré quand même j'ai rencontré personne mais par contre au niveau de la vie la vie que j'ai vécue là-bas, c'est ouais, génial. C'est ouais, Le seul reproche, c'est il fait trop chaud l'été. Ouais, ouais. En gros, ouais. les quatre mois d'été, tu t'en vas parce que sinon, tu. Je <laughs> okay, hein. me souviens d'une fois à 3 h du matin où j'ouvre ma fenêtre je lui dis, oh, j'en je, peux plus, je vais prendre l'air. Et là, tu ouvres 48 <laughs> degrés dehors. Je, je remerde. <laughs> ouais. la clip. Voilà, ah ouais, donc, <laughs> mais nous dans le sud c'est ça hein, même en hiver à Nice hein, c'est bien connu <laughs> ah, je vous, en dis, je vous en et il euh, y a tiens, Armand qui dit c'est obligé d'avoir 10 000 abonnés pour signer chez un, un éditeur et juste une île plus bas il y a Alex qui dit 100k followers ouais, je pense que c'est plus euh, 100 000 followers qu'il faut avoir pour signer que, que 10 000 je pense que maintenant 10 000 t'es pas considéré Enfin euh, c'est une donc, généralité euh... mais je pense que maintenant il faut, les labels veulent que tu aies déjà hein, en fait que es déjà marché avant de te prendre quoi, tout simplement euh, c'est ça hein. De pire en pire. Ouais, ouais enfin, ça peut dépendre, hein, parce que ça dépend ce que tu fais. Disons que si, si es dans une musique, euh, ça dépend totalement de la musique que tu fais, en fait, parce que il n'y a pas que ça. Mais disons, en tout cas, si tu arrives avec des réseaux sociaux inexistants ou où, euh, où, où tu as pas de followers et où surtout, c'est en fait, je veux dire, c'est pas tellement les followers. C'est de voir est-ce que tu es quelqu'un qui maîtrise les réseaux sociaux. Est-ce que mmh. tu fais ce qu'il faut sur les réseaux sociaux. Est-ce que tu voilà, est-ce que tu as compris le truc mmh. du réseau social, tu vois Et tous les artistes qui cartonnent compris le truc du réseau social. C'est-à-dire que ça consiste à, à faire un petit peu de making of de ta vie d'artiste. Qu'est-ce que tu fais De ouais. montrer un peu les coulisses Comment tu t'y prends Bon, ça c'est une première partie. Ça consiste à montrer qui tu es, donc des belles photos de toi, de t'exhiber un peu avec, euh, avec euh, ce que tu as de, comment dire, de plus clips, beau à montrer. Des... Voilà. Mais, mais par contre, la troisième partie est la plus intéressante et c'est là où les gens en général se plantent sur les réseaux sociaux, à mon avis puisqu'on en a parlé récemment, le cas s'est présenté récemment, mais on a parlé avec un peu un spécialiste de ça, et qui nous a fait bien comprendre que le plus important, c'était de montrer ce que tu montres pas, c'est-à-dire ton intimité. Parce que qu'est-ce ouais. que les gens viendraient chercher sur tes réseaux si ce n'est autre Chose qui, qui dépasse euh, ce que tu fais, c'est à dire que euh, en fait il faut que tu montres un peu où tu vas manger, ouais, euh, comment ouais. est ta vie, euh, où tu habites, la, la, dans la ville où tu vas, à quelle soirée mais, tu vas, mais bah, c'est ce, ouais, ce que c'est ce que je te disais en début là, c'est qu'aujourd'hui je pense qu'il a besoin d'une identification et de vraiment de, de, que les gens se sentent proches de l'artiste qu'ils aiment et que vraiment ils ont l'impression voilà. que ce soit voilà. leur pote quoi, en fait, contrairement avant où c'était des gens euh, inatteignables, tu vois, justement ça, ça a beaucoup changé, je pense, ouais. Ben, sinon, pourquoi ils te follow, tu vois ouais. si En fait, ils si te posent juste des photos, par exemple, de toi. Bon, OK, mais au bout d'un moment, à moi, ça dépend des musiques, encore parce que tu as des musiques où si tu fais une musique où tu vises, euh, c'est très commercial et tu es un beau gosse et tu vises les, les jeunes, nanas, ou, ou l'inverse, ben, forcément, tu poses posent des photos de toi euh, ça, ça a de l'impact, mais bah ça, ouais. donc ça dépend de la musique que tu fais. Mmh. Euh, mais en tout cas, je pense que ce que veulent les gens sur les réseaux, c'est de la proximité, c'est-à-dire ouais. que moi, je sais que si je le faisais, bah, il faudrait que je montre qu'est-ce que je fais en dehors des tutos et pourquoi j'ai acheté ce matos et où je vais manger, où j'ai euh... un truc. Il faut répondre, c'est un boulot. Est-ce qu'on a envie de faire ça, mais un, il faut ouais. le prendre comme un travail, hein. c'est un travail à, à part entière, et donc c'est pour ça que je disais, c'est pas qu'un talent de faire la bonne chanson. Mmh. Euh, ok, c'est important de faire la bonne prod, mais qui es-tu Est-ce que tu es bankable au niveau de ton personnage, tu vois euh, c'est important c'est aussi important que le reste et, et surtout aujourd'hui voir si plus es en ND, voir plus presque <laughs> et ouais en gros ce travail il devient la musique devient je dirais un tiers ouais. et après tu as un tiers de réseaux sociaux et un tiers de je sais pas quoi d'autre faudrait voir tu vois mais de, de plein d'autres facteurs tu vois donc en fait euh, quand on se focus sur la musique on dit je comprends pas j'ai bien travaillé mais ça eh ouais mais ça suffit peut-être pas il y a peut-être mmh. d'autres facteurs extra musicaux on va dire euh, ouais. Ah ouais ouais faut, faut être multi, euh, multi tâches, <laughs> faut savoir prendre des ouais. photos, si être un peu photographe, être un peu vidéaste, etc. C'est clair. Ok Ça. Merci du conseil sur le chat, il te remercie pour ce, ce bon conseil. Et, euh, et alors du coup, pour, pour clôturer ton parcours, à moins que tu aies un truc intéressant, vraiment, enfin intéressant, un truc particulier à dire sur ton parcours... Euh, euh, non. non, tu sais, mon parcours, il est... beaucoup de gens ne le comprennent pas parce que si tu veux, euh, et je n'ai pas, pas de problème à en parler, euh, j'ai été dans des gros, gros endroits à suivre, des... à collaborer même avec des grosses teams, tu vois. Bon, je te dis la team à Miami qui gérait Ricky Martin, Jennifer Lopez, Gloria euh, Stéphane, tous ces artistes-là. Et j'y étais à l'époque en plus où où C'était chaud. Miami ouais. était un 2004-2005. Il y avait Lil John, il y avait Scott Storch, il y avait tous ces gens-là, tu vois. Donc c'était le moment d'être à Miami, mm -hmm. c'était vraiment là. Donc j'ai beaucoup appris là-bas. Euh, et après, j'étais à New York. À New York, j'étais. Euh, on collaborait dans la team Bad Boy, tu vois. Donc c'était. Il y avait tout un étage. Il avait acheté tout un étage. Il y avait plein de beatmakers, plein de studios qui prodaient toute la journée. Ouais. Et lui il arrivait le soir ou ses artistes et il piochait dans les prods, etc. Mais c'est un travail, si tu veux, de ce qu'on appelle ghost ou où... enfin ghost, c'est pas vraiment parce que Il y a plein de beatmakers qui sont soit en freelance soit embauché etc et tu travailles dans des équipes de production les ricains ils sont beaucoup plus d'ailleurs tu le vois quand tu vois les crédits des albums sur les, mmh. sur les albums ricains il y, y a du monde <laughs> ouais 128 et personnes, tu vois. Ici, tu vois deux gars euh, qui se battent un bureau. Et en fait, en gros, c'est ça c'est vous êtes, euh, pour, pour situer un peu, vous êtes dans un, dans un local, vous êtes genre 10 ou 15 beatmakers, vous prodez toute la journée des trucs un peu comme ça, et puis vous faites écouter le soir, et puis ils choisissent le ouais, meilleur. C'est ça, en gros. C'est ça. ça. Chez les teams, par exemple, chez Bad c'est tu as des studios, enfin, y a, ça n'existe plus, hein, ça s'appelait ça House. Il a fermé, ils ont fermé boutique mais euh, c'était euh, des studios t avais un gros studio avec SSL où ils finalisaient et avais des petites cabines des régies des, des studios de prod euh, une inspiration room c'est-à-dire une pièce d'inspiration où les auteurs écrivent les artistes pouvaient marquer des murs sur un tableau blanc euh, et marquer des mots pardon sur un tableau blanc euh, avec euh, pour, pour les thèmes des chansons qu'ils recherchaient tu vois et les auteurs qui passaient par là écrivaient des textes sur ces mots là euh. enfin tu vois c'est tout un pool de création qui n'existe pas en Europe et c'est pour ça qu'ils sont forts quoi ils sont créatifs euh, ils sont euh, non-stop 24h mmh. sur 24 chacun tu vois euh, ça, ça s'enchaîne il y a des roulements chacun propose ce qu'il a proposé et ouais, puis tu as du donc challenge en plus de... ils sont challengés entre eux quoi, forcément ouais, euh... ouais, ouais. il y a de la compétition qui reste bon enfant on va dire mais ouais. oui bien sûr mmh. et, et donc c'est des façons de travailler alors soit c'est ça Soit c'est des équipes, alors ça peut être ouvert entre guillemets, ou fermé, il y a des équipes. Euh, on avait collaboré un petit peu avec la team Darkchild, Darkchild c'est un des plus gros producteurs américains, tu vois. Euh, et là, c'est fermé, que là, tu rentres pas dedans. Là, c'est euh, euh, juste leur team qui travaille, mais ils sont nombreux, ils, sont, ouais, ouais. Tu vois, ils font des chansons tout l'an. Et, et donc, tu as des ingéants, tu as des auteurs, tu as, as des compositeurs, tu as des, 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 des producteurs. Et tous tout les gros poules américains, c'est comme ça, ça marche par team. Mm. Et l'ambiance était quoi, cool, de manière générale, tout était respectueux, c'était ah ça ouais, c'était ouais, pas, c'était pas le bordel, non, c'était cool, mmh. c'était clean, <laughs> on va dire. Ouais. Et clean aussi, parce ouais. que ça c'est un mythe qu'il faut casser, euh, surtout dans l'urban, ouais. ricains, quand tu vois les 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 gars qui ont l'air d'être des gangsters et tout, en ils fait. arrivent en studio où, ils, où tu les rencontres dans la vie, ils sont des businessmen les mecs, ouais. c'est-à-dire que c'est le gars évidemment tu as toujours des exceptions as oui, as le sûr. gars qui est et qui est vraiment gangsta tu vois. mais ça reste une très très petite minorité la plupart c'est un personnage qui se donne ouais. et euh, quand ils sont travailleurs mais travailleurs mais c'est ça tu vois que moi j'ai du mal à retrouver en france ouais, ouais, j'allais dire c'est un peu moins le cas en france, france le, le sérieux du, du boulot hein. voilà. le mec se lève à 6 heures du matin et à, et à une heure ils y sont encore tu vois. Ouais. non c'est c'est du c'est du taf c'est ça que qui est difficile à retrouver ici et depuis, que je suis rentré. Si tu veux, c'est un petit peu une de mes recherches. Et je, 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 je suis peut-être au bout là d'y arriver. J'espère. Euh, je vous en parlerai plus tard si, quand ça sera fait. Mais euh, je cherche des artistes à développer dans l'état d'esprit des prods américains ouais. et à chaque fois, si tu veux, ça va jamais au bout. Ça se, ça, alors tu me diras déjà en temps normal c'est difficile, mais en plus quand tu veux faire travailler les gens à l'américaine et que tu te, tu te, heurtes vite à, à un refus. C'est quoi Mais non, mais t'es fou, je vais pas faire tout ça comme ça. Non, non. Tu vois, Je veux dire, une session vocale à l'américaine, c'est, j'en ai une sur l'écran d'à côté là. C'est si je peux te partager, tu verrais, il y a 130 pistes. Ouais. Que de vous. <laughs> D'accord. Alors certes, sur une piste à que A. Ah, tu peux avoir une piste qui n'a que un A d'accord ouais. parce que tu vas le traiter d'une manière spéciale et donc ça prend une piste avec le processing qui va avec mais ça fait quand même à la fin ça me prend piste de vocaux ouais c'est quand même un truc de fou pourquoi parce que chaque fois que tu fais une un doublage ou un truc tu dis bon encore trois fois quatre fois cinq fois six fois huit fois merci j'en ai, ai huit c'est bon merci hop et tu passes à la suivante donc si tu veux, ça ça, ça ça se cumule vite tu vois mm. euh, ou alors dans les armo dans les ce qu'ils appellent les moments les moments c'est des des bouts de, de morceaux de syllabes que tu ouais. prends et que tu okay. réverbères différemment, que tu processes différemment, tu vois. Donc tout ça, c'est un travail ce de ce qu'ils appellent de sound design, de vocal producer, ouais. qui n'existe pas en Europe. Non, non, non des vocal Il ouais. y en a pas. Ouais. Ouais. Ouais, ça reste assez euh, beaucoup plus soft les voix, le traitement des voix, etc. Ouais. Ouais, j'ai ouais. vu ouais. deux trois projets vois... là dans dans, dans, ouais. des, dans des tutos, ils, ils ouvrent les projets dans the weekend et tout, hallucines sur le nombre de pistes. Moi j'étais là, j'ai putain. Voilà. <laughs> ouais et sur le processing des fois de trucs que tu pensais être un FX tu t'es dit bon bah le producteur il a mis un FX et tu te rends compte que non c'est une syllabe de vocal ah ouais, qui est juste... traitée, reversée et en fait c'est un FX qui, qui se crée à partir de, de l'artiste lui-même ah ouais. et ça ça si tu veux je crois que c'est le truc où j'ai le plus vu de différence entre les States et ici c'est vraiment sur les vocales quoi. Là mm. il y a mais alors c'est un univers euh, c'est pas du tout pareil quoi ça c'est ça c'est clair ouais. parce que en, dans les instruments maintenant il y a des producteurs euh, surtout dans l'urban français qui ont match, matché le level d'Éricain à peu près dans la fabrication des instruments ils y sont quasiment tu vois euh, donc là dessus euh, il y a du il y a du level surtout ces cinq dernières années. Avec les tutos, avec tout ça, ouais. tu as des producteurs qui ont vraiment matché le level des, des Américains. Mais sur le, concours... le level, tu ne parles pas forcément du level audio. Hein, ça, ils sont, on est encore un peu à la traîne non, sur le, la puissance du level. Ouais, non, pas audio. Mais ouais, je parle le de level, tu parles. Ouais. 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 Ok. Ok. Euh, ok, alors je te lis un peu les commentaires. Il y a, alors il y a des gens qui sont contents que tu t'es bien rétabli. <laughs> et qui te, euh, qui sont, je ne suis pas tout à fait rétabli, tout à fait, mais, ouais. mais on y est presque. <laughs> ouais, ouais. Donc voilà, ils te, ils te souhaitent plein de bonnes choses. Il y a quelqu'un qui nous demandait, je ne sais plus, si c'était une bonne idée, par exemple, pour faire de l'électro, de manière générale, de partir à Ibiza vivre. Euh, je ne connais pas bien Ibiza, mais je dirais que non, <laughs> parce que je crois que c'est une ville un peu morte. À part, enfin, c'est une ville de fête, mais je ne suis pas sûr qu'il se passe beaucoup de choses. Hors saison dans le business, je sais pas si tu connais toi Ibiza, mais. Non, pour être très honnête, j'ai jamais mis les pieds, ouais. alors qu'on m'a proposé plusieurs fois d'y aller. Mais j'ai entendu des gens qui sont allés qui disent que c'est aussi. Ça dépend ce que t'aimes. Il euh, y a aussi une partie d'Ibiza qui est très nature, très jolie et très. Donc si t'aimes ça, euh, voilà. Après, je crois qu'aujourd'hui, effectivement, ça dépend du style de musique que tu fais. Voilà, il parlait euh, d'électro. Si tu... hein, de... Électro, ouais, voilà. électro, tu peux être où tu veux, puisque de ouais, toute façon. je pense. Euh, est, tout est carrément dématérialisé jusqu'à la distribution aujourd'hui jusqu'à tout ça. Donc à la limite, j'ai envie de te dire, euh, tu peux être où ça te ouais. fait plaisir d'être. Bah justement, c'est une Sauf question que... Ça que je me posais aujourd'hui. Toi, tu penses qu'on peut être partout. Il n'y a pas besoin comme avant d'être euh, d'être à New York, d'être ouais. à Miami, d'être. Euh... Oui et non, parce que si tu veux, regarde pourquoi je suis revenu à Paris. Moi, je m'en serais passé de revenir à Paris. Ah donc il y a l'info parce, joué, parce que tu t'avais pas dit que tu étais à Paris. Je savais pas si on, on pouvait le dire. Euh, ouais, <laughs> bah, bah, non mais bah, ça va. <laughs> euh, tu veux, c'est. Euh, J'étais mieux dans le sud au soleil, tu vois, je veux dire. Ouais, ouais, ouais. Ben, je, je sais. Je suis quand même revenu à Paris parce qu'à un moment donné, dans ce que je fais moi, j'avais besoin de trouver des chanteurs et des chanteuses. Et, euh, et donc, quand un chanteur ou une chanteuse sent qu'il va exploser, qu'il a de quoi réussir, il vient ici. Tu vois et donc, bon, ça ne veut pas dire que tu ne peux pas le capter sur ses réseaux et dire Ouais, tu veux pas collab, je suis là, je suis là, vas-y, viens chez moi. Ou, ou on collab à distance. Aujourd'hui, il y a tous les outils pour collaborer à distance. Mais n'empêche qu'à un moment donné, dans ça, quand tu veux, quand as besoin de voir les gens, et surtout pour faire comment tu enregistres un mec si tu es dans deux villes différentes, c'est chiant, tu vois. Ouais. Ok, notre poteau Nabil pourrait nous expliquer qu'avec ah ouais. base, tu peux <laughs> faire euh, des prises à distance et tout, et tu peux faire ça avec Pro Tools aussi. Mais si tu veux, n'empêche qu'il y a un moment, il y a un truc où humainement, tu es obligé de vivre un peu avec l'artiste, ouais, ou... ouais. de devenir ami, d'être de, de, proche. De... Donc tout ça. Est-ce que c'est faisable en étant loin? Donc, mmh. bon, maintenant, le gars qui fait l'électro et qui va prendre un fit, qui va payer des sites comme, euh, je ne sais plus les noms, mais. Ouais, euh, Fiverr, tout ça, là, et compagnie. Ouais. Et trouver des chanteurs, des interprètes ça, ou des machins marche. qui vont poser à distance, lui renvoyer la wave, il va intégrer ça dans son mix. Tu veux, quand tu fais ça comme musique, bah, tu peux être où tu veux, tu vois, clairement. Donc, je dirais, ça dépend vraiment ce que tu fais, quoi. Mmh. Ça dépend vraiment. Et ça dépend si tu veux socialize, comme ouais, tu veux. Ouais. Mmh. Oui, il ouais, euh, faut euh, socialiser, quoi. Ça, faire, faire des ouais. rencontres vous de business. Quoi. Après, il faut savoir faire, hein. ça c'est un métier aussi, hein. de savoir et se moi, vendre bah, et d'aller voir les suis, gens. Moi et... ouais, ouais, moi je je le dis, moi je suis nul à ça. Mmh. Et donc, si tu veux, le fait de revenir à Paris, ça permet que les gens qui me connaissent, euh, qui m'aiment bien, j'espère qu'il y en a qui m'aiment bien, tu vois, <laughs> euh, ils me disent Ah, Brigitte, à Paris, ouais, bah, tiens, on boit un café, on, un truc, voilà. Mais moi je suis nul à ça, moi je suis ouais. nul, là, je vais pas aller Tu n'arrives pas provoquer le truc, quoi, Voilà, ça n'a jamais été mon truc. Et, et voilà. Donc, je laisse faire naturellement les gens qui viennent vers moi. Et, et voilà. Ça se ouais, passe après, il faut un difficulté. peu forcer, hein, <laughs> quand même. Moi, je me soigne je me, je me hein, pour ça. Je me force un peu à, bah, tu vois, par exemple, voilà, à, à aller voir des artistes et leur dire est-ce que tu veux venir dans l'émission, etc. C'est un truc, avant, Merci, je j'aurais pas, pas osé le faire. Et puis, je me suis rendu compte que la plupart du temps, tu as souvent des oui. Puis, si c'est des non, c'est gentil. Et puis, au final, après, tu t'y fais. Voilà. Mais, mais je comprends que ce soit difficile parce que tu as toujours peur de déranger, peur de te la péter, peur de machin, quoi. C'est. Bon, c'est ah, un ouais, métier, ouais. Quoi. Non, mais ça, il faut, alors bon, il faut oser poliment casser les pieds aux gens. c'est ouais, voilà, Tu t'en ouais. restes es poli, mais si tu veux, c'est ça que je remarque surtout ici. Et ça, ça me gonflait déjà à l'époque, avant que je quitte la France à l'époque. Mais ça n'a pas changé, ça, dans la nouvelle génération. C'est-à-dire qu'il faut oser gonfler les gens. S'il te plaît, insister, insister, jusqu'à ce que qui mec ah ouais, ça y est, je t'ai capté. Ouais. Et au moins qu'il te réponde, c'est-à-dire du moment qu'il te répond non, oui, mais il t'a répondu, ouais, c'est bon, moins, tu non, peux non, arrêter ouais. de le gonfler. Mais, mais tant qu'on t'a pas répondu, il faut oser.. Poliment mmh. euh, répéter, se répéter. Tu vois, ça, c'est quelque chose qui est attendu. Et moi, j'osais pas, là, au début, faire ça parce que si tu veux, tu as l'impression, si tu es éduqué un petit peu, tu ouais, éduqué, bah, voilà, trois loup, fois hein. que je lui dis, s'il me répond pas, c'est que voilà. Ben non, pas forcément. Mmh. Euh, ici, dans ce pays, c'est comme ça. faut gonfler les gens jusqu'à ce qu'ils te répondent. Quand ils t'ont répondu, c'est fini, là, il faut pas insister. Mais tant qu'ils ne t'ont pas répondu, s'il faut, il a vu 15 fois ton message, il s'est dit, ah ouais, plus tard, ah ouais, plus tard. Ah ouais, plus tard, ah ouais, plus tard, et puis après, jamais, tu vois. Euh, <laughs> Donc, en ça. fait, c'est ça, quoi. Il y a quelqu'un qui demande si tu as bossé avec euh, Ludiaz, ingénieur du non. son. Non, pas Ludiaz. Et il y a Warox qui nous salue, qui fait partie de la team aussi. Salut Warox, dont j'ai le plaisir de faire, de faire ses ouais. masterings. Euh, alors on va passer à MJ Tuto, hein, puisque quand même euh, on va parler de ça. Donc euh, ton parcours du coup ça amène forcément à MJ Tuto. Alors je fais un, un petit disclaimer qui est important, puisqu'on on va parler de ton site. Moi je vais aussi donner mon avis. Je voulais vraiment juste, euh, juste dire que tout simplement il n'y a pas de business entre nous à ce niveau-là. C'est-à-dire que c'est pas une non. pub déguisée, tu m'as pas payé pour l'émission et moi je t'ai pas payé pour venir. Euh, mais euh, je vous ai expliqué au départ pourquoi j'étais content de, de recevoir MJ. Et, euh, et donc l'avis que je vais donner c'est vraiment mon avis sincère et c'est pour ça que je, je suis... Euh, à chaque fois, je vous le recommande, donc il n'y a pas, voilà, y a pas de, de pub déguisée, je préfère toujours le, le préciser. Et, et, et en plus, tu pourrais, parce que j'ai un programme d'affiliation, mais tu n'es pas dedans. Non, mais tu donc, as remarqué, je ne m'en suis jamais servi. Pourtant, je t'ai envoyé voilà, des gens, enfin, c'est vrai, ah ouais, vrai. mais c'est encore plus. Euh, ouais, ouais, il encore existe plus. toujours ton, ton truc d'affiliation Ouais ouais il existe toujours, mais il faut me le demander. Faut ah, d'accord, ok. Sur une bah je... chaîne YouTube ou un truc comme ça bah Je ne sais même On... pas, non. Non, <laughs> mais voilà, pour, comme quoi pour dire que vraiment. Ouais, c'est. Ouais. Non, alors si j'ai un intérêt quand même, <laughs> j'ai un intérêt certain, c'est que du coup, si les gens passent par toi, se forment, font des prods et des tubes, et du coup, ils viennent euh, masteriser chez moi. Voilà, et des masters de ça qualité, enfin, il m'envoie des mix de qualité pas tout pourri <laughs> donc finalement il retrouve son intérêt mais d'ailleurs ouais, c'est une plaisanterie mais, mais je pense que, bah, ça on en a, on avait parlé mais euh, c'est vrai que j'ai l'impression que les ricains ont quand même le sens du partage de plans c'est-à-dire, tu as un bon plan, tu vas le partager, tu as un truc que tu ne peux pas faire, ouais. tu vas le partager. J'ai l'impression qu'en France, c'est quand même très, ah putain, j'ai trouvé un bon plan, je le garde pour moi, il faut surtout pas que ça sache. Et, et du coup, bah, la, la, la roue tourne pas parce que finalement, à force de, de rien ouais. partager, je généralise un peu, hein, mais j'ai quand même l'impression que c'est un peu ça. Bah, si tu veux, ce que je crois que les, est les ricains, ce qui, moi j'ai apprécié à fond vivre là-bas et surtout la vie là-bas. Euh, je trouve que c'est vachement sympa et tout, mais si tu veux, ils, ils marchent souvent par intérêt. Mais il marche même tout le temps, j'ai envie de dire par intérêt, mais de manière sympa. Oui, t'explique. Oui, franchement. Hein. C'est-à-dire, pourquoi il partage C'est pas pour tes beaux yeux, c'est parce que le mec se dit Bon, j'ai un plan, euh, je vais avoir le temps de faire trois prods. Euh, putain, si je pouvais en envoyer dix, ça serait mieux quand même. Alors, donc, s'il si, si pense que tu es, es bon, tu as du talent, il va te dire Tiens, regarde, j'ai ce plan, dans, dans six jours, il faut que j'envoie des prods à un tel, c'est un super plan, tu n'as pas des prods et tout. Pourquoi il te le dit Ce pas parce qu'il t'aime bien quoi, c'est parce que après il te dit. Si une prod à toi est prise, tu me reverses des, des, une partie, de, on partage, on split, tu mmh. vois, il y a une part de porteur d'affaires. Mais c'est gentil, si tu veux. Ouais, ouais, bon, pas... dit, ouais. En gros, c'est par intérêt, mais du coup, au final, ça fait des collabs. Ça fait des trucs qui, ici, n'ont pas lieu parce qu'ici, putain, j'ai un plan, je vais surtout le dire à personne, je vais faire tout seul. Non mmh. euh, Parle-en à tes potes et, et faites, faites la même chose. Dis, bah, si on te prend une prod, c'est aussi grâce à moi qui t'est passé le plan, tu me refiles des points ou tu me refiles... enfin, arrangez-vous, tu ouais, vois. Ouais. Et donc il euh, y a toujours moyen de trouver ça, c'est pas, pas méchant c'est pas mal, c'est pas tu vois je veux dire c'est du business, mais quand tu fais le business avec sympathie, avec le sourire et avec sans, sans arnaque et que tout est clair et que tu dis bah, si grâce à moi tu places, bah, tu me refiles quelques points voilà c'est tellement naturel, c'est tellement, tellement normal ouais c'est du win-win comme ils disent, disent là-bas, voilà, c'est ça ouais. C'est clair. OK, OK. Donc euh, voilà pour le disclaimer. Là, il y a, y a euh, Alex qui nous demande s'il y a le possible retour des one-to-one. One. Je pense pas. <laughs> te manque, de, bien, temps. Te manque de temps. Mais franchement, tu sais, c'est toujours ce dilemme. Et ouais. déjà, entre les tutos, c'est la même chose. -à -dire, soit je fais du tuto, ça me prend beaucoup de temps. Et, et, et c'est pour ça qu'il y a des périodes où je suis pas là. Euh, et Soit je fais de la prod, ou soit je fais de la musique. Et soit je, je ne sais pas, je n'ai jamais réussi à le faire, faire les deux en même temps. Et, j'ai peut-être un espoir d'arriver à le faire euh, dans quelques temps parce que dans ma tête, j'ai une formule qui pourrait marcher euh, que personne n'a jamais fait euh, mais j'attends sur la prochaine release que je pourrais faire ouais. qui serait euh, officielle, signée en label et tout ça. Euh, J'aimerais faire quelque chose que personne n'a jamais fait qui serait de faire un, euh, comment on peut dire, un, un backstage en temps réel pendant qu'on fait un projet qui est signé. Tu vois et donc, ça serait des tutos qui sortent sur la fabrication de tout un album pendant le, le temps où c'est signé, qu'on fabrique et après, ça release euh, et donc j'attends la prochaine occasion de faire ça j'aimerais beaucoup le faire parce que pourquoi parce que je me dis ce faisant je ferai du tuto sur des tutos que j'ai pas à fabriquer c'est à dire ouais, que bah, je ouais, suis en mode elle est là devant moi je me dis ah tiens ça c'est un bon exemple de truc hop j'allume les caméras et ça devient un tuto et ça serait le concept du truc mais je Faut veux faire ça que matière, un tuto ouais. qui sera signé en grosse major ou truc comme ça ouais, forcément. donc euh, ouais. affaire à suivre ouais. mais en tout cas c'est dans mes plans Ok, il y a, y a euh, clips officiels. Oui, il y aura une rediffusion. Euh, ce sera en replay. Par contre, il euh, y aura un truc aujourd'hui là euh, pendant on annonce euh, pendant le live qui va durer euh, 24 heures. Donc euh, donc du coup euh, du coup voilà, restez pour le live et euh, on en parle on en parle un peu plus tard. Je vous dis pas quand. Euh, et Adrien qui me dit vous êtes déjà rencontré Arki et MJ. Ah. <laughs> il est bien curieux. Oui oui, on s'est rencontré. Bon de toute façon, et la, la raison aussi c'est que finalement avec tout ça, on a fini par devenir poteau quoi. C'est à dire que euh, à force de parler technique et tout, ben bah, voilà. Après, ça crée des liens, et puis euh, et donc c'est aussi pour ça que je suis content de te recevoir parce qu'aussi il euh, y a le côté amical, forcément, aussi qui joue, et voilà quoi. Bravo. Bravo. Donc, euh, donc, MJ Tuto, comment tu es arrivé à vouloir partager tes, tes secrets euh, pro provenus des États-Unis? Ah oui, eh oui, eh oui. <laughs> pourquoi eh ben, parce fait que si tu fait ça? Il devait te détester là-bas. Non, il est venu, il, il a tout raconté. <laughs> non, ils savent pas, ils savent ils pas, savent ils pas. pas <laughs> 30, mais euh, en fait, quand je suis revenu de Miami. Euh, J'avais vu là-bas un gars qui s'appelle euh, euh, Tyrants et alors lui il n'est pas de Miami, mais si tu veux, je l'avais découvert là-bas. Qui a un site qui s'appelait Today's Beats, je ne sais pas si ça existe toujours, il faudrait regarder, today'sbeats.com. Et euh, le gars faisait du tuto, et à une époque où ça se faisait pas du tout, je te parle de 2003, euh, voilà, ouais. voilà, ça ne se faisait pas du tout de faire du tuto, et le gars faisait du tuto, alors il était sur Reason. <laughs> putain, en plus. Et alors, Ouais, c'était pas du tuto euh, de, 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 comment dirais-je, de, de, enfin, de, de son, de mixage. C'est du tuto de composition de beats euh, urbains et tout. D'accord. Euh, sur Reason. Un petit peu... Ouais, sur Reason. Et <laughs> après, il est passé, à... je ne sais plus à quoi il est passé à... après. Mais il est resté longtemps sur Reason. Et, et donc, je kiffais trop ce gars. Et, euh, bon, ça n'existe plus, Miami, apparemment. Ça n'existe plus, je ne le trouve pas là sur, sur Google. Hein. Bits. Non. <laughs> ben, euh, ben, il a peut-être Ou alors, il a peut-être changé ouais. le nom de son ouais, site. Peut-être. Euh, et alors, donc, euh, je, je suis revenu après Miami, je suis revenu un petit peu en France avant d'aller à New York, genre quelques mois. Euh, il y avait des problèmes familiaux, des trucs comme ça, donc je suis resté 5-6 mois en France. Et pendant ces 5-6 mois, j'ai même travaillé, il fallait que je travaille et tout. Euh, donc j'ai travaillé euh, dans un magasin de musique à Marseille et euh, pendant quelques mois, tu vois, comme quoi euh, on peut tout faire. Et euh, pendant ce temps-là, je me suis dit putain, il faut que je reparte aux States et tout machin. Et je voulais partir à New York, ce coup-là. Et euh, pendant ce temps-là, je me suis dit mais pourquoi j'essaierais pas en français Donc là, on était en 2008. Euh, pourquoi j'essaierais pas en français de faire du tuto parce que moi, je sais des trucs, j'ai appris des trucs dans ma, dans ma life déjà. Et il n'y a pas trop de tutos en français, surtout à l'époque. Je veux dire, ah, ouais, vraiment, il euh, fallait les chercher. Quoi. Et donc, voilà, j'ai commencé, euh, commencé à faire ça. Et comment tu as et fait donc... pour, les, pour te faire connaître justement à l'époque, euh, puisqu'il n'y avait pas trop de réseaux sociaux euh, Je ne sais même pas si YouTube existait, je crois pas. Ouais, YouTube existait bah, YouTube, voilà. Je te ah, YouTube, d'accord. Okay, ouais. euh, je mettais des extraits gratuits sur YouTube. Euh, et dès le premier mois, j'ai eu 300 personnes. Incroyable ouais. Dès Le premier mois, parce que bah, y a, je te dis, il y avait pénurie. C'est-à-dire que voilà, le deuxième mois, j'ai eu 700 personnes. Le troisième mois, c'est monté de façon exponentielle. Et bon, je suis reparti à New York après. Et donc, j'ai continué en étant à New York, évidemment, à faire à moitié de la prod, à moitié du tuto. Et c'est ça que les gens ont du mal à comprendre c'est que des fois, je disparais des tutos parce que bah, ouais, ce n'est pas mon métier. Euh, à 100%, si tu veux, je fais du tuto euh, quand je peux. Et puis des fois, je me dis, oh, allez, j'en ai marre de faire du tuto, je fais suis là Et bon, j'ai toujours essayé de mettre ça clair pour les abonnés, pour qu'ils sachent qu'il y a des mois où je ne suis pas là, il y a des mois où je suis là. Mais tout le monde n'a pas... Parce que les autres sites ne fonctionnent pas comme ça. Ouais. Les autres sites sont réguliers tout le long de l'année, etc., etc. Mais bon, ça fait partie de l'ADN Tuto, C'est comme ça depuis le début. Si tu veux, ça fait 12 ans que c'est comme ça. Donc, euh, je sais qu'il y en a qui ne comprennent pas, mais... Je, je peux pas faire un <laughs> ouais, bah on va justement parler euh, parler de ça. Donc avais monté ça. Donc c'est en quelle quelle quel année 2008, c'est ouais. ça ouais, 2008. Mais 2008. D'accord. Ouais. Ok. Donc ça a pris tout de suite en fait. Tout de suite. Ouais. Ouais. Ok. Ouais. Ouais. Et, et donc maintenant, alors je, justement la, la, la grande question, c'est euh, finalement MJ Tuto euh, à qui ça s'adresse et surtout finalement à qui ça s'adresse pas. <laughs> Ouais, c'est vrai que, alors c'était moins vrai au début, mais aujourd'hui, c'est vrai que je ouais. me suis un peu spécialisé dans les gars qui sont un peu plus avancés. Pourquoi? Parce que si tu veux, et c'est très bien que ce soit comme ça. C'est-à-dire que sur YouTube, tu vas trouver aujourd'hui gratuitement et tous les tutos de, pour débuter, pour apprendre à faire marcher Logic, Ableton, Pro Tools, Cubase, tout ce que tu veux. Et même pour prodé, pour apprendre à prodé au début, tu vas, tu vas, tu vas trouver tout ça. Donc, si tu veux, j'ai changé la formule en 2018, je crois. Donc, j'ai fait 10 ans version 1, version 2, version 3, version 4, où il y avait des tutos de beatmaking, il y avait mm. des tutos débutants qui expliquaient Logic, qui expliquaient Cubase, etc. Et en 2018, je me suis dit, non, ça a trop changé maintenant, et soit j'arrête, j'ai failli arrêter, hein, j'ai failli mm. arrêter totalement, je l'avais dit d'ailleurs, tout le monde a dit, ah, après tout le monde a dit, <laughs> non, on n'arrête pas de ça. Bon, donc ce que j'ai fait en 2018, c'est que j'ai switché à une formule où on ne, pense, on ne parle que des techniques avancées. Euh, techniques de mix, techniques de mastering, euh, les EQ dynamiques, les je sais pas quoi, ou qu'est-ce quoi. Et, alors des fois, on rebascule re vers la prod, comment choisir le bon qui comment j'ai euh, processé une 808, comment ou trouver les bons sons, etc. Mais je fais pas des tutos, si tu veux, de beatmaking ou de. Je fais pas des tutos de... juste pour faire de la prod, quoi. Parce ouais. que je trouve qu'il y en a qui font tellement ça déjà sur YouTube ouais, que ouais. je pense qu'il vaut vont... mieux que les gars viennent me voir une fois qu'ils ont avancé et qui qu cherchent vraiment pourquoi ils sonnent pas comme euh, la prod quoi. de... Ouais. Ou... Voilà, ouais. c'est là où ça vient, je pense. Donc, il faut quand même, hein, euh, je préviens pour ceux qui sont débutants, il faut attendre un petit peu avant d'aller quand même sur tes, tu tes tutos pour pas euh, qu'ils soient tout de suite... Euh... Ouais, ou alors il faut être motivé, motivé. Ouais, ou alors... Un, ouais. Ouais. Un grand ouais. ouvert et à se dire, putain, je veux tout apprendre. par part de zéro. C'est peut-être jouable pour certains, mais ouais. je pense que pour la plupart, ce que je raconte moi euh, aujourd'hui, hein, dans la nouvelle formule, ce que je raconte moi, ça va les, ça va les saouler, quoi. <laughs> tu vois, si tu commences, si tu débutes depuis un mois la MAO, je pense que ce que je raconte ça va te soulager. Par contre, ça fait 2-3 ans que tu en fais et que tu commences à être frustré de ne pas comprendre pourquoi ton son il, il passe pas un certain niveau. Là, je pense que tu vas trouver les clés. Bah, D'ailleurs, tu, tu montres le feedback. C'est pour ça que j'ai énormément d'abonnés. Il faudrait que je continue à aller chercher les feedbacks j'en ai énormément. Quoi. Et ouais, ouais, Ça, ça c'est cool d'avoir un feedback de, de Guetta. Du, du coup, c'est un, un feedback de Joachim Garraud, alors. <laughs> Pardon. Non, non David. <laughs> non, non, je les autres, les autres. Donc, David Guetta, euh, Slapovic, quand même, donc euh, M. Pokora, Magic System et tout, donc français. Euh, Fred ouais. Savio, Aurel San. Aurel San, que j'adore. Hein, est... D'ailleurs, sa série est cool, là, sur. Euh, je ne sais pas si tu as vu sur, euh, sur Amazon Prime. Il a fait une série qui est vachement bien. Euh, Soprano, Kenji, voilà. Euh, bon, je, te laisse, je te laisse. Ouais, il y en a plein. Bon. Non, mais franchement. Très honnêtement, on s'en fiche en vérité. Bah, quand même, c'est toujours bien. Euh, c'est que... important que les, les gars qui, qui cartonnent me fassent ces feedbacks parce que, si tu veux, pour moi, ça a de la valeur énormément à mes yeux. Parce que, et souvent, ils me disent bah, J'ai appris énormément avec toi. Tu vois, voilà. Donc, pour moi, c'est trop cool de voir ça, évidemment. Bah, et je ne m'y attendais pas à tout te dire quand je suis revenu en France. Je m'attendais pas à avoir été à ce point suivi et dans tous les styles, quoi. par des, autant des DJs, des gars qui font de la pop, des gars qui font du urban euh, dur, tu vois, ouais, Florent qui tient Color Sound Mastering, euh, etc., euh, donc des ingé-sondes, tu vois, je veux dire, je suis super content de ça, et, et euh, bah, voilà, j'espère que ça continue maintenant, que je donne des techniques plus avancées, euh, c'est d'autant plus pertinent. je Tiens, pense... salut Tristan, qui est de Nice, J rencont... je l'ai yes. croisé, je croisé <laughs> il n'y a pas longtemps, en vrai. <laughs> euh, ouais, ouais, il y a du monde, il y a du monde, c'est cool. C'est cool. Bah ouais, non, c'est bien comme avis, ça, plutôt que les sur, sur certains sites où tu as, bah, as l'avis de, de, des, des petits producteurs qui donnent leur avis, là, tu as vraiment l'avis des gros producteurs. Quoi. Et euh, ouais, Guetta, bah tu as, as, est... as, as, beau... as bossé un peu avec, des... avec Guetta ou... Ouais, on, a, on a collaboré. J'aime pas trop en parler parce que ouais. voilà, mais mais euh, et puis c'est une histoire personnelle aussi. On a été plus dans la, dans l'amitié, si tu veux et et euh, mais ouais, j'ai un petit peu collaboré avec David effectivement ouais. sur Yana. Et, ouais. et c'était un joke hein, pour, pour Joachim Garraud parce qu'avant avant ils travaillaient ensemble. Maintenant, je, en vrai, je sais même plus s'ils continuent à, à travailler ensemble en fait. Euh, et si tu veux, c'est ma faute aussi le parce départ, que hein. j'aurais j'aurais pu beaucoup beaucoup plus collaborer avec notamment avec David et et avec d'autres gens. Et c'est totalement ma faute si je l'ai pas fait. Ma faute dans le sens où dans ma vie, si tu veux, j'ai beaucoup refusé des propositions, des opportunités que j'ai eues pour des raisons euh, que je suis un, une tête dure, tu vois. Que, <laughs> pas comme non, tu voulais. Ou... Que, ben, par, par, exemple, euh, par exemple, comment te dire euh, Ouais, il y a des trucs que j'ai envie de faire et que j'ai pas envie de faire. Et j'ai toujours dit à tout le monde euh, si j'ai pas envie, je le fais pas. Même ça serait euh, le président qui m'appelle pour ouais. aller. Euh, tu vois je dirais, bah si j'ai pas envie j'ai pas envie et alors il y a des moments dans ma vie où j'étais j'étais peinard j'étais pépère euh, j'avais ma vie petite vie tranquille et j'étais content et j'avais pas envie de euh, aller changer de ville de de ou prendre des avions tout le temps ou de tu vois parce que il mmh. y a ça aussi ouais, bah... ça, ça a des implications de bosser avec des stars ça a des implications que des fois tu 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 ouais. te sens pas capable de ouais, c'est la vie qui dans quoi ouais. ouais donc tous les choix que j'ai faits je regrette aucun des choix maintenant il y a certaines <laughs> opportunités que j'ai refusées ouais. Que si tu l'es raconté, on me dit, mais t'es complètement ouais. fou. <laughs> donc, Mais bon, moi, je ne regrette rien et je suis content. Euh, voilà. J'ai mmh. beaucoup d'amitié pour David, euh, surtout. Et, eh ben, on euh, l'embrasse, il, il nous regarde. David, tu nous regardes. <laughs> euh, alors, justement, je vais parler un peu du système, euh, vite fait, on va parler du système Tuto. Euh, donc, voilà, il y, y a deux. Puis, on va en profiter pour lâcher le premier cadeau, tiens, justement, ça tombe bien. Euh, donc, pour ceux, euh, pour ceux qui nous écoutent, en direct, et même pour ceux, alors là pour le coup c'est pas un cadeau exclusif, euh, ce sera même pour ceux qui sont en, en replay hein. euh, donc tu offres un petit tuto, du coup ça permet à ceux qui ne te connaissent pas d'aller voir un peu quel est le niveau et qu'est-ce que tu racontes là-dessus et de se faire euh, une idée et puis, euh, et puis de voir un peu, donc quel tuto tu vas ouais. nous offrir MJ, dis-nous, qu'est-ce que tu as dans ouais, ton écoute, panier <laughs> bon, J'ai pensé tout simplement qu'il y a un truc qui s'appelle le Top Plugin et dans lequel je, ce n'est pas juste un top plugin. Hein, ça dure 8 heures. Ouais, ouais, alors, oui, alors moi je l'ai vu. Alors, évidemment, je l'ai vu. Mais quand tout à l'heure on a parlé, euh, je trouvais wow, bon, il fait 2-3 heures. Et puis, ah, il fait 8 heures. Ouais, je me suis non, frappé alors, 8 cela heures. Si dit, c'est parce que ça fait des années que je fais des top plugins. Donc, ah oui, il y a euh, le best-of d'avant, de, de, oui, c'est vrai. Il y, a le, il y a le replay, il y a le, voilà, il y a le truc de la V4. Donc, si tu veux, il doit avoir moitié-moitié ou peut-être euh, ouais, la ouais, V4 ouais. et le top plugin V5. Mais si tu veux, je, je, quand je présente pourquoi je préfère ce limiteur ou pourquoi je préfère ce comp, etc., ça va beaucoup plus loin que de juste dire, bah, c'est celui-là, c'est celui-là. Je donne les tips sur ce produit. Je dis, bah, ce limiteur a ça de particulier. Et surtout, j'explique aussi des, des, des te certaines techniques. Ouais. Donc, si tu veux, ouais. j'ai appelé ça mon top plugin, mais en réalité, ça va bien au-delà. Les... Et je pense que c'est une bonne porte d'entrée pour voir après ce qui peut intéresser. C'est-à-dire s'il y a des choses qui ont plus... Dans la saturation ou dans le multiband de compression ou dans ceci ce, ou cela, ça peut permettre de se référer après à d'autres tutos. Euh, donc voilà, donc si on peut offrir celui-là, ben, euh, je te fais un code gratuit là, tu le, tu le marqueras peut-être dans la description. Ouais, alors le code, de, le code, donc c'est Arki Free, c'est ça C'est ça, c'est ça. A R K I -E F R E E, donc en majuscule. Voilà. Majuscule. Donc, n'importe qui qui va sur le site et qui s'inscrit met ce code et, et aura ce, déjà ce tuto gratuit. Puis il y a plein d'extraits gratuits, hein, sur tous les tutos, il y a plein de, de ouais, gratuits. faire une idée. Et bon. ouais, il y a MatCat qui est le top du top. Ouais, ouais, moi, pour, pour utiliser, pour être très fan de, de plugins comme toi, pour en utiliser beaucoup, il ouais, y en avait beaucoup qui étaient, euh, qui, étaient dans, qui étaient dans ma collection. Et puis quand tu n'as pas le premier, tu fais Ah merde, j'ai pas le premier. <laughs> il faut que je l'achète. Ouais. <laughs> et du coup, tu me fait dépenser des sous. Bon, après. Voilà. Euh, euh, ça euh, lâche là. Hein. Ouais, après, euh, après c'était une question que je voulais te poser. Est-ce que, voilà, c'est vrai que quand, quand on voit tes tutos, en plus, tu parles tellement bien des, des plugins et tu montres comment ils marchent, et puis voilà, t'es tellement convaincu ah. par le fait que ça sonne bien, et c'est vrai, qu'on a l'impression quand même, ah merde, putain, si j'ai pas, j'ai le top 2, mais euh, j'ai ce limiteur, mais j'ai pas le limiteur numéro 1, si je l'ai pas, je vais pas pouvoir proder. Est-ce que, euh, est que, vraiment, c'est très important tout ça Est-ce il faut un petit peu... Euh, comment dire, euh, ne pas forcément tomber dans le piège aussi de d'avoir euh, ouais. 20 limiteurs, 20 trucs, tu vois. Euh... Ouais. Pour être très honnête, tu peux faire un hit avec rien, avec mmh. ton séquenceur. Voilà. <laughs> Donc si tu veux, mais enfin, encore que là aussi, ça dépend du style de musique, parce qu'en électronique, si tu fais de, de la, je sais pas, main room, de... c'est beaucoup plus dur, parce que si tu veux le level en termes de sound design et de prod et de mix, en électro, il est beaucoup plus élevé que si tu fais une instru urbaine. Ouais, ouais. Euh, ah, ben bah, si enfin, tu, fais... tu le reconnais. <laughs> ah, bah, bah, non, euh, ouais. Je prêche enfin, en pour ma paroisse. Euh... <laughs> non, mais c'est clair. Parce que si tu veux, le, 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 le ratio, il y a peut-être moins de musique ou moins de, de, de compos, de groove, etc. Et plus de prod et plus de, de technologie. Ouais. Donc en fait, selon les musiques que tu fais, donc je veux dire combien d'artistes ont fait des hits numéro un avec FL Studio. Point ouais. un, terminé. Ouais. Avec les plugins d'FL Studio, surtout en urban. Euh, bon ben voilà et c'est très bien. Bon après dans la pop mainstream ou dans l'EDM... Si tu veux rivaliser justement avec David Guetta ou un truc comme ça, il y a du match-level à faire avec de fou, qui va mmh. nécessiter des techniques, du son, qui va nécessiter, tu vois. Donc c'est pas pareil que si tu veux faire une Instru avec quatre instruments et où tout est dans la 808, dans le groove et tout. Mais même là, en réalité, aujourd'hui, dans les produrbanes plus, les plus prodés, quoi. Yeah, il faut, faut connaître certaines techniques, il ne faut pas exagérer. Ouais, tu vois. Non, non, mais alors les techniques, je suis d'accord, mais je, je, je voulais dire qu'il ne faut pas qu'en fait quelqu'un pense ne pas y arriver parce qu'il n'a pas peut-être les bons plugins. Et des fois, ça peut servir aussi d'excuse, ouais. tu vois. C'est-à-dire, à un moment donné, euh, de faire de la musique, c'est difficile, c'est quelque chose qui est, où il faut mettre de soi. Et, euh, et quand tu as la flemme ou quand finalement tu n'as pas envie ou que tu n'as pas d'inspiration, tu vas essayer des fois de mettre ça sur le compte de la, de la, du matos et dire Ah, oh, de toute façon j'arrive pas parce que j'ai pas ce limiteur machin donc c'est à dire que plutôt plutôt dans ce sens là de pas tomber dans ce piège de c'est pas le c'est pas le matos c'est c'est pas les plugins en tout cas quand même qui font qui font le, le succès quoi il faut pas non plus non, dépenser non. tu vois faut peut-être plus bosser qu'acheter qu des plugins par à la contre pelle. par contre il y a un truc beaucoup plus vrai que les plugins qui fait tout c'est les sons alors ça ah oui, oui c'est le choix bon, des sons ça, on va en parler, là vraiment. on discute c'est à dire que là pourquoi Parce que surtout dans la période aujourd'hui où on vit, où t'as, on en parlera peut-être tout à l'heure, mais où tu as des banques de sons et ouais. des, des, des trucs. où si tu veux, euh, tu, tu prends la loupe ou tu prends le kick ou tu prends le machin. Il est processé, il est tout, il a tout le truc. Ouais. Donc il ne reste plus qu'à jou jouer, faire la bonne musique avec. Mmh. Donc si tu veux, ça t'épargne tellement de problèmes techniques que aurais eu si t'avais pas pris le bon son au début, pas processé comme il faut. Ou là, tu aurais dû connaître des techniques pour le processer. Et c'est pour ça d'ailleurs que les jeunes s'en sortent avec rien, ouais, bah. parce que Là, ils vont je sais pas où et, et, et ils prennent les sons qu'il faut. Ils ont le goût, par contre, il faut ouais, avoir développé le. Ouais, ont... Parce que ça, combien de fois, et j'ai eu vu quand je faisais les one-to-one -one, justement, des gars qui m'envoyaient leur prod et à chaque fois je leur disais Mais tu sais, c'est pas un problème de technique, c'est pas que tu n'as pas la bonne reverb, c'est pas que tu n'as pas le bon limiteur, c'est que tu n'as pas pris le bon kick, tu n'as pas pris la bonne 808, tu n'as pas, as pas pris le bon euh, patch de sérum, pas... ton synthé. Donc en fait, par contre, je dirais que en, en termes d'importance, le choix des sons et le sound design ça éclate. Les techniques Tout du là. son. Bah bien sûr. Parce que voilà, si tu as fait le bon sound design et les bons choix des sons, en termes de technique, ce qu'il va te falloir appliquer, c'est 30%. Et ouais. 70%, ça va être le choix des sons. Donc c'est ce ratio-là qu'il ne faut jamais oublier. Euh, et donc si ces 30%, tu ne sais pas <laughs> les faire, tu t'adresses à un professionnel qui sait faire. De ouais, ouais. toute façon, on en revient à, coup... à la prise hein, à l'époque. À l'époque où quand tu faisais une prise avec un et micro, oui. si ta prise était merdique, tu ne pouvais, tu pouvais pas faire un truc voilà. bien. Hein voilà c'est l'équivalent l'équivalent ouais. de la prise mais moi souvent ça être ton cas aussi quand tu reçois des prods de gens qui t'envoient des démos ou moi des mastering et que je leur fais déjà un retour pour dire si tout va et la plupart enfin à chaque fois qu'il y a quelque chose à redire souvent c'est moi je dis ça sonne trop preset c'est-à-dire que je sens le synthé qui a été pris d'un preset et on a l'impression que c'est pas un preset pro ou travaillé et ça sent euh... enfin, c'est dur ouais. à dire d'ailleurs puis c'est dur en plus de Il y a pas... je sais pas si un jour tu nous feras un tuto mais je sais même pas trop s'il y a vraiment un tuto qui apprennent à choisir dire les bons sons parce que ça s'explique pas quoi, c'est du feeling quoi en fait en gros. Ben en fait, c'est maît c'est maîtriser ton style, c'est pour ça que c'est difficile de passer d'un style à l'autre parce que si il faut si tu veux, si tu veux faire l'urban, faut écouter de l'urban toute la journée. Et donc en écoutant de l'urban toute la journée, tu vas ressentir quand toi tu es en train de faire l'urban ouais. et que tu prends ta 808 et que tu essaies tu vas dire pourquoi je pas la même sensation mmh. que quand j'écoute un tel, un tel ou un tel Et là, tu vas te dire, au début, tu peux avoir tendance à te dire, parce que je n'ai pas les bons outils, je n'ai pas les bons... Mais en fait, c'est là où il faut que tu te dises tout de suite, ah, j'ai pas pris le bon somme de 808. Ouais, Excusez-moi. Mais voilà. ben justement, il y a un tuto là qui est, qui est, qui est cool. Euh, où tu es allé, euh, ouais. es allé donc chercher dans ta collection, ta grande collection de 808, ouais, ouais, ouais. et en fait tu nous livres quels sont les 808 à utiliser aujourd'hui. Ouais. Et donc il peut paraître un peu cher, mais comme tu expliques au départ, euh, bah, ça c'est des années de travail pour toi d'avoir trouvé ces 808 là. Quoi. Donc, euh, donc non, ça, et puis euh... surtout, au-delà de. C'est même les outils avec lesquels ouais. les faire, tu vois, c'est surtout ça, parce que celles que moi j'ai choisies, ça me regarde. Mais par contre, c'est toujours dans les mêmes banques, toujours dans les mêmes euh, outils. Bah, et selon les styles, ça varie. Et dans ce tuto là, par contre, j'ai couvert EDM, Pop et. Ouais. Ouais. Et urbain. Ouais, ouais. D'ailleurs, je, euh, je me sers beaucoup d'une euh, en, en électro euh, que j'étais passé <laughs> ouais. à côté euh, où on boit le café, tu sais. <laughs> d'accord, d'accord. Voilà, ouais. tu vois laquelle. Et, euh, et donc, euh, donc, euh, donc, donc voilà. Euh, alors, au niveau du site, donc, euh, pour ceux qui ne connaissent pas, euh, donc il y a, y a des tutos qui sont comme ça à l'unité finalement. Donc, les ultimates, c'est vraiment, euh, bon, par exemple, le compresseur ultimate, EQ ultimate. Je pense que le plus important pour démarrer, moi, je conseillerais quand même Equalizer et, et, et ultimate parce que déjà, c'est la base. Et finalement, je trouve ouais. que c'est un truc qui est en général mal maîtrisé, et dont les gens, vu que ça paraît simple, l'équalisation, parce ouais. qu'un égaliseur, c'est simple à utiliser, tu vois. C'est pas entre guillemets. Ouais. Euh, j'ai souvent, j'ai l'impression que c'est un truc qui manque beaucoup le nettoyage des fréquences, l'amélioration. Et, et je pense que s'il y en a un, peut-être qu'il faut voir parmi tous. Moi, je dirais celui-là. Après, je sais pas toi quel est ton avis, mais euh... j'ai beaucoup de mal à avoir un avis là-dessus ouais, parce que ça. je pense que je pense qu en fait. Ça dépend de ce que chacun maîtrise ou sur ce que chacun a des lacunes, peut-être plus sur la compression. Alors il va vouloir aller voir le compresseur, je ne sais pas. Mmh. J'ai beaucoup de mal avec ça, je crois que. Je suis Pas un bon, euh, un bon avis, là. <laughs> pas... ouais. moi mon avis en tout cas, ça serait même pour quelqu'un qui prod déjà euh, de se refaire un tour sur égaliseur ultimate pour euh, refaire un petit rappel parce que je, je me rends compte que c'est un mm -hmm. truc qui est, qui est qui paraît simple mais qui l'est pas du tout. Et je trouve même d'ailleurs que l'équalisation, c'est pas que c'est compliqué à entendre, mais c'est compliqué de faire des choix. Euh, quand, tu, quand tu satures, tu entends assez rapidement la saturation, tu vois ouais. si c'est beau, si c'est pas beau. La compression, malgré tout, tu arrives à voir si tes transients sont différents, ce que ça fait, alors que l'équalisation ça fait quelque chose. Mais c'est plus dur de savoir si ça fait quelque chose de bien, tu vois. Ouais, ouais, ouais. ouais. Euh, et ça, et surtout je... que si tu veux, il y a, y a ce gros problème qui nous, qui n'épargne aucun producteur, quel que soit du débutant au plus pro des plus pros, qui est que quand tu as passé 8 heures sur, sur un morceau, <laughs> euh, tu peux équaliser, faire de la merde, mais d'une puissance ouais. que tu ne te rends même pas compte. Tu dis oh, C'est génial. <laughs> le tu vas manger, tu reviens 3 heures après, tu dis Mais qu'est-ce que j'ai fait ouais. et, et si tu veux, bon, certes, avec l'expérience avec en devenant pro, à, plus les analyseurs, plus tout ça, tu, tu peux éviter des erreurs, même si tes oreilles sont défractées par 8 heures de travail déjà, tu peux éviter certaines erreurs. Mais tu feras toujours des erreurs d'EQ, des ouais. de fréquences que tu as boostées, qui en fait, il ne pas la hein. booster. Parce que si tu veux, l'oreille au bout de 45 minutes, il suffit de 45 minutes, et alors ça dépend à quel, à quel évidemment, volume tu travailles, d'où l'importance de travailler pas trop fort et, et de répéter ce conseil qui n'est jamais assez répété, que les erreurs, tu les entends à très, très bas volume. C'est-à-dire, ouais. ton mix, tu auras toujours l'impression qu'il sonne quand tu appuies sur 8 ici. Parce, euh, parce que moi, j'ai des ouais, ouais. De <laughs> Quand j'appuie sur 7 ou 8, plus tu te et fatigues, volume. plus tu montes le volume, tu, ah. tu montes le volume. Wow, ça tape et tout ça frappe parce que tu entends les transients, tu entends la cogne, tu entends le bas mais après quand tu repasses à deux ou trois et que tu c'est là qui tient plus le mix mm. et un mix qui tient pas à faible volume qui n'est pas beau est fait, et c'est pas que pour les équipes ou tes reverbes à faible volume est-ce que tes reverbs sont belles à faible volume est-ce qu'elles sont pas trop là ou elles sont plus du tout là à faible volume alors qu'à fort volume tu les entendais super tu baisses et tu dis mais elle est drive ma vocale ou qu'est-ce qui se passe parce que tu as mal réglé tes reverbs ouais. Et si ton mix ne marche pas à très faible volume, et quand je dis très faible, c'est très faible. Hein. C'est mmh. genre, je te dis, moi j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, à 1 ou à 2. Tu as enfin. une idée du, du DB à peu près C'est à combien en, en, en DB Tu sais pas, non Tu sais pas. Je dirais peut-être 70 ou. Ouais, donc, ok, d'accord, à peu près ouais. là. Ouais. Fable, ça, c'est vraiment, que... c'est un super conseil, retenez-le, parce que de travailler à bas volume, c'est vraiment un gros secret. On a tendance à vouloir se faire plaisir, à s'éclater les oreilles. On n'entend plus rien. Et moi, depuis que je suis en appartement et que j'ai pas pu faire insonoriser mon studio, pour ceux qui ont suivi l'histoire, euh, j'ai appris à travailler vraiment à faible volume, et c'est vrai que ça change la donne, quoi. Oui, aussi bien pour la fatigue auditive, déjà, c'est pas mal, et pour le, la surdité. Euh... <laughs> pour le choix des sons. Et pour parce que regarde, prendre, mm. alors, je suis, suis peut-être un gars en disant Dada Life, mais parce que c'est l'exemple que je disais toujours depuis, depuis des années. Euh, play un titre de Dada Life à, à bas volume, tu vas voir qu'il tape, tu entends le, le truc, il est... Tu vois, ce que je veux dire Donc, Et, et tous, les, tous les titres bien mixés à très bas volume, tu vas dire, putain le truc il claque, et tu, tu montes au volume parce qu'il claquait déjà à bas volume. Mm. Maintenant, si toi, quand on mix à fort volume, tu dis, ouais, t'as vu ça frappe, tu vas à faible volume. Il n'y a plus personne, tu, tu peux savoir déjà d'entrée de jeu que si ton mix à faible volume, tu l'entends pas taper, ouais, claquer, ça ne va pas marcher. Pas, oui. Ça ne marche pas, tu vois, c'est qu'il y a un truc à faire. Oui. Donc, et ça, c'est valable pas que pour la frappe, c'est valable pour est-ce que tu entends ton sub à faible volume, est-ce que tu est entends tes reverb, est-ce que est-ce que as des fréquences que, qui te pas c'est valable pour la totalité des questions que tu te poses. Est-ce que à faible volume, <laughs> c'est valable ou pas C'est bien. Tu, tu peux pas t'empêcher de donner des tips. Hein. On parle de ton site et tu dévies dans. Ah, <laughs> dans... Cool, <je> suis... ouais. <laughs> non, non, mais c'est cool, c'est cool, c'est du pain béni. Tant mieux, tant mieux. Euh, je, je regarde les commentaires. Il y a, euh, je sais plus qui, Rune, que je salue, euh, qui parlait euh, du hardware justement, de l'intérêt du hardware. Ça, on en parle un peu plus tard. Donc c'est prévu, Rune. On va, on va répondre. Désolé. Il hein, y a beaucoup de questions. J'ai du mal à, à tout voir et répondre. Mais et voilà, reposez-les au pire si jamais on a zappé. Euh, et euh, euh, il <laughs> y a Eventorizo qui nous parle de la prout pédale. Oui, il y a une, une pédale à prout qui est sortie il n'y a pas longtemps. Il demande si c'est utile. Eventorizo qui a toujours le mot pour rire. Il y a, y a des blagueurs dans, 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 dans ma communauté. Ils sont, ils sont ouais, Tout ce qui sert à rien, plus ça sert à rien, <laughs> ouais, plus j'achète. Plus, plus c'est utile. Plus c'est utile. Euh, et ouais, alors il y a Antoine qui dit Vous utilisez quoi comme metteur Alors c'est tellement compliqué comme réponse. Euh, je, je, je te renvoie vers un tuto qui s'appelle euh, Analyzer Ultimate. Euh, ah oui. voilà qui est vraiment 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 cool alors celui-là celui-là quand tu l'as vu tu as, as compris pas mal de choses et je ça parce permet... que c'est mon favori ouais moi, que moi je, favori, ouais, de tout ce que j'ai fait comme tuto et mm. c'est celui sur lequel je veux dire si les pros quand les pro pros, pros m'achètent des trucs ils achètent toujours ça parce que ouais, c'est ouais. vraiment le truc et Donc, puis, et... où je pense j'ai donné les, les tips d'Erika ouais, qui ouais. se passaient pas du tout en France et maintenant je commence à recevoir bah, tiens yadico l'autre fois qui mixait Tyke qui m'envoie le capture d'écran euh, euh, sur la SSL avec l'analyse que j'ai expliqué que ouais. tu trouves nulle part ailleurs parce que bah, c'est que, que les ricains qui font ça quoi. Ouais, moi elle est euh, pour info. Donc, je suis content Alors, que ça arrive en France quoi. Ouais, je, ouais, ouais. Que, euh, je la je la, je la montre pas non, mais attends, je peux pas c'est là je la montre pas mais là ici là j'ai mon écran qui est, qui est éteint là donc il y a toujours l'analyseur hein, qui, qui est sur cet écran là et ouais. qui est, euh, bah, que je ah, avant je le mettais pas tu vois maintenant depuis que j'ai vu le tuto il est toujours allumé j'ai un écran qui est dédié à ça quoi et, voilà et moi ça... aussi j'ai ouais. deux écrans trois ouais. même. et et ça change la donne donc, ouais ça c'est un très très bon très bon tuto et du coup même éventuellement même s'il y a des choses avancées il peut servir à des débutants enfin débutants euh, voilà débutants euh, voilà parce que ouais. justement ça permet quand même dès le départ de savoir si on est dans le vrai et pas faire d'erreur aussi quand même donc euh... oui ça t'aide à régler tes EQ ça t'aide à régler tes ouais. compressions ça t'aide à régler tes limiteurs ça t'aide à tout régler en fait c'est quand tu maîtrises des analyseurs, euh, est même si facile, ton hein. oreille n'est pas encore formée, ah ouais. ton oreille est pas devenue pro, l'analyseur va te dire Attends, mon coco, là, là tu vois, ah, tu pas ton hein. 800 Hz. Voilà. Donc, donc, tu vois, mais à condition de savoir les lire à condition de savoir les programmer, les analyseurs, tu as vu, il y a des presets, ouais, donc, ouais, si tu n'as ouais. pas les presets, bah faut, ouais. ça ne fait mmh. pas ce qu'il faut. Donc, euh, passer à la base, c'est pas fait pour ça. Mmh. Bon, alors ça fait donc, pas euh... tout, évidemment, parce que c'est juste une indication. Ce hein. faut ouais, pas C'est pas parce que ton analyseur est OK que ta prod pro est bonne, parce qu'il y a énormément ouais. de paramètres, mais c'est déjà une bonne indication pour pas faire de grosses conneries, on va dire, je pense. C'est ça ouais. mmh. Ok, ok, c'est cool. Alors justement, donc tous les tutos, bon, je vais pas trop dans le détail, vous pourrez aller voir sur le site, évidemment, tous les tutos dispo, mais je voulais parler donc, de... Alors, déjà, deux choses. Euh, quand il y a un prix, un fichier, et tu vois, il y a marqué euh, complet à 92%, complet. Alors, ce n'est pas moi, je ne me suis pas connecté. Ça ne veut pas dire que je ne les ai pas regardés entièrement. <laughs> ça veut dire ouais. que, je te laisse répondre. Ça veut dire que, si tu veux, c'est le concept du site depuis le départ. Comme je ne suis pas là toute l'année et qu'il y a des moments de l'année où je suis absent, etc., j'ai pris parti de me dire, bon, OK, ce tuto, quand il sera fini, il coûte 200 dollars par exemple. Euh, mais là, j'en ai fait que 30%. Donc, eh ben, il coûte 30% de 200 dollars. En gros, c'est ça. Alors, des fois, le prix ne suit pas tout à fait le pourcentage. Mais si tu veux, l'idée, c'est que quand je rajoute les chapitres, le prix augmente. Parce que, ben voilà, pour l'instant, alors donc c'est avantageux. Pourquoi j'ai fait ça? Parce qu'on me disait toujours, ouais, Michi, ça fait quatre mois que tu n'es pas là, il n'y a plus de nouveaux textes. » Donc je dis, bon, ben, à partir de maintenant, les tutos seront au prix de ce qui est déjà proposé. Mmh. Et le prix augmentera au fur et à mesure que je rajoute les chapitres. Voilà. Et je trouve que c'est une bonne formule. Pourquoi Parce que ceux qui l'achètent quand je poste au début où il n'est pas complet, ils ont payé, euh, par exemple, je ne sais pas, un compresseur ultimate, quand je l'ai ouvert, il était à 70 euros. Ouais. Tu vois et donc quand je rajoute les chapitres je leur demande pas plus de, de, de monnaie ils ont les chapitres nouveaux gratuits donc c'est l'intérêt sur petit Tuto d'acheter un tuto quand je le réalise parce que tu sais très bien que quand les autres chapitres vont se rajouter tu payeras pas les autres chapitres parce enfin, que ceux qui l'achètent à la fin quand c'est fini ben, ils payent le prix euh, ouais. qui sera quand il sera fini donc là par exemple Compressor Ultimate quand il sera fini il coûtera combien j'ai mis 190%. 199 ouais. donc, voilà. euh, pour euh, l'instant comme il est qu'à est qu'à 52 ou 3% je sais plus il est à 135 bon, voilà. Voilà. et limiteur puisque il est à 92 il est quasiment fini et là c'est le prix euh, voilà. normal et en fait il faut savoir que quand je mets un tuto ça aussi c'est je ne devrais peut-être pas faire ça mais c'est ma nature c'est comme ça euh, euh, quand un tuto dépasse 90% tout ce qui reste c'est des bonus ouais. c'est-à-dire qu'en général ouais. il manque 2-3 vidéos où je vais parler de bonus ou de trucs comme ça euh, par exemple dans EQ Ultimate je sais que je devais parler de l'EQ Massenburg euh, faire l'update pour la Filter pour Q3 etc et donc c'est pour ça que certains tutos sont à 95%. Bon, tu vois. Donc, en général, les tutos sont finis quand c'est comme ça. C'est juste les chapitres bonus qui manquent. Ok, ok. Donc, voilà pour ça, cette partie-là. Donc, ça, c'est l'achat de tutos à l'unité. Vous le gardez à vie. Et puis, sinon, il y a la partie abonnement. Alors, juste, je rappelle le code promo. Donc, c'est bien, c'est ça, c'est Arki A R K I F R E E. Arki free. Vous entrez, donc, vous achetez. J'imagine qu'il suffit d'aller dans mon top plugin. On fait accéder, on achète, on met le code c'est gratos donc voilà ça fait quand même un petit cadeau de 24 euros et on vous fait un autre cadeau tout à l'heure donc restez avec nous puisqu'il y aura un autre cadeau en direct c'est pas le seul euh, donc voilà pour ça et, euh, et la partie donc abonnement alors je voulais moi quand même revenir de je t'avais dit que je donnerais mon avis euh, perso sur sur voilà. le, le prix parce que c'est quelque chose qui, qui forcément qui revient bon après ça revient chez tout le monde hein. c'est-à-dire que tout est toujours trop cher pour tout le monde et il y a toujours un problème de prix quoi qu'il arrive mais c'est vrai que c'est quand même une critique que tu que, que tu reçois euh, ah c'est trop cher machin truc voilà alors moi mon avis, c'est à dire que c'est de l'argent, c'est une somme et je peux comprendre que tout le monde ne peut pas se la payer. Par contre, moi je peux comparer le, le, ce que j'ai appris avec tes tutos avec des formations que j'ai faites euh, professionnelles, puisque je considère que ton site comme une formation professionnelle, au moins équivalent à une formation qu'on pourrait avoir dans une école d'ingé quelque, quelque chose comme ça. Et j'ai fait par exemple le Mix with the Master, euh, tu, donc euh, voilà, c'est 4000 balles la semaine. Hein. Euh, alors moi euh, donc j'avais euh, des aides tu sais, avec euh, en tant qu'artiste auteur j'ai été payé ça a été payé en partie mais j'ai quand même mis euh, mille, 1500 balles de ma poche donc pour une semaine hein. euh, j'ai fait des formations par exemple à, des formations tu sais certifiantes à, à lyon euh, de, pendant deux semaines donc tous les jours avec une équipe tout ça je crois que c'était euh, 3000 ou 3000 euros un truc comme ça euh, et je peux te dire que euh, j'ai appris beaucoup moins dans ces formations là que j'ai pu apprendre surtout tout, tout, tout l'historique d'g et clairement clairement. On va dire que c est, c est, ces formations à côté m'ont apporté un petit plus, une petite validation de certaines choses. Alors, j'ai pu poser des questions, c'est la différence, c'est qu'il y avait quand même un, un, une possibilité, voilà, c'était dans les deux sens, c'est qu'on pouvait poser des questions, on avait des réponses. Donc là, les, forcément, tes formations, elles sont un peu à, à, à l'unilatéral, on va dire, euh, mais euh, voilà, le prix n'est pas du tout le même, donc, c'est-à-dire qu'il ne faut pas comparer, je pense, tes formations, déjà avec le YouTube gratuit, ça, on n'en parle même pas, euh, mais avec Eleform, par exemple, tu vois, ça n'a ça rien à voir du tout euh, avec Eleform. Alors, ok, chez Eleform, tu trouves des vidéos à, à 25 balles ou à 50 balles, euh, Hum. Mais c'est pas comparable. C'est-à-dire que vraiment, je pense, et je le dis très très sincèrement, je pense que quelqu'un qui veut donner les moyens euh, d'être producteur euh, avancé, pro ou par passion, je pense que s'il mate sérieusement tout ton site, euh, je pense qu'il a l'équivalent il a de ce qu'on qu peut apprendre en, en école d'ingestion pendant deux ans. Quoi. Sûr, sûr. Euh, alors, sans, sans le côté question-réponse et tout ça. Et je veux pas lâcher, mais ils me le disent d'ailleurs. Il y en a qui ont fait la SAE ou qui ouais. ont fait des écoles. Y, Z, qui me disent punaise je vais... enfin je vais pas dire ce qu'ils disaient voilà. mais bon <laughs> bah, si si pour si. bon, tu veux pas pour non, le problème non, avec la SAE que... <laughs> ouais, bon, voilà. ouais. parce que parce que euh... en fait même les écoles si tu veux et ça moi je le je le retiens pas rigueur c'est comme ça euh, une école ne peut être ultra performante que si elle fait venir des gens du métier ouais, qui travaillent c'est pas souvent si le cas sont mmh. des profs qui sont profs depuis 20 ans. Ah, ils sont ils vont comprendre euh, hein. les techniques. Ils sont, voilà. Donc, si tu veux, ils n'ont pas, à moins que même ce soit remis à jour, etc., ils n'ont pas forcément les techniques qui sont utilisées là, aujourd'hui, maintenant. Euh, donc, il faut pas lâcher la prod si tu veux être prof. Parce que mmh. si tu lâches la prod, tu, tu, au bout de quelques années, tu n'es plus dans ce qui se fait, en fait. Mmh. Et donc, la grande force aux États-Unis, quand tu es à MI, par exemple, ou Berkeley, ou quoi, ou quest c'est que tu as, dans ces écoles-là, tu as les mecs. Mmh. Chain Smokers qui viennent, tu vois ce que je veux dire. Donc, euh, les producteurs, ils viennent, ils font le déplacement dans les écoles ricaines. En France, ça se fait aussi, mais après, ça dépend qui le fait. Je ne pense pas que tous les euh, poteaux qui font les prods de Nakamura ou de Y ou Z, ils, vont faire, euh, dans, ils sont invités dans les écoles à aller expliquer comment ils prodent. Ouais. Donc, si tu veux, c'est un défaut, je m'excuse de dire ça, mais je pense que c'est un défaut français de pas inviter dans les écoles les producteurs qui font le game dans le pays. Voilà, c'est dommage. Euh, Alors, il y a, euh, a Artimoud, je... Ar Ar tu sais, que tu connais, qui fait partie de la Team MJ. Oui. Euh, je l'ai reçu dans une émission il n'y a pas trop longtemps. Lui, maintenant, il bosse dans une école. Et justement, lui, il tient à ça, ça fait ben, des, euh, voilà, à faire venir un petit peu des... C'est super. Mais peut-être que hein. les écoles nouvelle génération vont le faire. Ouais. Je ne dis pas le contraire, tu vois. Mais dans tous les cas, même si c'est euh, si les écoles s'y mettent, euh, une école, c'est deux ans. Et puis, c'est ça coûte une blinde. C'est-à-dire qu'il faut, faut avoir ou des parents derrière qui payent ou de faire du boulot le soir et tout machin. Enfin, c'est... Voilà, je veux pas, ça paraît, ça paraît un peu gros de comparer ton site à une école, mais ce que je veux dire, c'est que je ne veux pas déconseiller non plus les gens de faire une école s'ils peuvent le faire, s'ils ont des parents qui ne savent pas quoi faire et comme oui. études, qu'ils ont des parents qui peuvent leur payer, c'est une chance et ça va être génial. Euh, ils pourront venir après sur touches, ton site pour touche. valider d'autres choses. Pardon. Et puis tu touches le matos, une ouais, ouais, voilà. école, tu touches, tu touches le matos. Hum. Donc ça, c'est, c'est aussi vachement important. Quoi. Mais je veux dire, je pense qu'à la limite, c'est complémentaire. Ouais, ouais. D'ailleurs, ça, je peux l'annoncer parce que. C'est sûr que ça va se produire. Euh, mon site va être certifié Kalidopi. Ah, donc, cool. vous pouvez pour ceux d'entre vous qui ont AGSA ou qui sont des professionnels déjà, avoir les formations remboursées. Ah ben, bah je dans savais pas, pas ça, ça. Ouais, D'ici la fin de l'année, ah, je cool. pense. Cool. Parce que si tu veux, le, le, il me manque encore un papier. Ouais. Mais bah, toujours. sûr, toujours. Ils m'ont assuré que c'était bon. Le... Mais il me manque un papier qui met du temps. Le à... formulaire B12. <laughs> oui, le 138 ouais. 27 <laughs> 32, ouais. Et donc euh, Mais sinon, c'est tout validé. Donc, si tu veux, dans okay. quelques temps déjà, j'aurai la certification pour les pros et je vais me battre pour essayer d'avoir aussi le CMP là ou je sais mmh. pas quoi euh, qui ferait que tout le monde même ceux qui sont pas en, en, en société ou quoi euh, pourrait avoir le CMP là je sais plus comment ça s'appelle c'est le, le remboursement des ouais, ouais. euh, formations cool. mais ça j'ai pas ça c'est plus compliqué ouais, donc okay. pour l'instant euh, bon. je, re, je, les... ouais, je, je regarde les commentaires il y a euh... Euh, magné qui me dit à quel ingé son t'as fait Mixolo Master moi c'était avec Leslie euh, Bra Brace Race que j'ai jamais prononcé je sais pas comment tu le prononces toi <laughs> Je ne le prononce pas. Je, tu ne le prononces <rire> pas. <rire> euh, donc, euh, bah, c'était cool. Après, j'ai déjà parlé de cette expérience. Après, c'était une semaine, c'était les vacances. Hein. On était dans un, dans un mât provençal. On avait des cuistots matin et soir. Oui, euh, oui. euh, c'était très cool. Et puis ceux qui viennent, il y avait beaucoup de, de gens de l'international. Il y avait beaucoup de ricains qui venaient. Eux, ils payent le billet d'avion. Ils, euh, ils payent le... Enfin, je veux dire, c'est un sacré investissement. C'était cool. J'ai appris des choses très intéressantes, limite plus sur la philosophie et la gestion de, de sessions de studio, des choses comme ça qu'on peut peut-être pas apprendre dans des, dans, des, dans, des, dans des tutos, en effet. Mais, euh, mais j'ai pas appris à proder quoi en fait, c'est à dire euh, voilà, c'était mais c'est euh, clairement pour les professionnels, hein. Mix with the Masters, c'était un pro et tu vas voilà. apprendre avec des ultra, ultra, ouais, et tu pro vas le, continuer le, à, à te perfectionner le, et poser les questions que, à des vrais pros, oui. Et puis il faut savoir que par exemple, tous ces gars-là, comme par exemple Dave Pensado, on parlait de lui au début, ouais. qui a fait, euh, fait euh, Mix with ouais, the Masters là, je, aussi, Joshua euh, comment dirais-je, eux-mêmes, quand ils prennent des assistants leur assistant est un ingé est un confirmé. Ouais. C'est-à-dire que l'assistant de ces mecs-là est pour être assistant, il faut être son euh, déjà à un niveau mm. normal, on va dire. Sinon tu peux pas parce que c'est c'est il faut voir la complexité de, 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 du process quand tu es à ce niveau-là, ça a plus rien à voir avec euh, avec euh, ce qu'on peut faire de communément dans les studios euh, lambda quoi, c'est vraiment un process qui est Mmh. Allô quoi bah, Moi justement là, avec Leslie j'avais appris une chose et ça m'avait choqué euh, c'était à en faire le moins possible et en fait moi je pensais que j'allais découvrir des techniques de ouf et en fait j'ai découvert que il ne faisait pas grand chose, mais par contre, tout ce qu'il faisait, c'était hyper, hyper ciblé et hyper utile. Et par contre, les plugins, c'était des vieux waves, euh, quelques UAD. Euh, il n'allait pas chercher loin. Mais par contre, il avait tout de suite l'oreille pour savoir euh, parmi euh, le mix qu'il écoutait avec 100 pistes Ah, euh, j'entends une résonance, hop, je la vire et tout. Donc, euh, donc ça m'a appris à essayer de ne pas en faire trop. Ce n'était pas forcément ce que j'attendais, parce que moi, j'attendais un peu du euh, je t'en mets plein les yeux et tout, mais finalement, c'était peut-être une bonne leçon aussi de savoir que euh, voilà, c'est bien de. Alors après, aussi, lui il travaille dans le hip-hop. Il faut dire que les trucs, ils arrivent, ils sont déjà à un niveau. Euh, <laughs> les les mixes qu'ils reçoivent, ils sont déjà très très clean, donc forcément. Ouais. Ouais. Non mais ça c'est ça c'est il faut le répéter et ça, on en revient à dire on parlait du choix des sons tout à l'heure et c'est la même euh, réflexion quand tu prends des prods qui arrivent à ces mecs là qui sortent donc des meilleurs produceurs de tel ou tel style. Je veux dire t'as pu sur play tu pourrais le laisser comme ça le disque qui sortirait ouais. ça serait très bien. Mmh. Je veux dire. Donc ça il faut jamais l'oublier c'est que ces mecs là mixent des prods qui sont à un niveau où toi, tu le reçois, tu te dis, mais il a rien. Il ouais, rien. Il faut quand même avoir ça en tête. Donc, en fait, ils amènent un plus sur du plus, sur du plus, sur du plus, sur du plus. Et ça a été comme ça depuis le début. C'est-à-dire que depuis le, la compo, les paroles, le, 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 le chanteur, etc. Donc, à chaque fois, c'est le top du top du, du level. Et donc, forcément, quand ça finit entre les mains de ces mecs-là, c'est encore une fois, ils font le top level. Et ça sera pareil au mastering, etc. Ouais, ouais. Donc, c'est pour ça à la fin quand la chaîne, et les ricains sont très forts pour préserver la chaîne en qualité mmh. de la première note à la, de à la, à la dernière instant à que ça sort. À chaque fois, mettre euh, un petit peu de mieux à chaque fois. Quoi. Ouais, ouais c'est mmh. ça. Et euh, avec les meilleurs, non Avec les meilleurs, à chaque fois, ouais, en plus, plus. c'est beaucoup mieux à chaque fois. cest à ouais, ouais. qu'à chaque fois, tu les passes entre les mêmes quelques le mec, il t'optimise le truc de fou au <laughs> taquet, tu vois Okay. Euh, C'est ce que j'ai remarqué. Ouais, ça Alors, du coup, j'en ai tiré à la fois le fait qu'il ne faut pas faire grand chose, mais je me dis, ok, d'accord, mais j'aimerais bien recevoir des masters de sa qualité ou des mix de sa qualité. Forcément, voilà. du coup, Et voilà, voilà c'est-à-dire que ça, du coup, les mix que je reçois, bah, non, je ne peux pas juste mettre euh, un, petit, euh, un petit renaissance de chez Wife parce que ça ne va pas suffire. <laughs> Donc, ouais. bon. Donc, Ouais, non, mais voilà, ils oui, n'ont pas plus. Tu as, as raison. C'est comme ça que ça se passe et, et il faut jamais l'oublier. Mm. Et euh, après, ça dépend du style. Quelqu'un parlait de Lucas Pretolessi là. Euh, ben, Lucas Luca prato ce n'est pas du tout comme, euh, ouais. comme ce que tu as vu avec le Master. C'est des, des sessions compliquées ouais, avec ouais. de. Expansion, l'imitation euh, avec, de, avec des, des, des trucs de fou tu moi j'adore Lucas euh, il fait des bons ouais. tutos aussi pour ceux qui veulent les voir c'est cool ouais, c'est en anglais quoi. et ouais, on ne le rappellera jamais fait. assez MJ Tutos c'est en français c'est surtout ça aussi euh, <laughs> c'est que voilà je pense que tu es ouais. le seul clairement à faire du tuto avancé comme ça et alors j'avais un commentaire là je te le lis puisque c'est un peu la question qui fâche je ne vais pas lire que les ouais. bons commentaires euh, mais du coup ça me permet d'expliquer justement l'abonnement et tout ça et je pense que c'est bien d'y revenir Docteur Serum qui nous dit 500 euros le tuto sur les kicks. Même pour les abonnés VIP, n'est-ce pas un peu exagéré hein Dites-moi. <laughs> euh, bah, alors ça, c'est ça, c'est explique truc le concept. Ouais. <laughs> non, mais en fait, voilà, ce qui se passe, c'est que pour dire la vérité, quand j'ai fait ce tuto, vous... c'est vraiment les infos que j'ai jamais données, ça, tu vois. Euh, et donc quand je l'ai fait, si je me dis, qu'est-ce que c'est sa vraie valeur Sa vraie valeur, c'est que il m'a fallu de mes 18 ans, même de mes 14 ans, jusqu'à aujourd'hui, pour apprendre ça. Et c'est un cumul d'informations que j'ai pris, bon, certes beaucoup aux États-Unis. Mais, euh, mais, mais voilà, normalement, si je te dis sa vraie valeur, je peux faire des séminaires de deux jours pour enseigner Kickbass Production et prendre 2500 balles par séminaire. Moi aussi, ouais, sans si problème. Et ça ne sera pas de l'argent volé. Ouais. C'est-à-dire que c'est vraiment la vraie valeur du truc. Donc, le tuto coûte 499 euros. Pour l'instant, ce tuto, il est offert. D'accord Ça sera son prix quand il sera fini, quand il sera à 100%. Et pour l'instant, le seul moyen de l'avoir, c'est de posséder tous mes ultimates. C'est-à-dire, je, je l'offre, je le donne à zéro si tu possèdes tous les ultimates. Donc, les gars qui m'ont acheté tous les ultimates, euh, ils l'ont comme cadeau ce tuto. Voilà. Donc, euh, dans quelques temps, quand il sera à 100%, c'est-à-dire euh, dans pas longtemps, <laughs> d'ici <laughs> la fin de l'année, il sera à 100%. Et il vaudra 499 euros parce que j'estime que c'est le c'est le prix juste de... Certes, c'est un produit qu'on appelle premium, c'est-à-dire c'est, c'est voilà, une formation, ce n'est pas la formation de base. Mmh. Donc, euh, j'estime que c'est beaucoup moins que son juste prix. Mais je comprends qu'on trouve ça cher. Je comprends 100%. Et encore une fois, c'est pas une formation qui s'adresse à tout le monde. C'est une formation qui s'adresse à ceux qui ont du niveau, qui ont avancé et qui toujours bah Qui ont suivi, suivi vie, tous, les, tous les autres tutos justement que tu recommandes. Et c'est pour ça aussi. Ouais, c'est que euh, si tu n'as euh, pas, si pas suivi Limiter, si tu n'as pas suivi EQ, tu vas pas en comprendre en fait, comment... Parce que par exemple, les techniques d'analyseur dont tu as besoin pour régler ton kick-bass, si tu n'as pas suivi un analyseur, tu ne tu comprends pas de quoi je parle. C'est-à-dire il faut maîtriser les techniques. Si tu comprends mmh. pas la, la compression multiband ou si tu comprends pas, euh, euh, je sais, je sais pas moi. Il y a tellement, tellement de choses dont on parle là-dedans. Euh, et si tu veux, ce tuto, c'est presque apprendre tout d'un coup. Parce que pour faire un kick-bass correct, il te faut connaître toutes les techniques qui sont abordés dans, dans, dans tous les autres chapitres, dans tous les, tous les autres euh, formations. Donc, c'est pour ça que ça ne peut pas non plus être un, un tuto à un prix, euh, yeah. un prix ordinaire. Normal. Donc, moi, j'assume totalement les prix élevés. Euh, et encore une fois, j'estime que c'est quatre fois moins que ce que je devrais le vendre. Ouais. Donc, si tu veux, et, et je suis d'accord que ce n'est pas pour tout le monde. C'est-à-dire que personne n'est obligé de l'acheter. Euh, et, et puis voilà, maintenant, aujourd'hui, je crois qu'il y a le paiement en quatre fois, ou je ne sais plus, tu vois. Enfin, il y aura le paiement en quatre fois quand il sera à la vente, puisque pour l'instant, tu ne peux pas l'acheter. Et puis. Le seul moyen de l'avoir. Euh, ouais, pardon, vas-y, vas-y. Non, je t'en prie, je t'en prie. Non, non, je disais, puis finalement, quand même, ça limite un peu, ça fait un peu. Alors, c'est pas bien de faire de la sélection, mais c'est pas, pas par l'argent, ouais. je veux dire, ça permet au plus motivé, quand même de euh, bah, d'entrer un peu dans, dans le game et puis voilà de pas bah, fournir cette info un peu à tout le monde aussi parce que voilà c'est ça mmh. j'ai honnêtement pas envie que tous les producteurs sachent ça quoi. Ouais, ouais. je suis content pour <laughs> ceux qui le mais j'ai pas envie que le gars qui fait de la mao et c'est encore c'est pas une critique c'est pas ça n'a pas de jugement de valeur mais j'ai pas envie que euh, le gars qui fait de la mao le week-end sache ces infos tu mmh. les tu les apprends si tu en as besoin et si tu veux euh... Si tu, te, si tu sens que tu en as besoin, c'est-à-dire que tu es propre, quand tu appuies sur play, tu dis Mais ah, je ne comprends pas, pourquoi ça ne frappe pas comme ce que j'entends mmh. Et ben peut-être que la réponse est là-dedans, tu vois. Il ouais. euh. y a euh, Alex qui nous dit Moi, eu, je l'ai eu gratuit le tuto kick parce que j'avais acheté tous les tutos Bah Bravo. Il voilà. dit Indispensable en 2021. Merci, Alex. Et il y a, y a quelqu'un qui m'a fait rire euh, qui me dit euh, Alexandre qui dit Mix with the Master, c'est top de rencontrer des gars comme ça et même manger avec eux pendant les pauses. Il y a Dr. Serum qui dit Tu peux donc voir ce qu'ils mangent. <laughs> c'est vrai que c'est une info très importante. Ah, ça joue sur les oreilles. Euh, c'est ça. Moi, du coup, je mange maintenant plus que comme, comme Leslie. Je fais que ça. Euh, donc, donc voilà. alors Du coup, le, on, on va parler quand même vite fait de l'abonnement. Euh, pour ceux qui, euh, qui préfèrent. Euh, alors, peut-être que le mot abonnement. C'est peut-être le mot abonnement oui. qui n'est pas forcément peut-être. Oh. Euh, tu vois j'ai compris la question du, de, 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 ton, de ton abonné tout à l'heure qui disait euh, qu'il a l'abonnement et il, et il faut qu'il paye pour avoir KickBass parce que ça c'est vrai mm. c'est-à-dire que ça c'est le truc vraiment que les gens n'ont peut-être pas compris c'est qu'un abonnement ça revient à 24 euh, à, à en gros je sais pas je ne sais pas divisé par 12 mais regarde 249 divisé par 12 mois ça fait 20 balles par mois en gros mm. tu vois et donc oui, je n'ai pas inclus Kickbase dans l'abonnement parce que j'estime que l'abonnement c'est le juste prix pour tous les tutos ouais. analyseurs, euh, compresseurs, nanani, nanana, 20, 20 euros par mois. J'estime que c'est le juste prix pour un an euh, pour voir tout ça, toute cette formule. Kickbase c'est un truc à part. Ouais. Et d'ailleurs, je comptais l'appeler Kickbase Masterclass au départ. Ouais. Et ça va s'appeler comme ça. Pourquoi Parce que euh, quand il sera fini à 100%, euh, il y aura une masterclass qui contiendra tous les tutos euh, qu'il faut avoir vus plus lui. Et donc, tout ça fera la masterclass. Euh, mmh, voilà. D'accord. Okay. Donc, j'attendais d'avoir fini, parce que j'en suis, je crois, à 92% ou 91% sur Kickbass euh, production. Donc, euh, d'ici décembre, il sera fini. Et, et à ce moment-là, la formule va changer. Donc, pour ceux qui ont déjà des tutos ultimate et qui voudraient euh, avoir Kickbass, eh ben, profitez-en avant qu'il soit vraiment payant. <laughs> mmh, <que>, voilà. Ouais. <laughs> Donc, ouais, du coup, c'est vrai que là, ça fait du 20 val par mois. Et pour tout ce qui est à prendre, vous pouvez prendre une année comme ça. Et puis, si jamais c'est un peu trop cher pour eux, hein, ce qu'on peut comprendre, est-ce qu'on ne est qu leur ferait pas un petit cadeau, là, <laughs> histoire d'alléger un peu la facture ben, On en a parlé, toi et moi, avant l'émission. Ouais, ouais. <laughs> moi, je t'ai dit, on va on va anticiper le Black Friday. Alors, je ne peux pas faire 50%. Hmm. mais je peux faire 49 49 24... bien. <laughs> voilà. donc euh, non on peut faire un code 49% mais pendant 24 heures parce que normalement c'est des discounts qu'on fait qu'au black friday non là c'était euh... que pour vraiment le, ceux, ceux qui viennent sur la chaîne quoi c'était le but pour remercier euh, pour remercier oui, le, ma communauté ouais. et du coup la tienne et tous ceux qui sont là qui suivent le live donc du coup voilà ouais. si vous voulez passer le pas donc ça marche surtout hein, sur les à la fois sur les surtout ouais donc c'est à dire que s'il y en a qui sont intéressés par kickba c'est peut-être le moment d'aller acheter tous les tous les ultimates à moitié prix. C'est ça, c'est ça. D'accord. ok, Donc ça marche pour ça. Et ça marche sur les abonnements, ce qui fait que bah, du coup, tu te retrouves avec un abonnement à, à moitié prix, ce qui fait du coup, je, vraiment, je vous l'assure, vraiment pas cher par mois pour toutes les infos qu'il y a. Là, vous avez pour l'année hein, à peu près hein, de, de visionnage. Et alors, justement, ça tombe bien, c'est que... Euh, il faut considérer euh, que quand vous prenez un abonnement comme ça, vous prenez un abonnement pour ce qu'il y a en ce moment. Et il faut pas forcément euh, le prendre pour ce qui va venir, parce qu'on ne sait pas ce qui va venir. On est d'accord non, en fait, c'est-à-dire ben, qu'il y a des mois de l'année où je ne suis pas là, je n'ai pas le temps de faire des tutos. Et il y a des mois de l'année où je fais tutos pendant deux mois d'affilée. Et donc, après, ça fait du contenu. Mais ça a toujours été la formule. Donc, en fait, moi, j'estime que le prix est le prix pour ce qui est là. Voilà. C'est le juste prix pour ce que j'explique, qui est présent déjà sur le site. Après, les, évidemment, si tu es abonné et que je mets un nouveau tuto, ben, tu ne payes pas plus cher et tu vas l'avoir, tu vas l'avoir dans ton pass. Mais je ne peux pas promettre, comme font certains sites, je sais qu'il y a certains sites comme ça qui disent tous les mois, tant de tuto, machin, moi, je jamais fonctionné comme ça. Donc, euh, et je comprends que les gens attendent ça parce que c'est la formule Netflix. Tu t'abonnes à Netflix et les nouveaux films ils arrivent et tout ça. Donc, je comprends qu'on ait ça moi-même le premier. Mmh. Tu vois, euh, euh, voilà, je m'abonne à Disney Plus ou je sais pas quoi parce qu'il euh, va avoir la série euh, euh, Star Wars qui, qui continue et tout ça. Mais c'est pas ma formule à moi. Quoi. Ma formule c'est plus euh, à l'ancienne, la bibliothèque. Ouais. Tu t'abonnes à la bibliothèque et puis, euh, <laughs> et puis tu vas chercher les livres qui t'intéressent. Voilà, Il n'y a ouais. pas forcément des nouveaux livres. Encore quoi il y a des nouveaux livres. Ouais, ouais, voilà, bon. t'as compris. Ouais, ouais. Tu ne vas pas pour tout il mmh. y a déjà du savoir et tu tu t'es abonné pour une certaine un certain voilà, temps. Voilà, donc tu... là, il faut, faut en le voir comme ça, surtout qu'à moitié prix, enfin à moitié prix, à 49%. des ils demandent tous le code, du coup, on l'a pas donné. Euh, ah, oui. donc, alors attention, le, le code il est valable 24 heures, hein, contrairement à, ouais. au code free euh, qui est valable, qui sera valable. Euh, alors oui, par contre, oui. le code free c'est 500, euh, 500 cadeaux. Enfin, hein, il, il y a 500, il 500 Donc après ça ne marchera plus, oui, donc si prenez-le. Vous... Voilà, prenez-le dans, si vous... ouais, dans le replay, dans ouais. le replay, allez-y parce que ouais. si vous regardez un replay, parce que, bon, une fois que les 500 sont passés, bien sûr, ouais, hein. ils seront passés. Et là du coup c'est 49%. Et essayez dans le chat de deviner quel sera le code promo <laughs> pour accéder à, <laughs> pour, accéder <rire> à... <rire> pour accéder on s euh, on a, on a, on a, ça fait quoi Ça fait 10 jours qu'on en parle du nom du code à peu près. Ouais, c'est ça, on a, on a réfléchi tous les jours. Non, on n'était pas, voilà. pas d'accord. Euh, ouais, Alexandre Martin euh, a trouvé Arki 49 et gagne une soupière en fonte que je lui enverrai en plus. Voilà. Donc c'est bien Arki 49 A-R-K-I 49. Et c'est là 24 heures, c'est-à-dire jusqu'à demain minuit, quoi, en gros. C'est ça. Donc voilà. je sais pas en date combien on est, mais on est le 27, je crois, donc jusqu'au 28 à minuit voilà c'est ça donc profitez-en euh, Black Friday peut-être il euh, y aura des promos mais c'est pas sûr hein. si ça se trouve tu vas pas le faire le Black Friday cette année <laughs> et si ça se trouve je serai très occupé voilà mais... si ça se trouve il n'y aura pas de Black Friday et puis, oh, ouais, puis profitez-en avant de pu avoir de sous pendant le Black Friday parce que le problème du Black Friday c'est qu'il y a tellement de promos on partout achète, que on achète. ouais oh, c'est ouais. <laughs> <'est> une catastrophe <laughs> donc vaut, le vaut mieux ouais, vaut mieux dépenser les sous quand vous en avez parce qu'après ce sera trop tard <laughs> donc voilà bon on a fait le tour un peu de d'MJ Tuto bon on en a profité pour pour évidemment euh, comme, euh, comme à Chaque fois, tu as donné des tips qui étaient cool, donc j'espère que ouais. ces petits cadeaux vous plaisent. Que ce soit le, le, la vidéo gratos ou voilà. Euh, on, a, on a encore une petite annonce à faire. Alors, c'est plus un, un truc, un truc nouveau que va faire MJ, donc on en parlera après. Mais, mais voilà, euh, donc voilà pour le, le site. Alors, justement, en propos de formation, je voulais te demander est-ce que toi tu te formes encore du coup Est-ce qu'il ya des euh, est-ce que tu vas voir des sûr. vidéos YouTube Est-ce que tu as des ouais, tout le temps Donc, tu continues euh... Moi, je, enfin, je me forme surtout avec des, des, des gars qu'on considère comme étant les pointures, après toilette, moi j'y vais voir ces vidéos après toilette, hein, j'ai pas honte de le dire. Ouais, ouais. Pourquoi? Parce que si tu veux, même si tu connais quasiment tout de ce que le gars te dit, euh, le gars euh, depuis un an ou quoi, il a fait, il a, il a fait évoluer son truc, tu vois. Donc même si tu sais ce qu'il disait il y a deux ans ou trois ans ou quatre ans ou cinq ans, euh, en deux, trois ans ou cinq ans, il a fait évoluer sa technique et tout ça. Donc euh, il y a toujours des tips et surtout c'est au-delà des tips. Même si techniquement tu connais tout, euh, c'est intéressant de voir comment c'est mis en place. C'est-à-dire de voir une session à ces gens-là et de voir comment dans la session toutes ces connaissances sont mises en, en pratique en ouais. fait tu vois et même si chaque connaissance tu la... même chaque technique tu la connais tu te dis ah mais il a utilisé ça dans un contexte où j'aurais pas pensé à l'utiliser et tout et ça te donne des idées ça donc moi je regarde tout le temps dès que je peux euh... même les mix with the masters etc si je peux y aller j'y vais ou ou ouais. je regarde online il y, 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 y a des y a chaînes YouTube que tu, tu regardes des chaînes YouTube euh, ou moins oui, je regarde, ouais. euh, je sais pas comment ça s'appelle, euh, Mixbus TV. Ouais, ok. Euh, Qu'est-ce que je regarde ré régulièrement euh, Je regarde, oui, je regarde euh, euh, Making Pop Music. Ouais, euh, ouais, MMP. ouais, ouais. Je crois que ça s'appelle comme ça. Qu'est-ce que je regarde euh, Je sais plus. Il euh, doit en avoir deux, trois autres, mais ça me vient pas là. Mais bon. en gros, euh, gros c'est ça. Et puis ma chaîne, évidemment que tu suis tous les mercredis. Mais enfin, évidemment, <laughs> ça il n'y a même pas besoin de le dire. Évidemment, je suis évidemment. connecté à ton cerveau. Même. Mais je sais, je sais. Alors Making Pop Music, je la montre. Parce... Euh, attends, je coupe. Euh, hop, c'est là. Je me perds dans mon stream deck. Attends, voilà, c'est bon. On y est. Donc voilà, ouais, cette chaîne est, est très cool. C'est celle là où Making Make Pop Music, ça. Make Pop Music. Ouais, make, make ouais, make ouais. music ouais. ouais, elle est très cool. C'est vrai que Alors, je vais là. Aller... Ça, c'est plus sur des tips pour faire de la pop. Ouais. et c'est à mi-chemin entre la prod c'est plus la prod que du mix mais il y a des deux il y a un peu du mix un peu de la, la, des remakes tu vois il fait des remakes de The Weeknd de Ariana Grande et puis il y a plein de, de techniques de, de prod qui s'adaptent vraiment à la pop et je trouve ça rare en fait parce que ouais. en tu as plein de contenu en électro as plein de contenu la pop, c'est vrai que c'est un peu, ça manque un peu. Vraiment ouais. rare. donc ceux d'entre vous qui font de la pop, n'hésitez ouais. pas à aller chez lui. Et d'ailleurs, est-ce que tu n'as pas de tutos comme ça Enfin, tu en avais un, c'était catchy à l'époque. Mais est-ce que tu ouais. tu penses ou tu comptes faire des tutos qui seraient un peu plus sur le, euh, alors pas sur la technique de mix et tout ça, mais plus la manière de composer, la manière de trouver des idées, peut-être même le workflow, peut-être même, euh, j'en sais rien, tu vois, la gestion du temps euh, pour des projets, comment gérer un projet, des trucs comme ouais. ça, un peu plus, tu vois, euh, euh, qui peuvent être inspirants dans le sens, euh, voilà, de, de de bah, la musique tu vois. C'est ce que j'ai j'en faisais un petit peu rappelle-toi ouais, rappelle. et, et en fait j'ai arrêté en 2018 quand je suis passé à la V5 parce que je me suis dit il y a suffisamment de contenu comme ça euh, gratuit sur YouTube et on trouve ces infos plus facilement, on va dire. C'est ouais, ouais. un peu dur de Mais... trouver. Moi, je trouve que sur YouTube, tu as quand même beaucoup de notices. Euh, J'en fais partie, hein, tu vois, c'est-à-dire euh, parce que voilà, à un moment, faut pas, faut pas se leurrer. Les vidéos YouTube, elles nous sont pas rémunérées. Moi, je gagne pas d'argent avec YouTube. Donc, si je veux faire un truc, une vidéo, je peux pas faire un tuto de A à Z parce que ça prend trop de temps et je le ferai jamais. Donc, c'est quand même assez facile de prendre un plugin et de dire, ben bah, voilà, regardez, j'ai découvert un nouveau plugin. On peut faire ça, ça et ça, ou de faire des lives en impro. Donc c'est pour ça que YouTube regorge quand même de moi, ce que j'appelle vidéo notice, c'est-à-dire qu'on t'apprend à utiliser un truc. Quoi. Ouais, ouais. Euh, mais je trouve des vidéos quand même, euh, euh, en tout cas dans le YouTube français, euh, YouTube anglais, il y a beaucoup plus, YouTube français, des vidéos inspirantes qui vont te permettre de trouver euh, de tout ce qui tourne autour finalement de, de, de la production, que ce soit le départ, la composition, puis après la gestion aussi d'un de, de, projet, euh, tu vois, de... Même, même du ouais. temps, je te dis, c'est un truc important et c'est un truc auquel on est tous confrontés. Tu vois, en tant que producteur, c'est rien que la gestion du temps, c'est un truc horrible. Parce que quand tu prod <laughs> tu es passionné, tu allumes le truc, tu commences à faire deux clics, tu as levé la tête, il s'est passé 10 heures, tu n'as rien compris. Quoi. Donc. Euh, donc euh... Mais, euh, le, le tuto ultime, c'est ce que je te disais en début d'émission c'est que si j'arrivais euh, si à faire mon, mon objectif là, de faire une sorte de euh, making-of en temps réel hein, pendant qu'on fait un projet qui est signé et qui va réaliser. C'est Ça, mon objectif là, il y aurait tous ces tips parce que ouais. la plupart du temps n'est pas passé en situation réelle à faire des techniques du son. Mmh. La plupart du temps, c'est à composer, à chercher les top lines, à réquer à, à, sur les voix. Je te raconte même pas. Voilà, en tout cas, avec moi, et c'est ça qui a fait fuir beaucoup d'artistes qui, qui, qui avaient commencé à travailler avec moi c'est que euh, moi, le, le vocal, c'est euh, sacré, donc on y passe un temps. Colossal au vocal, tu vois, et que ce soit dans les prises, que ce soit dans tout ça. Donc là, il y a des types de fou. Mais si je peux faire un jour, par exemple, euh, euh, vocal ultimate ou un truc comme ça, je le ferai. Mais là, comment tu le filmes, ça, comme tuto Tu vois, je veux dire, parce que soit tu fais tout fake, tu crées un truc tout fake. Ouais, et tu ouais, filmes. Ouais. Du coup, tu en fais un tube. So... C'est-à-dire que si tu as trouvé un truc génial à montrer, autant, ouais, ouais, autant, ah, autant le sortir. Quoi. Donc en fait, hmm. en fait si... je pense que la seule façon de le faire, c'est comme je veux le faire moi, ouais. c'est-à-dire, vraiment, tu es en train de t'occuper d'un artiste, tu en situation réelle, et là tu fais venir un gars qui, pendant que tu travailles, qui, qui filme, qui truc, mmh. et là ouais, là on peut faire un truc génial. Mais t'imagines les moyens, enfin les moyens, euh, il faut avoir un gars qui est là tout le temps qui filme tout, quoi. Mmh. Euh, bah, bah, tu sais pas à quel si moment tu veux, alors j'ai une caméra qui <laughs> doit <laughs> être là tout le temps, <laughs> <'as pensé> <laughs> de temps en temps, mais, euh... mais non, mais c'est vrai qu'un truc, ouais, genre je vois bien le. Le, par exemple, tu décortiques un projet tu dis, bah là, voilà, j'ai fait une note comme ça parce que là, ça répond à la phrase d'avant. Et puis, euh, tu vois, ce, ce côté-là, qui est, je trouve, assez, assez peu enseigné en général, le côté, le ouais. voilà la technique des mélodies, euh, les questions-réponses, ouais. ce truc comme ça. Et, et ça, je pense qu'il y a un axe dessus euh, qui est intéressant parce qu'on sait comment équaliser, mais finalement, le, le primordial, c'est quand même l'émotion que dégage la musique. Et c'est pas avec un équaliseur qu'on va créer beaucoup d'émotions. Ça y participe, mais, mais voilà quoi. Mm. Non, la vocale production, pour moi, c'est. Pour moi, c'est le truc. Et d'ailleurs, quand tu es vraiment sur une prod qui va sortir, on va dire tu passes 30% du temps sur l'instru, en gros, hein, euh, et 75% du temps sur les vocales. C'est comme ça. C'est ça, ça que tu vends, c'est l'artiste. Et quand il n'y a pas d'artiste, que tu es un électro et que c'est de l'instrumental, euh, tu passes pareil, 30% sur l'instru et 75% sur ta mélodie, ton son de lead, le sound design de ton son de lead, etc. etc. parce que c'est... Là, où est le nerf de la guerre C'est mmh. ça que tu vends. Tu vends pas ton kick, tu vends pas to, ta basse. Tu, tu tu vois, je veux dire. C'est quand je dis vendre, il y en a certains qui seront peut-être choqués que je dise ça, mais je veux dire. En tout cas, ce qui est, ce qui est accrocheur, voilà, ce qui est, ce qui est bankable, c'est est, voilà, c'est la mélodie. Mmh. et donc ou la voix ou les instruments lead à mon avis hein, et c'est ce que je vois euh, systématiquement chez les autres producteurs c'est toujours comme ça quoi c'est toujours comme ça c'est ce ratio là qui est appliqué de travail tu vois. ouais ok bah ça c'est donc c'est pour peut-être pour, pour bientôt pour le futur de d'MG Tuto des choses comme ça on, on ouais. le souhaite je touche du bois tiens regarde je ouais. travaille avec un jeune artiste pour l'instant je vais pas en parler plus mais qu'on espère vraiment pouvoir avoir développé au point de le signer en majeur et tout ça. Donc j'espère, on va voir si c'est le cas. Et comme lui est d'accord de le faire, parce qu'il faut aussi que l'artiste soit d'accord. Ouais, bah ouais. euh, j'ai un mot. Et si lui est d'accord de le faire, je pourrais sans doute saisir cette opportunité de le faire avec lui. C'est euh, tout le mal voilà. qu'on te souhaite et qu'on nous souhaite. Alors du coup, forcément. Ouais, ça serait super intéressant. Quoi. Moi, ouais. Je, ouais, ça fait des années que je pense à ça. Je l'avais déjà dit. Hein, combien de fois je l'ai dit dans le... mmh. Mais j'ai pas eu l'occasion de le faire pour X raison. Et... Je, je, je serais trop content de faire évoluer le site vers ce genre de formule. Ouais, cool, je sais pas, je pense dites mois. Dites-nous dans le chat si c'est un truc qui vous plairait, mais je pense que oui. D'ailleurs, je salue Fred Fizz euh, qui était, euh, qui était, euh, bah, qui, qui, qui fait partie de la team. Salut, salut. Ah bah, ouais, ça euh, fait longtemps, Fred, ouais. qu'on n'a pas, qu'on n'a pas discuté. Envoie-moi un petit DM. Bah, Et oui. Ouais. Et puis qu'Abbas qui, qui insiste un peu, mais qui, qui t'aime pas. On, on en a, on a, on a le hater il est ici. Voilà, il trouve que Moi, il trouve que il, voilà, il, il trouve que MJ c'est de l'escroquerie. Alors euh, regarde quand même la définition d'escroquerie. Dans le dictionnaire Escaba et puis juste voilà, modère quand même les mots que tu utilises parce que personne ne te force à acheter. Et je peux comprendre qu'on soit pas ok avec, euh, avec le prix de tes formations, mais de là Bien à sûr. dire que c'est une escroquerie, c'est à dire que voilà, tu as arnaqué personne jusqu'à preuve du contraire. Et... Et... Ou alors j'en ai escroqué beaucoup, ou alors ouais, voilà, en même temps, comment on fait pour s'acheter un gros studio comme ça avec plein de il y a pas de. <laughs> <laughs> il n'y a pas de mystère, c'est ça. <laughs> bon, il bref, ça, il en faut pour tous les goûts. C'est pas grave, est-ce qu'à sont on veut pas Moi, j'ai mais... absolument rien. Je comprends ouais. les gens qui sont pas d'accord avec ma, ma formule. Il n'y a aucun aucun souci. Mm. Et encore une fois, comme tu dis, et c'est pareil dans la musique, hein. on dit ça souvent dans la musique, mais personne vous met un pistolet sur la tempe pour aller acheter. Ouais. Achète ce qui. Voilà, donc il n'y a pas d'escroquerie sur un produit euh, où, où personne t'a forcé à l'acheter. Il y a un produit, il y a des infos, il a un prix. Ce prix-là est trop cher, ben les gens ne l'achètent pas. Voilà, c'est tout. Ouais. Et, et franchement, j'essaye toujours de minimiser mes prix. Je suis vraiment quelqu'un. Si je mettais la juste valeur que je pense que ça vaut, les prix seraient quatre fois ça. Bah après, tu as, euh, as, as, ouais. as le côté ricain, où je t'en parlais l'autre fois, c'est que les, les ricains sont habitués à, à payer pour de, du savoir. Euh, les écoles oui. coûtent très, très cher, etc. En France, on est habitué au gratuit, euh, que tout, toute et la scolarité soit, soit gratuite, après, certaines écoles. Et donc, pour nous, c'est plus compliqué de l'acheter un billet euh, qu en, qu en pour apprendre. Et, euh, et, et finalement c'est du temps perdu parce que sur YouTube et je, je fais pas de la pub à ma chaîne en faisant ça mais mais, euh, mais vous feriez mieux plutôt que de me regarder d'aller euh, d'aller euh, prodé déjà pour commencer <laughs> d'aller faire de la prod et puis euh, et puis prodé 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 aller faire des écoles regarder même lire des bouquins des choses comme ça YouTube pour moi ça reste quand même du divertissement je dis pas qu'il faut pas regarder parce que c'est sympa de temps en temps d'être là voilà entre nous on discute on discute on dit des conneries on fait quelque chose d'assez léger je pense qu'il faut le voir un peu comme une émission mais, euh, mais c'est pas, pas sur YouTube que vous allez vraiment apprendre à être producteur parce qu'il y a trop de contenu et euh, quelqu'un qui débute, il va pas savoir identifier quel est le bon et quel est le mauvais contenu. Et le problème, c'est qu'il ouais. va apprendre de la merde euh, aussi bien qu'il va apprendre des choses vraies. Et comment il va savoir que, quelle, quelle est la vraie technique, entre guillemets. Donc, euh, donc YouTube, c'est sympa, mais comptez pas trop sur le gratuit YouTube parce que j'ai entendu beaucoup ça. Ouais, mais on trouve des choses gratuites sur YouTube. Ouais, encore faut-il les trouver et encore faut-il être sûr que, que c'est valable. Et puis, tu passes du temps hein, parce que parce que voilà sur un tuto c'est un peu concis <laughs> donc bon voilà youtube c'est sympa mais ne faut pas non plus trop enfin ça peut être ça peut ouais, ça ouais. Peut, ça peut créer des problèmes quoi, de, de faire que du parce du... qu'en fait c'est sympa pour démarrer mmh. voilà, c'est vraiment sympa pour démarrer et après c'est sympa à la fin genre au niveau quand tu es un peu accompli quoi et que tu veux aller chercher précisément un truc précis tu sais ce que tu cherches ouais. enfin, tu sais ce que tu cherches tu sais qui a l'info et tu dis, ah oui, lui, comme moi, par exemple, sur, sur telle ou telle chaîne, si je, par exemple, sur euh, Mixbus TV, il teste souvent des matos euh, pointus, tu vois, genre du hardware ou des, 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 des compresseurs ou des limiteurs hardware, trucs comme ça. Je me dis, tiens, Mixbus TV, il a sûrement l'info là-dessus, voyons. Je vais voir et je trouve l'info, tu vois. Mmh. Donc euh, voilà, je pense que ça a du bon, mais après à un moment donné, euh, ouais. Ouais, faut passer euh... le step. Il y a justement Escabas qui donc qui qui n'aime pas les, les formations MJ, mais tu, du coup tu me parles, Les Formes pour 19 euros, as accès à toute la formation. Il y a 6 ou 7 ans, j'ai appris grâce à ça sans m'en ruiner. Bah tu vois que MJ c'est 20 balles par mois, donc c'est le même prix. Et pour avoir euh, vu quelques vidéos et Les Formes, j'ai vraiment rien contre Les Formes, mais les vidéos elles sont mais ultra soporifiques. C'est-à-dire que vraiment, je les regarde en x2. S'il y avait un bouton x3, j'activerais le x et là pour le coup, c'est à dire que les il est alors, il n'y a pas toutes, mais il y en a certaines qui sont sympas, mais la plupart c'est lent, c'est euh, pas inspirant. Les, les démos sont pourries, c'est à dire que le, le matériel sur lequel ils travaillent, c'est vraiment pas bien mixé, pas produit, pas intéressant. Et bon, j'ai vraiment rien contre contre elle, mais moi je me suis toujours emmerdé à regarder leurs vidéos. Parce que je trouve pas ça pro du tout et c'est euh, et pour moi je trouve que c'est cher pour ce que c'est après voilà euh, je peux comprendre que le, le, un débutant aime bien les formes parce que c'est facile d'accès ça parle lentement et ça va pas très loin donc c'est bien pour mettre le pied à l'étrier mais pareil comptez pas sur les formes pour passer à un niveau pro enfin je ne je sais pas si toi si tu connais les formes mais c'est compliqué dans ta situation d'en parler non mais, non, mais pas, mm. pas, pas du tout je pense que euh, c'est des bonnes vidéos mode d'emploi voilà c'est à dire mm. que quand tu dois apprendre Ableton Logic je sais pas quoi des très bons gars qui font, et moi je, sais... je ne sais pas faire ça. Oh, okay. Je l'ai eu fait un en V1, je crois, mm. où j'avais expliqué Logique j'avais expliqué Ableton, et euh, d'ailleurs Ableton, je crois qu'elle est toujours online. Là, ah ouais <laughs> Dans la... Je l'ai remise parce qu'on me l'a demandé. Vu qu'Ableton, il évolue pas beaucoup, de c'est toujours un peu mm, pareil. Voilà. Ouais, donc, euh... mm. donc voilà, mais moi je ne suis pas fort pour faire ça. On ne parle pas des mêmes choses. Sur Eleform, tu ne trouveras pas euh, les techniques des ricains des analyseurs. Tu ne ah trouveras... non, okay, de toute non, façon, non. déjà, même en... même en tuto, ça je le précise. Analyseur, il n'y a même aucun tuto, riquin qui l'explique. Le, qui ah ouais même, même un tuto en anglais, il n'y a pas. Voilà, parce que c'est des techniques que tu apprends quand tu es dans la pièce avec les mecs et qu'ils ont le truc sur le... Et que tu dis, mais pourquoi tu fais... Qu'est-ce que tu regardes sur le truc Qu'est-ce qu que tu viens de faire qui fait que ton analyseur.. Ah d'accord, ok, excuse-moi. Ouais. Et là, tu dis, ah, là, tu, ça, fait, ça fait tilt. Donc, si tu pas dans la pièce avec eux pendant qu'ils bossent, tu ne peux pas l'apprendre ça. Même dans les écoles, tu ne l'apprendras pas, même ouais. dans les écoles américaines. Euh, parce qu'il oui. faut être là dans, avec les, les gars. Donc, est-ce que ça, ça a une valeur particulière Je pense que oui. Euh, alors, tout le monde peut faire le chemin que j'ai fait, aller vivre là-bas, ouais. aller machin, aller… Voilà, oui. mais, mais après, sinon, tu peux… Euh, voilà, moi, c'est des techniques que j'ai voulu expliquer. Alors, certes, je ne donne pas gratuit. c'est vrai. Je n'ai pas envie que tout le monde connaisse ça non plus. Oui, parce qu'à un moment donné, il faut aussi que… Voilà, tu, tu dois vivre comme tout le monde et c'est bien normal. Euh, normalement moi, je suis d'accord faire tous les tutos gratuits. Si on suit mon programme politique, vous faites MJ-Président. Voilà. Et j'éradique <laughs> l'argent, la monnaie. On passe tout en crypto-monnaie gratuite. Et je suis sûr que tu le penses là, vraiment pourrais, en plus. <laughs> je ferai les tutos gratuits ouais. parce que c'est normal. Je trouve que c'est ce qu'il faudrait faire. Ouais. Malheureusement, il faut payer possible. le loyer. Il faut... ouais, donc, d'une euh, manière ou d'une autre, ouais. euh, aujourd'hui, on fait payer la connaissance. C'est pas bien, moi je trouve c'est pas bien, mais on n'a pas le choix. Ah, tu vois, il y a Escabas qui, qui dit quand même il dit, j'avoue, sur les analyseurs, sur le flux, euh, par exemple, il y a zéro vidéo. MJ a raison pour ce coup-là, c'est bon, tu <laughs> Il remonte dans ton estivé. Il y a, y a Régiso qui me dit et les formes, j'aimais bien aussi en DVD. Moi je me souviens que j'avais les DVD des les formes, mais à l'époque, moi j'ai ouais. appris la 3D quand je faisais de la 3D, et là pour le coup, c'était pas mal parce que c'était une bonne notice pour les trucs 3D, mais, mais, euh, mais la musique, c'est quand même, il y a un côté quand même où il doit y avoir un peu de la créativité. Et... Et de la bonne musique quand tu fais un tuto, des bons extraits quoi, bon ouaf. Enfin voilà pour pour la partie tuto. Je pense qu'on a fait un bon petit tour. Euh, euh, déjà, alors j'ai encore des, des petites choses à, à dire. On va essayer d'accélérer un peu. Euh, le, oui alors justement, est-ce qu'aujourd'hui tu penses, je pensais moi qui, qui m'intéresse beaucoup, comme tu sais, à, à la vidéo, caméra, tout ça, voilà. Euh, ouais. et, et quand je regarde, ne serait-ce que le, le truc de fin, les, les, les crédits, le générique, même d'un petit court-métrage ou d'une série ou, ou d'une pub ou un truc comme ça, tu vois qu'il y a 70 personnes qui ont travaillé pour réaliser un truc, une petite pub pas, qui n'est pas forcément ouf. Donc, c'est-à-dire que tu, moi, je me dis, je me dis ouais, okay, si je me, me lançais dans la vidéo, je jamais tout seul à faire un truc de ouf. Il faudra forcément que je sois une, dans une équipe immense. Et je voulais faire le parallèle avec la musique, euh, qui est quand même un, un quelque chose qui touche le, voilà, le. Tu peux toucher le monde entier avec une musique. Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui c'est possible euh, de faire un tube mondial euh, en étant tout seul, ou est-ce que tu penses qu'il faut forcément s'entourer et que ça paraît aujourd'hui compliqué vu le level de, de produire tout seul dans, dans son petit studio Ouais, euh, je pense qu'il y a des styles où c'est faisable. Euh... Comment il s'appelle en électronique Je pense qu'il y a des gars qui peuvent y arriver, tu vois. Mais encore tout seul. Non, il va pas quand même faire son mastering. Il va, ouais. enfin, tu vois, mais créer, composer, machin. Il y a certains styles dans lesquels tu peux faire ça. Euh, comment il s'appelle Zavenor. Il est tout seul, non Peut-être. Je ne sais plus. Avengers, je ne sais pas. Oui. Euh, il, y a, il y a des gars, il y a certains DJ, producteurs qui font tout tout seul. Et, et voilà. Après, du moment qu'il y a un chanteur, qu'il y a tout ça, ça devient beaucoup plus difficile, quoi. Euh, il y a minimum deux trois personnes qui sont en général le noyau dur du projet, tu vois euh, parce que est-ce que tu peux vraiment composer de qualité, écrire des textes de qualité, euh, arranger, mixer, <laughs> enfin prodé, mixer, euh, masteriser, est-ce que tu peux vraiment être un seul homme pour faire tout ça mmh. Bien sûr que c'est très rare. Je dis pas tout existe, donc ça, ça peut arriver. Euh, par exemple, le gars de Change Maker, je sais plus comment il s'appelle, ouais, euh, de là celui qui est le plus actif, j'ai oublié son nom, euh, il fait quasiment tout le mec. Et il est talentueux de fou, tu vois. Donc ça existe, il y en a. Ouais. Et pour la partie prod, juste vraiment juste la partie prod, en admettant qu'après une fois que tu as un truc bien, tu le fasses mixer, masteriser, est-ce que la prod, tu peux faire ça tout seul, tu penses, dans tous les styles ça, ça peut, ça ouais. peut. Il euh, y en a qui se mettent à plusieurs, il y en a qui font tout seul. Ouais. ça. Juste prod, ouais, juste prod, en général, c'est un beatmaker qui a fait l'instru. Ouais, c'est quand même souvent comme ça, dans, dans un peu tous les styles. Mmh. Donc je dirais, ouais. Je dirais, ouais. Euh, maintenant, il y en a aussi qui, qui prod à deux. Donc euh, moi, mmh. prodé à deux, j'ai toujours eu du mal. Ouais, c'est compliqué. Et pas, ouais. Et par contre, s'associer avec euh, d'autres qui font les top line, ouais. toi, tu as fait l'instru ou euh, des trucs comme ça, ça, c'est très fréquent, quoi. Ça, ah, c'est ouais. très fréquent. Mmh. Même après, souvent, quand t'as fait l'instru, t'apprécies que ce soit pas toi qui mixes. Quand t'as les moyens de faire ça, parce que si tu veux, t'as tellement eu la tête dedans que finalement, le fil à mixer à un autre gars, c'est souvent sympa aussi. Mmh. Tu vois Mais bon, la plupart de, du temps, soyons euh, honnêtes, euh, on te demande de savoir tout faire et d'être un peu l'homme à tout faire. Ouais. Et, et d'ailleurs, ouais, là, bon, vu que... Alors attends, il y a juste, je, je coupe, il y a Coolrace qui voulait répondre à la question, euh, qui demandait, ceux qui sont abonnés Ultimate depuis la version 2 MJ, est-ce qu'ils ont une, pr une préférence pour, euh, pour accéder à Kickbass <laughs> ou pas euh, Alors c'est prévu qu'il y en ait, mais c'est comme Kick Kickbass, si tu veux, pour l'instant, il n'est pas en vente. Il n'est pas vendu. Ouais. Euh, il est offert à ceux qui ont les Ultimate. Mais une fois qu'il sera fini, c'est-à-dire dans pas longtemps, finalement, je vais faire un discount. Euh, les, euh, sur, le, sur le tuto pour ceux qui ont des abonnements VIP en cours, mmh. en fait l'idée, je le dis maintenant, mais bon voilà, c'est qu'on vous remboursera votre, votre passe. Si vous achetez KickBass, on vous remboursera votre passe euh, euh, cool. annuelle. D'accord, c'est cool. Ok. Bon ben bah, voilà donc. Hein, une... Et pour l'instant, c'est vrai que comme c'est, alors si vraiment quelqu'un le veut aujourd'hui, même si l'offre est pas en cours, on peut s'arranger. Euh, tu nous écris à questions@mgtutorial.com, question plus else. Euh, c'est au pluriel ou au singulier je sais ouais. plus. je crois que c'est au pluriel une question de mozamel.com et euh, on peut s'arranger avant que l'offre soit annoncée ponctuellement ouais. pour certains c'est question ouais c'est ça c'est question euh, question attends euh. je l'affiche ici si j'y arrive ouais, c'est là voilà l'email donc euh, Coolrise écrit vite à MJ il va te répondre en direct <laughs> voilà. on peut euh, faire cette offre là euh, voilà. à l'avance même si elle n'est pas encore okay, en c'est cool il y a Armand qui continue avec son Dolby Atmos on va parler vite fait mais je te, je, sans, sans vouloir spoiler on ne va pas <laughs> avoir grand chose à dire <laughs> donc voilà et donc j'en profite tu parlais de, de travailler donc j'en parlais de travailler tout seul mastering tout ça vu que tu, ouais. moi tu sais c'est un peu mon, mon je me suis spécialisé dans le mastering alors pourquoi parce qu'à un moment j'ai besoin aussi de faire, vivre, de faire tourner le studio faire tourner le studio de, de rembourser un peu peu le matos etc et je pensais que le mastering était une bonne alternative et surtout ça me permet de, de pas euh, de pas y consacrer trop de temps j'en parlais euh, tout à l'heure sur whatsapp avec mess justement et euh, faire du mix c'est intéressant mais ça prend du temps et beaucoup d'énergie puis il faut avoir envie de mixer les prods des autres tu as beaucoup de liberté euh, tu as beaucoup aussi sans doute de retour et puis de voilà de, 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 de commentaires et je pense que c'est c'est un boulot si tu fais pas ça un peu à plein temps je pense que c'est compliqué de faire du du, du mix de manière un peu euh, enfin à côté et je pense que le mastering ça permet de faire des choses plus, plus rapidement mais justement euh, enfin plus rapidement d'être un peu moins investi en tout cas sur le long terme enfin je sais pas si tu vois ce que je veux dire pendant le moment sur la durée cest que je peux faire un mastering en deux heures alors qu'un mix je peux pas voilà, c'est ça le truc euh, sûr, je voilà je pense et... Et, euh, et justement, avec Mess, il me disait, euh, mais aujourd'hui, vu la qualité des prods, etc. Et justement, il y avait une émission de Fanzine où ils en parlaient aussi, que maintenant, euh, certaines prods ne nécessitent presque plus un mastering. Alors toi, qu'est-ce que tu en penses de l'étape de mastering Est-ce qu'elle est toujours ultra importante Est-ce que, est que toi, d'ailleurs, tu masterises toi tes prods ou tu les fais masteriser C'est toujours pareil. Tu as envie quand tu as les budgets pour et tout ça. Euh, tu as envie de faire masteriser ailleurs, moi-même de faire mixer ailleurs, parce que tu te dis, tiens, j'ai envie de prendre une pointure pour ça, une pointure pour ça. Euh, maintenant, encore une fois, les trois quarts du temps sur les trois quarts des projets, il n'y a pas les budgets. Bon, mastering, ça va, ça va pas chercher ouais, super ouais. loin, même si tu prends des grosses stars, euh, tout le monde peut trouver un budget mastering. Mais bon, euh... alors, est-ce que ça a de l'intérêt Moi, je trouve que oui parce que tu es resté la tête dans ta chanson pendant des semaines ou des jours ou des semaines ou des fois des mois. Mmh. Euh, parce que les gens, on dirait que les Français aussi ont dû... Du... C'est pas que je suis anti-français, hein, pas du <laughs> tout. Hein, je, je, voilà. mais, mais, mais si tu veux, j'entends souvent dire, comme s'il y avait un, un challenge, à, oh, mais nous on l'a fait tout en trois jours, tout on s'est mis, on ça y est c'était fini. Comme si c'était un talent de finir vite. Tu sais Tandis que quand tu regardes les requins, ils te disent, oh, ça, on a passé... Tiens, je regardais pas plus tard que ce matin en me réveillant une vidéo de... C'était quel producteur qui disait ça euh, Sur une chanson de Miley Cyrus. Et il disait, on a passé deux mois et demi sur le bridge, s'il te plaît. <laughs> donc, parce que si tu veux, c'est un processus de création d'album, que ça ouais. prend un certain nombre de mois, et qu'ils font une chanson, peut-être qu'ils ont trouvé le début bien, ils ont passé deux mois et demi à réfléchir, à faire d'autres versions, à essayer sur le pont, quoi, le pont. Euh, donc, quand les gars me disent, oh ben, on a tout fait en trois heures, moi, ça me fait rigoler, quel, ta quel, quel, quel talent il y a à faire un truc en trois heures oui, Tu vois, oui. je veux dire. Et, mais bon, je, peu importe, chacun fait ce qu'il mmh. veut. Mais en tout cas, c'est pas moi ce que je recherche. Moi, je, je recherche à travailler avec des gens qui sont dans la précision. Dans... Après, si, si ce que tu veux, c'est sortir le plus grand nombre de tracks le plus vite possible. Ça, je comprends tout à fait tout ça. C'est-à-dire, je ne critique pas. Mmh. Euh, c'est tellement dur de faire des hits, dans tous les cas, ou de faire des tracks, de vivre ta vie avec la musique. C'est tellement dur que moi, je suis en admiration devant tous les gens qui arrivent et je dis bravo voilà, mmh. à tout le monde, quelle que soit la voie choisie. Euh, et d'ailleurs, je ne sais plus pourquoi je dis ça parce que j'ai oublié de. <laughs> pour pour la... Je veux voir si le mastering était encore, euh, voilà, vraiment pertinent et si toi tu faisais euh, masteriser tes pros d'ailleurs ou si tu te faisais toi-même. Et, euh... et quand et... je peux, chaque on fois peut. que je peux, j'ai envie de faire masteriser ailleurs. Ouais. Et d'ailleurs aux États-Unis. Ouais. Bah, ouais. euh, donc euh, chaque fois que je peux et qu'il y aura les budgets, ça sera mmh. toujours ça, toujours masteriser ouais. ailleurs. Par contre, euh, ce que je fournis moi qui sort de chez moi, c'est au niveau du commerce, c'est égaliser à ouais. la façon etc. Seulement, je n'ai pas des racks entiers d'EQ à 10 000 euros ouais. pour passer dedans. Donc, si tu veux, pour, pour passer, ça dépend le level que tu dois passer. Si tu es dans ta chambre avec ton iMac et FL Studio, tu as intérêt à faire appel à des gens comme nous pour faire ton mastering, parce qu'on va t'amener une plus-value. Ouais. Maintenant, si tu es à des gens, des, là où, au niveau où je suis moi, par exemple, en termes de matos et tout ça, et de connaissances, si je veux up... Il ouais, faut forcément faut aller taper haut, quoi il Faut que j'aille taper dans le haut du panel ouais. et payer assez cher euh, mon mix ou mon mastering à des pointures parce que c'est comme ça. Mmh. Euh, donc, si tu veux, ça dépend de, ouais, de ton de, level de, aussi, quoi forcément. Ouais. De là d'où tu pars. Mmh. Euh, donc, je pense que tout ça a du sens encore aujourd'hui et que même mmh. quand tu sais faire, tu trouveras toujours ouais. quelqu'un qui est plus spécialisé que toi. Mmh. Euh, pour faire la chose. Après, attention, j'ai aussi beaucoup d'histoires à raconter, il faut être honnête. Hein. De gars qui se disent Ah, oh, super, ma prod, elle est signée, tout, euh, ça va sortir, j'ai un petit budget, je vais aller faire un master. Euh, tiens, dans qu'est-ce studio je pourrais aller Ils choisissent un studio, le gars leur fait le mastering, et alors j'ai une, une foule de, de potos dans ce cas-là, ils reçoivent le mastering, ils disent Mais ça craint quoi. Ah ouais. <laughs> alors je ne dirai pas des noms, ouais, tu vois, ouais. mais il mais, y a beaucoup de producteurs qui sont déçus. D'avoir fait leur dans des studios qui ont des names, tu vois C'est-à-dire ouais. que le tout. truc, tu le remets au même level, finalement, c'est moins bien, quoi. C'est ça. S'il ouais. faut le... Le, faut le, 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 mix, le meilleur, master quoi. fait par le producteur avait plus de magie, ah tu ouais. vois mmh. et, euh, et encore pire quand c'est un mix. Parce que quand c'est un master, le mec va pas te... Te détruire ce que tu as fait, oui, oui, enfin, quoi que il peut, mais bon, moins quoi, moins qu'avec un mix. Mm. Tandis que quand tu fais mixer, mm. là, tu peux avoir une, une déception, ah, même, ouais. qui, est, qui est, tu oui. vois. Ouais. Donc, donc en fait, faut déjà, déjà, faut bien choisir les gens, c'est à dire que fait pas mixer un truc de pop à un mec qui mixe de l'EDM, ah, bah je veux ouais. dire, ouais, faut aussi sûr. être cohérent. D'ailleurs, tu te feras sans autre fusée, tu. Mais euh, il faut savoir à qui on envoie, pourquoi, de ouais, quel ouais. niveau on part. Quel niveau bon, niveau moi, je refuse. De le mastering, quand c'est trop, euh, trop, c'est pas mon style, j'écoute, j'ai pas les codes, ouais. euh, ça sert à rien que j'ai fait un truc rock. J'ai dit, si tu veux, j'essaye, mais, euh, mais, mais je te le facture pas. Et je me oui. suis planté en plus d'ailleurs. Euh, J'étais en, en, en rivalité avec un mec qui faisait euh, connu, euh, qui, qui, travaille, qui travaillait pour, je crois, Benabar et compagnie. Et puis, c'est un pote, il me dit, tiens, tu veux essayer Je fais, écoute, franchement, je te le facturerai pas. Euh, mais ça m'intéresse de voir, euh, de comparer les deux à la fin. Et puis je me suis planté, j'ai écouté le master de, de, du gars et il était beaucoup plus dans les codes euh, rock que moi j'ai pas du tout. Donc, euh, donc ouais, à un moment faut, faut pas aller dans ce que tu sais pas faire. Et j'en parlais avec Metz justement et c'était ma réponse. Je disais dans tous les cas, le, le mastering, même si il euh, n'y a plus de besoin techniquement d'améliorer la track, il y aura toujours une oreille extérieure qui va l'écouter. Et ça, c'est le plus-value, elle n'est pas remplaçable parce que euh, tu as quand même quelqu'un ouais. qui va dire Ah, mais tu es sûr que tu veux autant de basses ?» ou tu es sûr que le snare, il doit être comme ça ou n'importe quoi, tu vois. Et, euh, ouais. et si c'est quelqu'un d'expert, bah, ça, ça a quand même une valeur malgré tout, euh, en plus de la technique, quoi. Ouais. Et puis ouais. moi, il y a quelque chose que j'aime beaucoup aujourd'hui, c'est le mastering en stem, ouais. parce que c'est un bon compromis entre faire mixer ou faire masteriser. Ouais. Tu fais masteriser, mais avec cet OUISTEM, stem. Et ça. là, le mec, il a plus de marge pour agir. Et... Mmh. Bah, c'est ce que je et propose, voir, alors, moi, a... quand, le, quand le mix est trop compliqué, enfin, quand, quand c'est compliqué pour faire masteriser, quand la personne n'a pas le budget pour faire un mix, bah, du coup, je propose un stem mastering. Et en général, ils sont contents ouais. parce qu'il y a plus de marge de manœuvre, c'est clair. Brave, grave. Mmh. Non, c'est bien, c'est la bonne formule, je crois que tu fais bien. Ouais. Et c'est toute c'est la façon de bosser d'aujourd'hui. Tu vois, moi, par exemple, euh, je fais mes instruits dans Ableton parce que je n'arrive pas à me décrocher d'Ableton. Mais as raison. Pour... <laughs> Par contre, je vais faire les vocales dans Pro Tools. Et donc, ce que je fais, c'est que de Ableton, je vais sortir 7 ou 8 stems, euh, des fois c'est 4, des fois c'est 10, bon, ben en gros, dans ces eaux-là. Et je les ramène dans Pro Tools, ces stems-là. Et donc, je continue mes vocales, non pas sur... Enfin, je continue mes vocales, non pas sur juste une instru de piste, mais sur 7 ou 8 stems. Ça fait que j'ai la main pour ah euh, oh tiens mince les, les, les FX sont trop forts bon bah ben, je peux baisser les FX tu vois ce que je veux dire ou, ou vice versa mmh. donc ça laisse de la marge de manœuvre et finalement à la fin quand j'ai fini je peux filer à faire du mastering en stem avec mes stems que j'ai déjà là plus le stem vocal ouais ok et après, le stem vocal je vais le séparer en deux souvent je vais faire lead et back tu vois donc euh, euh, voilà, c'est une formule, un compromis qui je trouve matche ouais, bien problème. avec la, la façon de travailler d'aujourd'hui. Et il y a, euh, je ne sais plus, qui demande, de Toto La France, combien coûte un mastering Alors j'en profite, je me fais ma, ma promo aussi à moi, en tant qu'affaire. <laughs> alors chez moi, c'est 60 euros, mais je sais que je ne suis pas très cher par rapport au marché. Alors je sais qu'il y a des gens qui font du mastering à 30 balles, mais alors j'y crois pas une seconde, parce que rien que le temps de recevoir le morceau, de le passer dans, dans un truc analogique et de le printer, euh, le mec ne peut pas faire un mastering à 30 balles. Je ne comprends pas comment c'est possible. Ouais. Enfin, je sais pas si toi tu comprends qu'on qu peut faire un mastering à 30 balles, mais je ne vois pas. Parce que je pense que les gros studios qui ont par exemple une deuxième régie euh, avec du matos, ils ont peut-être un assistant à qui ils ont expliqué comment faire les trucs et le gars toute la journée fait des masterings à 30 ou 50 balles. Euh... Bien qu'il passe dans du gros matos, mais, mais ouais, est-ce que ça sera bien bah, ça, bah Parce mais... que, ouais, t'as pas le temps. C'est-à-dire que rien que de recevoir le fichier, le traiter, l'écouter, euh, le, le mettre dans oh. les EQ, le printer, euh, les, il s'est passé 30 minutes et puis t'as même pas envoyé oui. le truc. Donc, euh, donc ouais, je ça me en paraît faire bizarre. Il faut le faire en masse. Ouais, ouais, ouais la chaîne et puis avec un preset tout prêt, un truc comme ça. Quoi. Donc, ouais, pour du ça, coup, ouais. coup, moi, c'est 60 balles, mais je pense que je suis pas très, très cher par rapport au prix vraiment pro. Je pense, je sais pas, les mastering pro, c'est combien d'ailleurs Tu peux en trouver à, à 100, non, 150, 200, plus si c'est des gens connus. C'est ça, ça commence à 80, 80, 100. Ouais. Le 200, 250 est déjà dans du pro pro, vraiment pro. Après, ça peut aller à 500. Oui, bah, après, track, ça dépend, euh, bien sûr. Il y a du temps part, passé, euh... etc. Bon, alors, dépêchez-vous, parce que moi, je suis encore en promo. <laughs> Et le but, moi, c'est d'arriver dans, dans les 100 euros, quoi, pour faire, voilà, par rapport au temps que j'y passe, quoi. Bref, voilà, voilà. Euh, pour, pour tout ça, alors, ça parle un petit peu matos. On va parler vite fait, matos. T'es pas aux pièces, là, du coup, là On peut parler encore un peu, ça va Oui, oui vas-y, vas-y. C'est ouais. <laughs> les émissions sont longues chez moi. Euh, Est-ce que vous voulez ah, qu'MJ y oui, reste deux heures, déjà, qu est... Ça fait deux heures qu'on est ensemble. Ça fait deux heures, c'est pour ça. Euh... Et comme je, je t'avais dit... Bon, bah donc ça passe vite, alors ça va. <laughs> Est-ce que vous voulez qu'MJ reste, euh, dites-nous, dans le chat Eh, MJ, eh, MJ. C'est vrai qu'ils ont dû déjà manger, je pense. Euh... Ouais, donc justement, par rapport au matos, euh... Donc, il y avait des questions de Rune, je crois, qui nous parlait justement de, de, de l'importance du matos analogique aujourd'hui. Euh, Qu'est-ce que tu en penses, toi, analogique versus VST euh, Complémentaire, irremplaçable Est-ce qu'on doit avoir du matos analogique aujourd'hui euh, pour produire sérieusement Tout ça, tout ça. Une vaste question. Oui, hein, que... <laughs> ouais, c'est vrai, c'est vaste. Hein. Ouais. Parce, encore une fois, c'est la même réponse que j'ai fait à chaque fois. Ça dépend de ce que tu fais. Ouais. Euh, tu peux faire un hit avec FL Studio et rien d'autre. Voilà, juste les plugins fl Studio, boom, bounce to disque terminé. Tu peux avec les. Alors il va falloir beaucoup de savoir-faire et, et de l'expérience et surtout les bons sons, les bons samples. Mais tu peux avec Ableton, pareil, Logic, pareil, avec ce que tu veux, pareil. Maintenant après, rapidement, quand tu euh, selon ce que tu fais comme musique et surtout si tu fais une musique qui nécessite ne serait-ce que de rekeyer des vocales, euh, ce qui est quand même le cas dans beaucoup de musiques, mmh. euh, ne serait-ce que ça, tu vas vite comprendre que euh, certains matos analogues sont plus qu'utiles, ils sont euh, non, incontournables si tu veux avoir des vocaux qui sonnent euh, pro, pro, pro. Et donc, euh, ne serait-ce que le micro, déjà par lequel tu vas passer, la carte son à laquelle tu vas raquer ce micro, l'éventuelle première compression que tu vas appliquer dès la prise ou pas, mais bon, en général, c'est mieux quand tu peux faire 3-4 dB de compression dès la prise, tu vois, ce genre de, de choses. Et donc, avec quel compresseur tu vas faire ça Si tu prends un compresseur à 100 balles, tu vas, tu vas baisser ta chaîne en qualité. Donc, tu vas te dire Ah, oh, le compresseur qu'il me faut pour ça, c'est un style ah Ah, ça coûte 4000 balles. Ah, mmh. bon, bah, ok, d'accord. <laughs> Désolé. Après, et alors, quand tu mets le doigt là-dedans, après, c'est. Après, voilà. Après, tu vas te dire, ça peut aller très loin parce que tu vas te dire, ah, mais le Stalevel par rétro-instrument, euh, euh, punaise, quand je le compare avec un vintage, si j'ai la chance d'en trouver un vintage d'occasion, oh, ça n'a rien à voir. Il faudrait ouais. que j'essaie de me trouver un vintage. Alors là, un vintage, c'est plus euh, de chez Gates, c'est plus rétro-instrument et c'est plus 4000 balles, c'est 6000 parce que c'est des pièces uniques, des pièces rares. Et tu le... Alors voilà, donc tu veux, c'est vite un doigt dans l'engrenage ouais, ouais. sans aller jusque-là. Euh, mais, sans aller jusque là ouais mais est-ce est que ouais, est-ce que, est que vraiment si euh, aujourd'hui donc toi qui as la capacité de prod'er sérieusement est-ce que si vraiment tu te fixes le défi euh, de prod'er qu'avec euh, du du Wave Acoustica euh, vraiment des très plugins de haute volée et entièrement in ouais. the box est-ce que tu penses vraiment que le résultat final si tu te passes de, donc de ton better maker de tes de, de tes euh, euh, de ton clipper enfin de c'est quoi que as déjà c'est un, un, Ce un crane crane, un crane song non crane, son, ouais, crane alors, song moi, ouais song je tu l'as pas. Euh... Et bon, oui, bref, les... tout ça qui vaut, qui vaut une blinde. Est-ce que vraiment tu penses que ça va s'entendre concrètement, ou est-ce qu'il y aura que toi qui va l'entendre Est-ce que vraiment ça va faire une différence Tu vois ce que je veux dire la, la chanson restera la même, mmh. tu vois. La chanson. Ouais, est-ce qu'elle va moins bien marcher Est-ce que ça va avoir un impact Tu vois ce que non, je veux dire Je ne pense pas qu'elle va moins bien marcher. Euh... Elle peut perdre. Ça, ça peut contribuer à la magie globale du titre, et donc. Perdre, si tu perds beaucoup au niveau sonique, au niveau qualitatif sonique, tu vas perdre un pourcentage de la magie de ton titre. Ça, c'est sûr. Maintenant, ce pourcentage, ce n'est pas lui qui fait le hit. Euh, ce n'est pas lui qui fait le hit. Ce qui fait le hit, c'est ta mélodie, c'est ce que tu racontes, c'est les sons, c'est la prod. Donc, je dirais que jamais ce genre de truc n'empêchera un hit. Voilà, jamais. Mais par contre. Ça sonne pas pareil. Oui, ça sonne mmh. pas pareil. Et même, je, je pense que souvent on dit non, mais le public lambda, il entend, l'entendra pas. Bien sûr, qu'il l'entendra pas parce qu'il se rend pas compte. écouter oui, bah c'est-à-dire ouais. pour lui, ça sera la même chanson. Tu lui, tu lui, files les deux, celle qui est passée dans le matos analogue et celle qui est passée bande euh, sous disque. Il verra aucune différence. Il... Mais par contre, si tu le lui plays deux secondes d'une, deux secondes l'autre, deux secondes, il va te dire ah oui, je, je vois qu'il y a un petit truc différent. Mmh. Il saura pas mettre mmh. des mots dessus. Mais il va sentir qu'il y a un petit truc différent Il va dire oui, c'est pas tout à fait, tout à fait pareil. Mmh. Bon, mais mmh. il saura pas expliquer c'est quoi. La différence, c'est que les fréquences sont un peu plus colorées. L'espace est un peu plus large. Les transients sont un peu plus frappants. Euh, et tout ce un peu plus, plus un peu plus, plus ouais, un peu contribuer. plus, un peu plus, mmh. fait que quand tu passes d'un à l'autre, eh ben n'importe qui, même quelqu'un qui, euh, qui est pas du tout en la musique, va dire ah oui il y, ah y ouais. a une différence. Et si tu, tu préfères ça ou ça il va toujours te dire quasiment toujours qu'il préfère celle qui est passée dans le seming et tout ça, parce que pourquoi Parce que l'oreille s'est habituée à cette déformation ouais, que ouais, fait ouais. le matériel ouais. sur le sur le son, et c'est devenu quelque chose d'agréable. Et donc, quand tu fournis cette agré... ce, ce petit côté agréable en plus par rapport à la même chose sans ce côté agréable, et eh ben euh, mmh. voilà, ça c'est un plus qui n'est pas négligeable. Maintenant, vu ce que ça coûte <laughs> ouais. de s'équiper comme ça et, et le bordel le bordel à mettre ouais, en place. Le <laughs> montage, le moindre, hein, les DSUB 25 à 140 euros pièce, bon, voilà, euh, etc. etc. Euh, plus les connaissances qu'il faut pour savoir s'en servir correctement et la complication que ça amène dans tes sessions, parce que dès que tu es ouais, dans ouais. une configuration comme là, euh, que tu as du seming analogue, que tu as euh, des, des limiteurs clippers, que tu as de, de la compression, etc., du, du type émulation, bah, euh, mmh. Ça complique dans ta tête. Il t'a intérêt vraiment d'être de, de, patché, d'être câblé euh, d'une manière. Tu vois, c'est pour ça que tu sais, je t'avais dit, j'ai acheté le patch Flock Audio. Oui, ouais, c'est génial ça. Mmh. Euh, qui, pour ceux qui connaissent pas, est un patch où tu es. Euh, c'est pas avec des câbles que tu branches ça dans ça. C'est un patch digital euh, contrôlé par l'ordinateur. Enfin, c'est un patch analogue, mais contrôlé digitalement. Donc, quand tu changes de chanson, si tu veux câbler ton limiteur, au lieu de mettre sur master, tu veux le mettre sur ton kick. Bum, en un clic, euh, tu n'as pas besoin de te lever pour aller câbler, ni d'avoir des câbles de patch. Quoi. Donc, ça, c'est assez fabuleux et ça change la vie. Et je pense que dans une config euh, euh, hybride, je pense que c'est un des outils qui permettent que la config hybride devienne viable aujourd'hui. Ouais, voilà. ouais. Dans un patch digitalement contrôlé, comment tu fais c'est trop con parce que ça veut dire que ton limiteur, tu vas le mettre tout le temps sur la même sortie de ta carte son. Ouais, et puis tu as la flemme et tu ne changes pas. Et tu ne changeras plus jamais. Alors que ton limiteur, s'il faut, il est génial sur le kick. Enfin, tu vois, je veux dire, tu peux t'en servir sur d'autres trucs. Et pour faire ça en analogue, eh bien, à part ces jouets-là, qui sont des gros jouets, c'est pas donné. C'est pour ça que je ne l'ai pas acheté, d'ailleurs. Mais bon, tu peux difficilement te lancer, à mon avis, dans une config hybride sans patch. Oui, 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 oui. Et puis sans ça, du coup. Ben donc, soit tu as un patch à des câbles, mais c'est mmh. à l'ancienne et ça va te faire chier. Mmh. Euh, soit tu as ça, soit tu as des cartes son comme la... Comment elle s'appelle Celle d'Antelope, qui est énorme, la 32... 32 in, 32 out, Orient. Bah, du coup, peut... moi, j'ai pris la PreSonus 48, 48, donc ça m'a réglé le problème pour 1000 balles. Bon. Est-ce que tu as une matrice où tu peux... euh, Non, du coup, il faut quand même que je débranche et que je rebranche. Ouais. <laughs> voilà, parce que dans l'Antelope... Ah, tu là... peux faire ça dans l'Antelope Je ne savais pas ça. Ouais, okay. Voilà. Et euh, tu me diras, ben, moi j'ai une carte à vide euh, Pro Tools euh, Matrix et euh, tu peux faire ça aussi sans le patch flock. Mais comme je pas assez d'entrée-sortie, parce que ça coûte un bras chez ouais. merci. Hein, donc j'ai pris oui. le modèle euh, avec 16 in, 16 out. Mais si je vais voulu avoir 32 in, 32 out, comme mon patch, hein, euh, je n'étais pas rendu. Quoi. Ouais, ouais, et puis après il faut les câbles et tout. Quoi. Et il euh, y, y a une question justement, on parle de matos qui a rien à avoir. à voir, mais quelqu'un demande la référence de ton écran. Euh... Oh là là, euh... <laughs> c'est un Samsung. Un ouais. Samsung incurvé. Samsung 42, les... un truc comme ça, quoi. Euh, C'était les générations, ça s'appelait Quantum, Quantum, ouais, Quantum LED. Quantum LED, c'est ça. Ouais. LED, Quantum ouais. LED, Quantum lip, autre chose. Quantum LED, parce que ça repose les yeux, C'est euh, la luminosité est faite de telle sorte que... Alors, t'as pas les vraies couleurs, du coup, c'est légèrement... Orange. Oui, mais oui. en prod, ce n'est pas très grave. Ouais, ça ne te, ça te détruit pas les yeux. <laughs> Et il y a pas mal de questions sur Luna aussi, alors, juste, pour peux en parler très rapidement, mais voilà, de toute façon, tu m'as donné ton avis. Euh, qui est très prometteur mais bon euh, qui, est, qui est pas encore euh, qui est encore compliqué à utiliser dans le domaine pro on va dire J'ai adoré mais le problème c'est que quand tu le mets face à la, à la pratique par exemple leur camping il m'a saoulé quoi donc et moi le comping un logiciel qui fait pas le comping comme je veux mmh. euh, je, peux, je peux pas il faut je démissionne tu vois Et là je suis d'ailleurs en froid total avec Avid <laughs> si jamais, euh, oui, parce que tu es, es repassé donc sur Pro Tools euh, finalement après avoir testé tous les dos de la terre. <laughs> je suis passé sur tous les dos et mmh. franchement j'ai trouvé des super trucs dans tous les dos quoi. Même mmh. j'ai même fait Bitwig pour te dire. Ah ouais. Donc euh, mmh. ouais. Donc euh, à un moment je suis resté pendant un an sur Bitwig. Ah d'accord, j'avais pas à, à chaque fois, à chaque fois il y a un truc qui me saoule et donc à la fin je me suis dit mais puisqu'à à chaque fois il y a un truc qui te saoule reviens à tes premières amours c'est-à-dire Pro Tools. Voilà, moi j'ai été éduqué sur, enfin c'est pas vrai, j'étais éduqué sur Logic, mais comme j'ai été dans les studios très tôt, j'ai ouais, vu Pro Tools Pro Tools. Pro Tools, Pro Tools, Pro Tools, Pro Tools, Pro Tools, à la maison j'avais Logic, mais après du jour où j'ai vraiment rencontré Ableton, je suis tombé amoureux d'Ableton et donc j'ai abandonné Logic et tout ça. Mais en termes de recording, de mixage et tout ça, j'ai c'est Pro Tools qui est dans mon cerveau, tu vas se mmh. dire. Euh, donc la, le seul truc c'est que aujourd'hui Pro Tools et il faut il faut savoir dire la vérité. C'est un code vieux, quoi. Ouais. Qu'a jamais été à jour. Il y a ouais. des trucs quand tu penses que tu peux pas activer la loupe pendant que tu es en play, quoi. Oui, ça tu m'as dit, play, tu me, me l'as dit, j'ai halluciné. Alors, c'est-à-dire qu'en fait, quand, quand tu, tu peux, quand es en play, tu peux pas activer le mode loupe. Il faut, il faut arrêter. Ouais, ça c'est ouf. ça. Ouais. Y a des trucs comme ça, tu en as 100. Mais ça, c'est peut trucs... peut-être parce que c'est un vieux code et que pour eux, activer cette fonction, peut-être qu'il faut, <laughs> faut remonter super loin ah. et que c'est un truc super chiant, sans doute. quoi. Peut-être. Je n'ai pas, pas la connaissance mmh. de, de programmeur pour savoir dire qu'est-ce qui se passe, mais des trucs comme ça, c'est fou. Quand tu es en mode comping, le comping aussi, j'ai envie, envie de les appeler. <rire> <rire> quand tu es en train de comping dans Pro Tools et que tu euh, switch down sur la piste du dessous, oups, j'espère que j rien euh, j'ai rien. C'est bon, j bon. il y a eu un bruit, c'est bon. Euh, le truc te fait une, une fraction de seconde de silence. Mais ça va, les gars. C'est-à-dire que quand tu, quand tu passes sur un autre bout d'audio et que tu le montes sur la piste que tu écoutes, ouais. Ça fait une fraction de silence, mais les gars, c'est pas possible ça ah ouais. en 2021. Donc si tu veux, et pour autant, je reste sur Pro Tools parce que je me dis de toute façon, tous ils ont des trucs qui me gavent, tous <laughs> tous, les, tous les logiciels. Studio One, qu à... que, qu'est-ce qui te gonflait C'était le, les, 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 les contrôleurs, non Tu pouvais pas avoir tes contrôleurs sur Studio One Studio One, je trouve que c'est un des meilleurs, franchement, ouais. et ils ont assuré de fou parce qu'ils ont allé voler les meilleurs trucs ouais, ouais, de partout, tous les deux. Ouais. Mmh et ils ont fait une version de ça et dans Studio One ce qui m'a gonflé c'est que alors, au moment où j'ai repris Pro Tools j'ai hésité une fois de plus je me suis dit bon, Studio One ou Pro Tools et en fait euh, pourquoi j'ai pris Pro Tools parce que encore une fois quand le projet devient lourd c'est à dire que dans ton projet tu as du taquet, tu as 140 pistes tu as des plugins de partout tu as de l'intégration analogue c'est à dire que tu sors des tracks en temps réel vers ton summing et tu les retournes Ensuite, tu ressors en analogue, passé dans tel ou tel truc, tu reviens. Euh, ensuite, tu sors ta chaîne mastering et tout ça. Il faut que le logiciel ait une euh, capacité à mettre les délais qu'il faut quand tu rentres et tu sors. Ouais, bah et ouais. Chaque fois que tu, tu sors ton séquenceur, tu te choppes le delay de la carte son, tu vois Et ça, il s'est le corriger, ça okay. Et donc, Studio One sait le faire via un truc qui s'appelle Pipeline XT. Mais... Il n'empêche que quand je l'ai testé en mode, alors il le fait super bien en mixage. Si tu fais que du mixage, très honnêtement, je, restais, je serais resté sur Studio One. Mais pour les prises, le truc, il, ah ouais, ça, ça, va. Ça, 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 ça ne se pas du tout. Donc si tu veux... Ah, moi, comme je l'empère qu'en mixage, Studio One, je ne rends pas compte du coup. Ben, euh, je compose pas. Oui, non, ouais, mais ouais. le problème, c'est que la situation qui se passe dans la vraie vie, c'est que souvent, tu as une session qui est avancée, où tu as full de plugins de tout. Ouais, et tu dois, et dois rajouter puis, un, tu sais un truc, cas, quoi. Si on faisait une vocale, ouais, ouais, ouais. <laughs> si on faisait une <laughs> vocale maintenant, et là, ouais. tu es obligé de tout friser, de... mais friser c'est bien joli, mais comment tu frises l'audio qui passe sur des ox ouais, 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 tu peux pas. Bah, hein. tu peux pas friser ton ox. Ouais. Comment tu frises ce qui sort dans de l'analogue Tu peux pas friser ouais. ton analogue. Donc si tu veux, dès que es dans... tant que tu n'es pas dans une setup hybride et tant que tu es surtout dans du mix, Studio One c'est génial. Si tu es un setup hybride et que tu fais que du mix, Studio One, c'est toujours génial. Grâce mmh. à Pipeline XT qui te calcule ouais, 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 en clic sur le bouton. Ouais, pof, ouais. Il te calcule combien de temps ça a mis à rentrer sortir de ton matos. Ouais, c'est top, ça. Ouais. Et, et alors, pourquoi Pro Tools Parce que Pro Tools HDX, c'est-à-dire Pro Tools avec les cartes HD. Et c'est pour ça que dans tous les cieux de la planète, tu verras toujours et encore du Pro Tools. Ouais. Donc dans à, cieux, à 10 000 boules, on est d'accord, ticket d'entrée c'est 10 000, un truc comme ça. Malheureusement, malheureusement, ouais. malheureusement. Okay. C'est pour ça, Luna, il faut avoir espoir. Mais bon, ce n'est pas bon tout de suite. L'avantage c'est que c'est un code Luna, tout frais, mais il faut, faut voir. C'est prometteur voilà. en tout cas. C'est la même chose que Pro Tools HD, on va dire, puisque ça, ça se calcule sur du hardware. Mmh. Euh, mais maintenant, le logiciel est un peu genoux. Ouais, il ouais, ouais. y a des trucs dedans qui ne sont pas qui moi m'ont pas je me suis dit bon je vais être embêté tu vois il ouais, faut et attendre donc, un peu quoi ça, pas osé ça serait dans deux ans ou trois ans s'il si faut je te dirais bah Luna vas-y ils auraient dû sortir euh... le limite l'annoncer comme bêta avant qu'ils soient en version 2, presque un truc comme ça quoi mais euh, ouais. mais euh, enfin moi du coup je fais du stem mastering dans Luna j'en suis très content hein, puisque j'utilise tu sais le, le summing analogue à la UAD euh, et ça marche ça marche vraiment vraiment très très bien quoi okay. et, Ok, ok pour la partie un peu matos. Alors, euh, à la fin de l'émission, on fera un petit studio tour. Hein. Il prendra sa caméra, mais on le fait à la fin parce que, comme il faut déplacer la caméra et tout ça, euh, voilà. Donc, on fera ça. Euh, alors, allez, j'accélère un peu. Je zappe certaines questions. <laughs> euh, ouais, je voulais parler un truc justement, et puis ça me permettra d'enchaîner sur ce que la petite annonce que tu voulais faire. Euh, L'autre fois, je t'ai envoyé une prod à faire écouter, et puis tu me dis, ah, bon, le, le snare, il va pas, ce qui était vrai. Et je te dis, oui, bon, c'est normal qu'il aille pas, je l'ai pas encore choisi. Euh, et, et tu m'as dit, ah, bah, écoute, parce que ouais, le snare, c'est super important. Euh, moi, justement, je suis sur une prod là. Euh, je vais commencer à choisir mon snare. Je vais y passer deux jours à peu près. Enfin, <laughs> tu as prévu éventuellement deux jours pour choisir ton snare. À euh, la Marseillaise. Ouais, ouais. <rire> <rire> mais mais c'est-à-dire, dans le choix des sons, justement, euh, aujourd'hui, justement, est-ce que euh, tu, tu peux passer, toi, vraiment concrètement, est-ce que ça peut arriver que tu passes deux jours à choisir un snare dans tes banques ou où... bah, En général. Si tu veux, tu passeras jamais deux jours à choisir un snare. Mais ce que je voulais dire en disant ça, c'est que pendant deux jours, tu peux être emmerdé avec oui, un oui, snare. Oui, tu, vois, oui, tu, oui. -tu, tu fais autre chose de la journée. Mais ouais. si tu veux, euh, peut-être 40 fois, tu vas le changer dans ces deux jours-là. Et après, tu fais autre chose. Tu fais un peu la base. Puis tu dis Oh non, le snare, ce toujours pas ça. Vas-y, je vais changer. « Oh non, quatre heures après, tu fais autre chose. Quatre heures après, oh non, j'en suis toujours pas content. Tu vas bouffer. » Donc, si tu veux, pendant deux jours, tu peux être amené à avoir des sons qui ne te, qui, qui ouais, te qui pas bon. satisfont pas, qui ne te paraissent pas crédibles. C'est ça que je voulais dire en disant deux jours. Mais Et des fois, ça peut être deux mois. Ouais, Comme ouais. Je te dis, parmi les meilleurs, tu as des gars qui travaillent sur des tracks pendant des mois et, et qui bloquent sur un passage du morceau de cas de mesure ou sur un son, une sonorité qui va toujours pas. Mmh. Et… Euh, et jusqu'à l'heure, le dernier instant qu'ils envoient la traque à presser, s'il faut, ils vont changer tel ou tel son, tu vois. Ouais. Donc, euh, moi, ça me choque pas du tout. Je sais qu'on est dans la génération des gens qui font les morceaux en une après-midi, qui ouais. euh, posent dessus et vas-y et qui le sortent. Le et, lendemain. Ça ans. et ça s'entend qu'ils ont fait en une après-midi. <laughs> ah, bien sûr. Euh, maintenant, si vendent des disques comme ça et que ça marche à fond, le carton est total. Ma foi, ouais. moi j'ai rien contre. Tu mmh. penses je veux dire je, je leur dis même bravo. Je leur dis les gars, qu'est-ce que j'aimerais savoir faire ça mmh. Enseignez-moi. Ouais. <laughs> tu vois Un en fait, truc à enseigner, c'est pas tellement euh, technique, c'est justement le lâcher prise. Ouais. Donc, ouais, euh, ouais. Bien sûr. il oh, y a des fausses notes dans la vocale. Bon, je vais pas, je vais quand même pas passer trois jours au Melodyne et tout. Allez, on s'en, on, ouais. on on réalise comme ça. C'était un peu il ma question certains... déguisée justement sur le choix du snare. C'est est-ce que, est -ce que, il faut pas savoir à un moment dire bon allez. F... Vas-y, c'est bon, c'est pas le bon. <laughs> on zappe et on avance, tu vois. Est-ce que c'est pas contre-productif à un moment, tu vois, de, de vouloir atteindre la, la perfection et d'être trop pointilleux à un moment donné, bah, du coup, de rien sortir ou de pas réussir à sortir ou d'être fatigué ou démotivé, tu vois Est-ce que le juste milieu est dur à trouver, je pense C'est vrai. Metz, metz donne la bonne réponse, ah, c'est-à-dire, et c'est ce, ce que font tous les mecs qui sont en place, c'est-à-dire que chaque jour, quand tu arrives à, à ton travail, parce que producteur produceur, c'est un travail, euh, chaque jour quand tu arrives à ton travail, qu'est-ce que tu fais Tu commences par t'asseoir et te dire, tiens, est-ce qu'il y a des nouvelles banques qui sont sorties euh, Et tu passes les deux premières heures de la journée ou les trois premières heures de la journée à euh, écouter les nouveautés et tu te fais des dossiers, c'est con, il faudrait que je le montre dans, dans mon Ableton. Euh, moi, j'ai des dossiers top instrument. Dans top instrument, il y a top guitare, top basse, top 808, top kick, top snare, top. Et je peux te dire c'est c'est vachement long à faire et c'est un travail de tous les jours. Mmh. Donc, et, et, et c'est pas un truc. Alors, il y, a deux, il y a deux choses. Il y a le. le tu t'assieds, tu travailles, tu écoutes les sons. Chaque fois que tu as un qui te plaît, tu le sauves de manière à ce que tu puisses le recall en un clic. Ouais. Et pour ça, ouais. Ableton écrase tous les autres dos. Pourquoi ouais. Dans tous les dos, tu ce qu'on appelle les tracks presets. Donc, tu peux sauver un instrument ou un machin sous forme de tracks preset, bien sûr. Mais euh, dans la plupart des dos, si tu changes de tracks preset, comment te dire euh, tu, Admettons que tu vas y changer que les effets, mais pas l'instrument. Ouais, ouais, tu peux pas, c'est pas Là, un est, Et voilà, Mais ouais. il est bien au courant de ça. Mais et ouais. dans Cubase, par exemple, tu changes tout ton track preset avec tous tes effets. Dans Hamilton, <coughs> pardon, tu, euh, tu peux très bien ne changer que l'instrument que tu as sauvé. Et garder toute ta chaîne d'effets en un clic. Tu fais « clac, clac, merci ouais. ». Et là, tu fais « flèche vers le bas, flèche vers le bas, flèche vers le bas, flèche vers le bas ». Et tu passes tous tes vite. top guides. Ouais. Mais d'ailleurs, ceux, ceux qui utilisent Ableton, c'est un bon conseil. Vraiment, servez-vous de la bibliothèque Ableton. C'est euh, ah, primordial. C'est vraiment une des forces d'Ableton. C'est ça, pouvoir enregistrer ses euh, presets quoi. et les, les ricaler en deux secondes. Et en, surtout, en... sans saute, quoi. Euh, sans... sans décrochage audio. Quoi. Grave. Gra et tu peux être en... en loop, là, pour le mmh. coup. Ouais. <rire> <rire> tu peux jouer et tu changes tes sons et… Ce qui est même là où j'ai halluciné avec Ableton, c'est que tu sais, quand tu charges en contact, contact, des fois tu ouvres contact et il met un certain temps à se charger, si c'est des gros samples. Et bien, une fois que tu l'as sauvé ton contact avec ton gros sample sous forme de preset Ableton, il s'ouvre en un clic. C'est Incompréhensible. Je n'ai jamais compris pourquoi ça fait ça. Tu ouvres le même son en contact, il va mettre 10 ans à se charger. ça dépend si tu as fait Et en preset, ça ne m'a jamais compris pourquoi. Je comprends pas comment il fait. Après à Amazon, je l'ode pas, le truc qui fiche, clac, il, il est là. Ouais. Dis, mais merci. C'était ouais, ouf. Merci. Mmh. Donc, ouais, Donc, le secret, euh... ça serait un peu ça. C'était ma question. Et le secret, ça serait surtout de, bah, en amont d'aller classer tes sons et puis de pouvoir les retrouver. Enfin, euh, surtout déjà d'en écouter beaucoup. Euh, ouais. et Puis tous les jours, si possible. Et puis classer. Moi, j'avoue je suis un peu fainéant là-dessus et, et je me soigne. <laughs> je suis en train de me soigner. D'ailleurs, ça, ça tombe ah. bien que tu parles de. Oui, vas-y, vas-y. C'est un plaisir de faire ça. Hein. C'est vraiment un plaisir. Euh, au début, ça paraît être une corvée. Mais quand tu l'as commencé et que tu vois tes dossiers se remplir, et là où est le plaisir ultime, c'est quand, tu... quand tu passes d'un à l'autre. Ouais, ouais, ouais. Et tu es là, j'ai envie de prodé. Oh, il me faut des brasses. Oh, mais top brass MJ, puf, flèche vers le bas, flèche vers le bas, flèche vers le bas. Et à chaque brasse, tu y défonces. Pourquoi ouais, ouais, ouais. C'est toi qui les as choisis. C'est toi qui les as choisis. Donc si tu les as choisis, tu as kiffé. C'est-à-dire qu'au moment où tu l'as sélectionné, tu dis wow, celui-là, il m'inspire trop. Je le mets dans mon truc. Donc le jour où tu es en train de prodé, dis bon allez je prod et que tu les passes. Tu passes que des sons qui t'ont inspiré. Ouais ouais donc c'est parfait. Donc es en train de prodder, Ton plaisir il est, il, tu dis mais c'est trop génial de prodé tu vois. Ouais. Donc ça, ça vaut vraiment les heures perdues qui sont pas perdues du coup. Ouais. Ça vaut vraiment les heures passées à faire ça et surtout que ce qu'il faut pas oublier c'est que par contre ça c'est vrai quand tu deviens un peu plus professionnel après quand tu sors quand tu finis les tracks, il faut absolument une fois que c'est fini Sauver tous tes presets de toute ta track. C'est-à-dire, une fois que tu as fini ton instru et qu'elle est def, tu vas sauver. Alors, si ta track, elle s'appelle euh, Bonjour, Bah tu vas sauver Kick Bonjour. Plaque ouais, bonjour, ouais, ouais. okay. bonjour. Ça, je le fais bonjour. pas. Là. Et voilà, ça, il mmh. faut absolument le faire. Mmh. Pourquoi Parce que c'est encore plus important que l'autre truc, que de classer. Parce que ça, c'est des sons que tu as utilisés dans ton son à toi. Ouais, ouais, c'est petit... ta marque de fabrique, quoi. Mmh. Voilà, Ça devient ta marque de fabrique et tu dois absolument apprendre à réutiliser mmh. des sons que tu as. Alors, évidemment, tu vas pas réutilisé tous les mêmes sons, pour, le... mmh. mais dans un prochain morceau, tu peux réutiliser le pluck de dessus-là. Ouais. Le pad, le machin. Ou du moins la chaîne. Du moins la chaîne. Je ne pense pas le faire. C'est un bon type. Ça. ça, franchement, je pense que c'est vraiment un super type sur le choix des sons, le classement et tout. C'est ultra important. Et, et vraiment, euh, faites-le. Ça, ça vaut de l'or. Et il y a une question justement là sur. Sur euh, Twan Caps qui dit que tu es bordélique et, et un conseil pour un sample manager. Alors, si tu es sur euh, Mac, euh, on est d'accord, Samplism Ouais, moi, c'est ce que j'ai. Aujourd'hui, ouais. c'est ce que j'ai. Je les ai tous faits. Euh, et euh, après avoir tout essayé, j'étais longtemps sur. Euh, comment il s'appelait Ice, Ice Audio, là. Euh, Audio non. Finder. Audio Finder, ouais, ouais t'avais fait un tuto d'ailleurs dessus. Mais euh, il a morflé aujourd'hui, Audio Finder. Il n'est pas aussi performant que Samplism. Ouais. Attends, je, vais, euh, je voulais l'afficher, mais. Ça marche ouais. pas, euh, je suis pas sur le bon écran, il est là. Voilà. Je le montre. Donc, ouais, moi je... c'est vraiment très cool. Euh, il manquait le multitag, mais ça arrive. Et donc, euh, donc voilà quoi. Attends, je cancel ouais. ça. Donc, euh, voilà, c'est très cool. Et il marche très bien. Donc, euh, bah, prenez-le, mais je crois qu'il est que sur Mac. Donc, c'est un peu le souci. Malheureusement, Alors, ouais. Bon, on va pas entrer je... dans le débat Mac PC. Hein. <laughs> non, 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 non. Non, mais je pense qu'ils vont finir par le faire sur PC, de toute façon. Ouais, sans doute. Sans doute. Mais ouais, ouais, il est cool. Je confirme. Euh... Donc justement, tu parlais des banques Contact, mais ça tombe pas bien. Est-ce que tu aurais pas un truc sur Contact, là, un peu sur le feu là Mais tu penses plus que moi à tout ça. Et oui. Euh... <laughs> ouais, parce en a <laughs> parlé même toi pas et moi, pensé. A... Ouais, 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 On en a parlé toi et moi. Non, j'avais pas pensé. On a parlé toi et moi il n'y a pas longtemps. Euh... Ça fait des années que j'ai dans l'idée puisque puisque je fais tout ce travail de sélection des sons et tout ça. Ça fait des années que j'ai dans l'idée de sortir mes sons sous forme d'une banque contact qui serait playable déjà pour moi, parce que euh, avoir une bande contact avec tes, avec tes meilleurs sons, bah, c'est super agréable. Euh, sauf que, si tu veux, par feignantise vu que moi dans Ableton ça va tellement vite, bah, je les ai gardés comme ça et j'en ai jamais fait des contacts. Et là, je me suis, quand j'ai eu le Covid, là, puisque bon, bah, je l'avais annoncé que j'avais le Covid, ça m'a retourné dans la tête et je me suis dit bon ben. Bah, euh, peut-être on peut profiter aussi de ce temps-là pour, pour travailler sur ce projet-là. Et donc, on a vachement avancé avec un poteau qui me file un gros coup de main là-dessus. Euh, on a vachement avancé. Et donc, ce que je vais faire, j'ai un concept assez particulier dont je peux parler déjà en deux mots, même si on l'annoncera dans pas très longtemps. Je pense que la première, elle va sortir euh, là, dans euh, deux semaines peut-être, ou un truc comme ça. Et en fait, à chaque fois, ça sera un type d'instrument, par exemple les pianos, les guitares, les trucs ça. La première, c'est sur les bells, tout ce qui est bells. Et donc, ça sera des sons qui sont prêts pour la prod. C'est-à-dire que c'est pour ça que ça s'appellera MJ Production Bells ou MJ Production Piano, etc. Et donc, ça sera des, des banques <coughs> avec chaque fois 32 sons. Je pense que ça sera 32. On est en, on est en réflexion sur le… Parce que c'est énormément long à faire. Mais ouais, alors, tu les, dit, tutos hein. à côté, ouais. les tutos à côté, c'est rapide. Parce que si tu veux, euh, c'est un concept que j'ai fait de layering. Puisque ça, à l'époque, j'avais fait des tutos sur le layering, et ça, ça fera partie peut-être en 2022 ou des tutos qui reviendront sur MJTorel V5. Et donc, euh, j'utilise mes propres layering que j'ai fabriqués pour moi et je les mets sous forme de contact. Donc, ce qui fait que chaque fois que tu as un son dans ma banque, tu peux aller de, euh, du premier son au deuxième son et tu peux avoir le mélange des deux tel que moi je l'ai programmé. Mais tu peux aussi avoir que le premier ou que le deuxième son. Et donc, chaque son est trois sons finalement. C'est-à-dire que pour chaque layer, que je te donne, tu as mon layer. Ouais. Euh, puis tu as le son, les deux sons qui ont servi à le faire Qui sont à eux-mêmes déjà géniaux ouais, ouais. Euh, Déjà à eux-mêmes c'est des bons sons tu vois. Mais une fois qu'ils sont layerés Quand tu sais comment layerer deux sons qui matchent ensemble Ça fait <coughs> des sons qui ont une identité Et euh, c'est aussi pour ça Que j'ai hésité à faire ce projet Parce que ouais, c'est tellement tu ton, tu... Que tu... puis tu vends aussi un peu ton identité Est-ce est que tu vas les utiliser ces sons après pour tes prods <laughs> Ben oui, euh, ouais. franchement, honnêtement, oui, parce que si tu veux, ce que je remarque, c'est que et là c'est pareil, c'est comme quand tu connais une technique. Au début, tu veux pas trop la donner parce que tu dis oh ouais, si je dans la technique, tout le monde va faire comme moi. Mais en fait, à la fin, tu te rends compte que ce qui compte, c'est la musique que tu fais avec. Mmh. Donc on peut tous avoir le même son avec le même layer, ils sonnent pareil. La musique que tu vas faire toi, la musique que je vais faire moi, la musique que va faire Mess ou XY bon, On a tous un piano, hein. on a tous un piano, on fait pas la même musique avec. Hein. <laughs> ouais. Ouais. Donc du coup, euh, je me suis décidé à faire ça. On est sur la fin, là. Je crois que sur les 32 sons, on en est à 20. Donc, il manque 12. Ils sont déjà faits. Mais si tu veux, là où il faut. faut les... C'est ouais. pour ça que les gens. Il faut, il faut que vous, vous rendiez compte du temps que c'est. Je donne juste un exemple pour que vous compreniez. Bon, la banque, elle ne sera pas vendue très cher. Elle sera dans les 30 balles. Ah ou mais il y a Mozart ça. qui demande justement euh, le prix. Donc, euh, voilà. Ah, ça, dans les 30 balles, un truc comme ça. Mais, mais si tu veux, rend, rendez-vous compte d'un truc. Je dois sampler, pour faire une banque, je dois sampler euh, 64 sons. Sampler un son, ça prend une heure. Donc, c'est déjà 64 heures de travail. D'abord, il a fallu les créer. C'est-à-dire qu'il a fallu. Enfin, là, il se trouve que bon, moi, je triche un peu puisque je les ai pour moi. Donc, admettons, je n'ai pas eu trop à les créer mmh. puisque c'est mes, mes presets à moi. Mais ça prend du temps de faire tout ça. Mais les, Après, semblés, il faut tu les, parles, sampler. les sampler, tu parles pour avoir euh, du grave à l'aigu, c'est ça, les 64 oui, Il te ouais. faut sampler toutes les trois notes. Ouais, toutes les trois, trois, trois notes, c'est. Okay, ouais. voilà. mmh. enfin, moi, je fais ça. Ouais. Et en plus, souvent, il faut sampler plusieurs niveaux de vélocité. Oui, en plus. Donc ça fait pour un son de 49 touches, ça fait combien de samples, tu vois Et c'est des samples qui durent ben ouais. <laughs> ah non voilà. Donc après il faut les équilibrer, il faut les dénoiser, il faut les ceci, il faut ajouter les effets. Tu feras des plugs hein, la prochaine fois, sera plus court à faire. <laughs> non, mais... Des plugs sans ah, reverb. <laughs> voilà c'est ça. Donc là c'est processé, tu vois, c'est processé. Donc je dois, c'est un casse-tête. Donc une fois que tu as fait ça. Euh, tu les as dans contact, il faut paramétrer le contact, il faut ça réponde à la vélocité. Donc il te faut le jouer pendant une demi-heure, le son. Et tu touches un peu les vélos, les niveaux de réaction. Tu rajoutes des statues, des EQ, des trucs, de la compression, de la reverb, du delay pour recréer le delay que tu n'as pas samplé parce que tu n'as vas pas sampler le son et le delay. Ouais, bah, ouais. Donc il te faut le dans contact, réplica, euh, le reprogrammer, faire en sorte que ça soit bien, que ça réponde à la pédale de sustain, au truc, au pitch bend. Euh, C'est un truc de dingue. Quoi. <laughs> Donc pour tes 64 sons, tu vas passer de nouveau une demi-heure par son. Donc, ça fait 32 heures de travail de plus. <laughs> je ne sais pas si tu vois, si tu, quand ouais. tu ajoutes toutes les heures de travail, tu as es, es à plus de 100 heures de travail, 120 heures de travail pour réaliser 32 sons, s'il te plaît. Et, peut... Et donc, après. Vas-y, vas-y. Non, non, je t'en mais tu vois, ce que je veux dire, c'est que, euh, ce que, dire, que euh, au moment où tu le réalises, tu es vraiment content déjà, mais tu te dis, mais jamais j'aurais fait ça pour moi. Ouais, C'est-à-dire ouais. que moi, pour moi, ça va, je garde mes presets Ableton, tu vois, je n'ai pas besoin. Donc, en fait, à la fin, bah, tu te dis, bah, c'est un truc et je ne le je mettrai pas cher, mais il y aura, ça vaudra je, ouais, dans les 30 balles ou un truc comme ça. On pourra la et craquer coup, où alors et Voilà, bah, au Z. <laughs> il y a un, remarque, tu devrais monter le prix qui qu'il y a Mozart 8 qui dit 30 balles, j'en veux 10 au moins. Donc, tu peux, tu peux monter, tu, 30, 30 balles, c'est pas assez cher. Euh, 10, oh, 30 et il y, y a Art Mood qui nous salue. On parlait, on parlait de toi tout à l'heure, Art justement. Euh, donc voilà, donc ouais c'est cool. En tout cas, c'est une bonne nouvelle ça d'avoir d'avoir tes sons. Euh, carrément, j'ai hâte d'écouter. Moi j'ai pas encore écouté. Pas... Après c'est très long, c'est très long à faire. Et je te dis franchement, je vais voir ouais. comment c'est accueilli. Ouais, ouais, ouais. Euh, Parce que moi, je ai pas besoin de le faire pour moi, parce que je te dis, j'ai mes layers. Ouais. Mais, mais... Et en plus j'ai oui, j'ai poussé le vice plus loin. Je me suis dit, est-ce que ça serait puisque chaque... chaque son est un layer de deux, je me suis dit ce qui serait génial, c'est que chaque layer de deux marche avec un autre. Et donc, dans mon délire, je me suis dit je vais faire en sorte de les créer de sorte à ce que tu puisses mélanger n'importe lequel des deux. qui Ça fait donc quatre, du coup, et que ça marche. Et franchement, de là où j'en suis, il y a juste un ou deux qui ne marchent pas ensemble. Sinon, tous les autres marchent ensemble. Ça veut dire que tu as des sons single, tu as des sons layer D'accord. Et, deux, et ouais. si tu peux layer et deux de mes deux à moi, et tu auras un truc layer ah, et quatre. Toi, D'accord. Okay. Je trouve ça... Alors, c'est du taf. Hein, c ouais. Normalement, c'est du brainstorming. Mais, mais si tu veux, je trouve ça génial. Je trouve... Euh, je, 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 je me dis je suis vraiment content de l'avoir fait mais bon voilà en termes d'ordre de travail je suis pas content de l'avoir fait <rire> <rire> il y a Amnésie qui dit il faut faire des scripts j'imagine que vous avez réfléchi le truc déjà c'est déjà un peu le cas non c'est ça ouais il faut ouais. faire des scripts ouais. et Alexandre qui chiant. dit on va l'acheter en groupe buy <laughs> voilà, ça, <c> <laughs> et on l'a tous fait hein. Voilà, Tous fait après, je pense que c'est pas pareil évidemment quand, quand c'est quelqu'un que tu connais, et puis je pense que c'est aussi une forme de support et de soutien. Euh, quand et de toute façon, les, les producteurs qui ont des chaînes YouTube et qui font des banques de sons, bah en vrai, elles sont, elles sont craquables, mais euh, je pense qu'il y en a beaucoup qui achètent parce que c'est aussi une manière de, de tipser et de, de filer un peu d'argent à, à, à ceux qui l'ont fait. Tu sais ce que c'est, surtout, c'est si t'en en veux d'autres derrière, parce qu'encore une ouais, fois, ça, ouais, ouais. tellement de travail, c'est si ça plaît et que les gens en veulent d'autres, bah, si tout le monde le craque, il bah, y en aura sans doute pas d'autres. Voilà, c'est toujours la même histoire, en fait, parce que si tu veux, à un moment donné, euh, le loyer ici, il n'est pas gratuit, tu vois. Et, et, et tu peux oui. en vendre des banques avant d'avoir payé le loyer ouais. ici, tu vois. Donc, c'est ça aussi qu'il faut voir, c'est que... On en est tous là, on a tous les mêmes problèmes. Il faut, faut assumer le quotidien et c'est pas. pour l'instant, on n'est pas dans un monde où le, la vie est gratuite. Donc, euh, bah, tout travail qu'on fait qui prend autant d'heures de travail, bah, tu le fais payer. Oui, ouais, mais ça, c'est une, une bonne remarque parce que c'est vrai que quand, 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 on, quand on craque un plugin, on se dit oh, De toute façon, je ne vais pas voler d'argent, euh, ça lui coûte rien, machin. Sauf que c'est vrai, tu soulèves le problème c'est que si le plugin ne se vend pas, bah, le mec il va arrêter et puis on n'aura plus de plugin de ce mec-là en tout cas. Euh, ah. Et donc, on s'appauvrit un peu, nous, finalement, euh, en faisant ça. Donc, euh, donc je pense que c'est bien de soutenir les, les projets qui nous plaisent. Parce que, ouais. euh, voilà. Puis, pas penser aussi que les, que les, les boîtes de plugins sont des multinationales. Hein. Il y a beaucoup de grosses boîtes de plugins le mec, il est tout seul à, co à coder. Hein. Donc, euh, alors, peut-être pas les UAD, etc. Mais, euh, mais, euh, mais tu vois, par exemple, euh, les bons plugins de chez euh, Mastering the Mix. Euh, ouais. le mec il est tout seul quoi il fait ses petits plugins chez lui tout vrai. seul donc euh, voilà alors que ça paraît un peu gros tu vois mais bon donc il euh, y a toujours quelqu'un derrière quoi des fois plusieurs parce que encore là on est deux nous pour le faire moi j'aurais été incapable d'intégrer ça dans une banque contact euh, puisqu'il faut euh, au moins savoir lire et comprendre le KSP script ouais. pour modifier les scripts si, si jamais tu les crées pas toi même donc déjà ça tu vois et ça paraît con mais tu te dis bah, si tu sais pas faire ça tu fais comment <laughs> tu vois tu vois et alors là où s'il faut en plus créer un plugin c'est encore plus compliqué parce que bon, faut maîtriser des, des alors bon certes il y a des modules tout près que tu assembles mais il faut maîtriser l'assemblage de tous ces modules tu vois c'est ouais. non c'est c'est pas évident c'est un il <laughs> y a amnesie qui nous dit euh, que je salue d'ailleurs c'est ce qui s'est passé avec le P 900 ouais exact le P 900 c'est pour moi le meilleur euh, plugin analogique de synthé analogique c'est une émulation du Moog tu sais le modèle 900 là en, en, en modulaire et c'est un, ouais. un VST mais il sonne de la mort quoi t'as même pas besoin d'avoir du synthé hardware et sauf que bah il a pas été très bien accueilli en tout cas a, euh, il n'a pas été beaucoup acheté et donc les, les mecs ont fermé quoi. Donc c'est-à-dire que là j'ai la version, mais le jour où il sera plus compatible, bah, je, je, perds, je perds ce plugin-là. Donc c'est pour ça que c'est important de soutenir malgré tout. Euh, donc voilà pour ça. Euh, je regarde mes notes. Alors allez, vite fait, et après on, on finit avec un studio tour. Euh, je voulais, on voulait parler un peu, donc alors on, va, on va quand même parler du Dolby Atmos parce que ça revient, mais ça va être court, mais un peu du futur manière générale de l'ASIC Alors déjà, pour, 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 pour évacuer le problème Dolby Atmos. Toi, tu m'as dit que n'es pas convaincu. On en, pas en a même. parlé cet après, moi vite fait. Euh, moi, j'ai essayé. Et euh, bon, hormis le fait que je suis pas, euh, j'ai pas de connaissances <coughs> là-dessus. Hein. Mais j'ai essayé et ça ne m'a pas fait kiffer. C'est-à-dire mmh. que j'ai même senti que je ne sais plus quel, quel morceau j'écoutais, trois, quatre morceaux, et je perdais le punch. Par exemple, il ouais. y a un morceau où il y avait une guitare, tu sais, le morceau qui fait. Je ne me rappelle plus non. Mais voilà, j'ai écouté ça et la guitare, elle, elle, elle perd son, sa présence. Les trucs sont vaporeux. Je sais pas ouais, tout est dire. flou, c'est ça, vaporeux, flou. Ça me donne l'impression d'une mauvaise réverb dans la pièce, les trucs sont un peu partout, tu ne comprends pas. Ouais, voilà. Ouais. Donc si tu veux, comme les morceaux n'ont pas été mixés pour ça, alors peut-être que maintenant que Logic... Euh, ah si, si offrir... ils ont été mixés pour ça, c'est-à-dire que quand tu vas sur la playlist Apple Music, tu as des nouveaux morceaux qui ont été complètement remixés en Dolby Atmos. Euh, ah, c'est encore pire ouais ouais, ouais non c'est c'est que certains sont faits pour alors ils ont peut-être pas été réfléchis pour par exemple il y a, je reparle de Jean-Michel Jarre évidemment mais Jean-Michel Jarre a fait un, un pour une exposition de photos il a fait un, une bande son de l'exposition en Dolby Atmos pour que euh, donc il a réfléchi le projet en Dolby Atmos il l'a composé en Dolby Atmos donc c'était de base ouais. Alors oui, c'est marrant parce que c'est un truc un peu, voilà, un peu d'ambiance et tout. Donc là, c'est justifié parce que t'as un oiseau qui passe derrière, t'as un bruit de cloche, t'es dans la forêt amazonienne. Donc c'est marrant. Mais quand tu transcris ça à de la musique, euh, pourquoi le snare il est là euh, Pourquoi euh, euh, Pourquoi à un moment le chanteur il se déplace Pourquoi il y a de la réverb Pourquoi j'ai des sons derrière et au final, je trouve que d'un point de vue artistique, même si c'était bien réalisé, je ne trouve pas que ce soit très, très pertinent de toute façon. Donc euh, mmh. c'est un truc en mouvance forcément. Et j'ai vu des, des interviews d'ingénieurs du son célèbres qui disent que ouais, ça va révolutionner le, la musique et que bientôt, dans dix ans, on écoutera de la stéréo, on va trouver que c'est tout pourri comme de la mono. Moi, j'y crois pas trop. Quoi. Bah, déjà, euh, et c'est ce que tu disais très justement cet après-midi si déjà faut être équipé de 7 moniteurs pour pouvoir en profiter. Euh, 12, 12. 12. C'est-à-dire qu'il en faut 7 sur les côtés, 4 en haut et un caisson de basse. Donc qui va voilà. avoir ça chez lui quoi Voilà, qui va avoir ça déjà ouais. euh, Et donc si ça marche pas sur les enceintes, moi même bêtement je pensais que ça marchait puis ça marchait au casque, je pensais qu'il y aurait eu une, un encodage ou un truc qui faisait pseudo marcher sur les enceintes. Mais si c'est pas le cas, qu'est-ce qu'on s'en fout Si ça marche pas dans ta bagnole, si ça marche pas, voilà. Ça marche Donc au en casque. fait c'est quoi C'est pour écouter au casque ouais. Mais et même au casque, comment ils font C'est là où c'est pas normal. C'est-à-dire que si ça marche avec 2x7, fois, fois comment ça peut marcher avec deux au casque C'est bien qu'il y ait un encodage pour que ça marche avec... Oui, ouais, euh, c'est du binaural. quoi. Donc c'est faux, le binaural. Voilà. c'est un truc qui, qui biaise un peu l'esprit et qui sonne voilà. faux, qui ne sonne pas naturel, quoi. Donc moi, j'aimerais mmh. l'entendre, le dolmial, ce que ça donne sur euh, 7 fois ouais. 7, 7 fois 2 Là, c'est peut-être intéressant, Je, ouais. je t'avoue que je ne l'ai pas entendu. Mmh. Euh, et donc, est-ce que ça va devenir un truc branché Moi, je ne pense pas du tout. Puisqu'il faut autant de matos et que en, en casque, c'est pas je trouve pas ça, je trouve pas que ça sert les mix pour l'instant. Maintenant ouais. peut-être ou dans cinq ans. Ouais voilà s'il faut dans 5 ans ça sera génial je sais pas ouais, mais pour l'instant moi j'y crois pas trop hein. donc voilà pour le Debiatmos, clac allez <laughs> au suivant euh, après euh, qu'est-ce que tu penses un peu de l'intelligence artificielle de tous les, les plugins qui se veuillent intelligents, euh, int artificiellement intelligents c'est surtout ça euh, qu'est-ce que tu penses est-ce que vraiment tu penses alors tu as fait un tuto d'ailleurs sur euh, sur les EQ euh, les EQ intelligentes là dans EQ ultimate ouais. Euh, ouais. et les isotopes qui commencent à mixer tout seul pour toi et tout ça machin qu'est-ce que et les, ouais, et les, parle, et euh... les landers là, les trucs de mix de mastering automatique et compagnie qu qu'est-ce qu que tu penses de tout ça je pense que c'est je pense très honnêtement que dans 20 ans on appuiera sur un bouton et le mix sera fait je pense vraiment <laughs> euh, donc je suis assez confiant que tout ça va devenir l'avenir la... là où ça en est aujourd'hui pour l'instant c'est des aides qui peuvent être précieuses pour aller plus vite, pour nous donner des idées, notamment les EQ dont je parle dans EQ Ultimate, euh, dans l'IA, dans l'intelligence artificielle, euh, euh, Sonimus, Sony tout ça, c'est euh, intéressant, tu vois, c'est vraiment intéressant. Et je pense qu'il faut commencer à s'en servir. Isotope, leur système de placement dans l'espace et tout ça, les levels en automatique pour faire le, le, pour faire le headroom. Quel, pour quelqu'un qui, par exemple, n'a pas appris à faire son headroom, et qui donc pour lui c'est pas naturel. Bah, peut-être que le fait qu'un plugin t'aide à faire ton headroom c'est génial. Tu ouais. vois peut-être. Euh, maintenant moi ma position je préfère être en contrôle et mmh. avoir tout eu en manuel parce que je sais ce que j'ai fait, je sais ce que j'ai pas fait, ouais. je sais. Euh... Enfin voilà, j'aime bien être en contrôle total. C'est un truc qui étonne beaucoup les gens avec qui se travaillent, c'est que je fixe toutes les automations, c'est-à-dire que quand le morceau démarre, je mets un point à 0 dB, même s'il fader est à 0 dB ou s'il est à moins 18 je mets à moins 18, etc. Et je mets un point d'automation. Pourquoi Parce que je ne veux à aucun moment risquer de toucher le fader et de bouger. Si je veux bouger, je bouge mon point d'automation. En fait, dans mes, dans mes euh, okay. prod, je ne fais que bouger des points d'automation. Je ne okay, jamais je ça. les faders libres. Okay. Et même si j'ai des faders, je suis content, je peux les bouger justement. Mais dès que je lâche le fader, boom, il revient à sa position. D'accord. Euh... <laughs> okay. Comme ça, tu testes voilà. et okay, d'accord. Okay. Voilà. intéressant et comme pourquoi méthode. Pourquoi je te dis ça par rapport à, par rapport à tout ça ben, C'est parce que j'aime être en contrôle. Ouais, ouais, ouais. Donc, euh, j'aime pas avoir laissé faire à un plugin tous mes headrooms. Et mmh. je ne sais pas combien de headrooms il a fait sur là ouais. ou là ou là ou là ou là. Il va falloir que j'aille voir. Donc, ça me fait perdre autant de temps que de le faire moi-même en étant en contrôle, en sachant ce que j'ai fait. Donc, il y a des trucs, je trouve ça géniaux, mais ça dépend encore une fois pour qui. Mmh. Ça dépend si tu as déjà pris tes réflexes et que tu fais les choses comme il faut, ou alors sinon, le plugin peut t'aider énormément et tu le... ouais. tu saurais pas le faire sans le plugin. Moi, euh... moi c'est vrai que je pense quand, quand j'en parle, je dis ok, c'est intéressant, mais il faut savoir ce qu'il fait. Il faut connaître un peu les, les règles pour dire ok là il m'a fait ça, est-ce que c'est bien ou pas Alors peut-être qu'il va te faire un truc, une proposition qu'elle t'avait pas pensé, mais il faut quand même ouais. euh, je pense connaître déjà la base pour pouvoir apprécier l'intelligence d'un plugin artificiel, pour le moment en tout cas. Je pense. ses erreurs et ouais, pas pas ce qu'il en faire fait quand ouais. il fait des erreurs parce qu'il fait ça. encore des erreurs ouais, bah, ouais. après il peut faire des trucs bien hein, voilà et puis après ah, le oui. moi dans l'électro le, le, la place au hasard elle est énorme puisque puisque c'est on ouais. travaille on travaille 50% avec le hasard mais mais euh, mais bon je pense qu'il faut quand même connaître pour l'instant encore les bases ils sont pas encore si intelligents quoi donc on est d'accord il y a euh... Il y, y avait une question auquel je voulais répondre. Euh, Jean-Michel Jarre, c'est qui <laughs> C'est le père de Morija, non, c'est pas ça. Euh, oui, pour le Discord, pardon. Pour mon Discord, bah, tu demandes une invitation en commentaire, puisque je ne peux pas envoyer de lien là, sur le, le chat. Donc, euh, tu demandes une invitation en commentaire et je t'envoie une invitation pour mon Discord. Et il y avait une question pour ton Discord, MJ, je crois qu'il faut... Euh, il faut euh... Euh, je crois que sur la page contact du site, je vérifie, attends. Parce que je pour le, que le tien, je ne sais problème. plus s'il fallait. Euh, je suis resté à la vieille époque, moi, où il fallait être euh, abonné pour. Enfin, euh, VIP pour, euh, pour accéder au Discord. Maintenant, tout le monde peut y aller au Discord d'MJ Oui, euh, non, mais tout le monde peut toujours y aller. C'est juste que si tu veux. Euh... C'est juste que si tu veux… Ah, c'est pour les rôles. Les forums, d'accord. Ouais, oui. okay. Il faut se faire un rôle dans, dans un rôle. Oui, ouais. Et donc, il faut demander ton rôle au début. Et ceux qui sont VIP ont plus accès à plus de, oui, euh, de, de salon. parties que les autres. Hein. Voilà. Okay. Mais cela dit, je pense qu'à terme, on va, on va unifier tout ça. Je ne trouve pas en fait… Euh, où est-ce qu'il est le lien Il y a un lien quelque part sur le site, c'est sûr. Ah, ouais, Allez ouais. sur la page contact. Euh, S'il ouais. n'y est pas, on le mettra. D'accord. ok. Oui Parce que là, on sur le contact, il n'y euh, a pas a priori… Il n'y a pas de Ouais. Mais on va s'en occuper. Euh, okay. Je mettrai ça. Ça roule. Donc ouais. voilà pour la réponse. je pense, réponse. Que, je pense que quand t'as pas un MG tutoriel dans Discord, je pense que tu trouves le, le salon. Ouais. Enfin, euh, ouais je t'avoue, que ouais. je, ouais, je cherche pas trop des salons, je sais pas. Euh, alors une dernière question avant le studio tour, euh, qui est une question compliquée. Euh, qu'est-ce que, est-ce que t'as une vision sur un peu sur l'avenir de la musique, mais euh, de, à savoir qu'est-ce qu'on va pouvoir avant, inventer Est-ce que euh, est-ce qu'en en fait, on a eu dès le départ voilà, des instruments euh, qui étaient euh, des instruments physiques Après, on a trouvé le numérique, enfin, l'analogique le, avec les synthétiseurs, tout ça. Maintenant, avec le numérique et les ordinateurs, on arrive à faire finalement tous les sons existants et inexistants, finalement. Euh, donc d'un point de vue technologique, euh, qu est-ce que tu as une, pe une petite idée ou une, euh, une petite vision, ouais, c'est le mot, <laughs> sur ce que pourrait être la musique dans le futur et -ce que, euh, -ce, comment elle va se renouveler, qu que, quelles vont être les nouveautés, ou du moins de vers, quoi, vers quel aspect elles vont arriver, ces nouveautés-là Est-ce que ça va être des nouveaux styles, des nouveaux sons Tu ouais, as raison de dire que souvent une technologie crée un style. Comme ouais. on disait, le jour où la guitare se sature, bam, ça a créé le, le, le rock. Le rock. Tu vois, donc tant qu'on saturait pas les guitares, bah ça c'était le blues, c'était tout ça, et encore le blues c'était un peu saturé. Mais mmh. voilà, le jour où on a osé mettre l'autotune à fond, ça a créé, enfin, pas vraiment un style, mais le rap s'est renouvelé avec ça, tu vois. Encore que ça a commencé 15 ans avant avec Cher et tout avec ça. Mais hein. moi j'étais là cher. au commencement de l'autotune. Mmh. Et, euh, et donc souvent c'est une technologie effectivement qui crée euh, souvent peut-être les outils pour créer un style nouveau, mais pas toujours. Il ne faut jamais quand même sous-estimer la musique elle-même. Mmh. Et là, par exemple, on est dans une phase en ce moment où je pense que c'est la fin du urban en France et pareil sur l'international dans 4 ou 5 ans. Tu ah vois, ouais, parce que, je voulais te demander, là, justement, a, vu qu'ils ont tout écrasé. Là. <laughs> mais si tu veux, euh, c'est toujours pareil. Quel mouvement est resté 20 ans ouais, Ça ouais. n'existe pas. Donc le urban, ça fait maintenant depuis plus moment. de 10 ans que ça domine. Mmh. Et moi, je kiffe, attention, moi, ouais, je suis ouais. un gros urban. Pour ça. Euh, mais à un moment donné, il faut, faut être cohérent, il faut être logique. Ça va s'effacer. Et c'est en train de s'effacer au profit de quoi Regarde même sur l'international tout ce qui sort. La pop. Euh, la pop, et surtout, tu commences à avoir le rock qui revient. Parce que ouais, les, ouais. Les, les gars dans le rap, ils ont commencé à mettre des guitares dans le rap. Hum. Beaucoup aux États-Unis. En France, ça commence à peine un petit peu. Et donc, du moment que la guitare revient, la guitare revient en pop. Et la guitare revient, la guitare se. Alors, donc, moi, je crois beaucoup à un futur, un futur rock. Tu ouais. Vois par exemple, et ça pourra même revenir dans, le, dans je veux dire, même dans le DM. On a mis de la guitare ces dernières années, pas, pas partout, mais c'est pas un ouais, peu Il y a eu toujours ta... eu la French Touch, il y a toujours eu une, une, quelque chose de très très rock derrière les sons saturés, que ce soit les DAFS, que ouais. ce soit Sébastien, que ce soit tout, tout, toute l'équipe de Headbanger. Ça a toujours été très rock. Dans la French, ouais. ouais. Dans la French, ouais. Mmh. Mais je veux dire, voilà, il y a eu des guitares maintenant, même dans du Tiesto, dans du. Tu ouais, vois ouais. ce que je veux dire il commence à avoir la guitare partout. Donc déjà la guitare revient et les instruments acoustiques reviennent mmh. et surtout grâce à Omnisphere qui s'est imposé comme le synthé numéro un, je veux dire au-dessus de ses roms aujourd'hui, hein, euh, surtout dans l'urban, c'est quand même Omnisphere. S'il y a un, 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 une machine à avoir, c'est ouais. Omnisphere mmh. Voilà. Et comme tu peux voir, Omnisphere Qu'est-ce qu qui a fait son succès C'est les sons hybrides, acoustiques, électroniques. Ouais, tu vois as beaucoup de sons où tu retrouves ce côté acoustique. Mmh, ouais. Et justement, c'est comme ça que j'ai commencé dans ma banque qui sort. Là, j'ai commencé par les Bells. Les Bells, c'est l'exemple typique du son qui a mi-chemin ouais, ouais, entre dire, un ouais. truc super acoustique et un truc qui peut des fois être hybride. D'ailleurs, des... j'ai fait plein de trucs comme ça, avec des trucs lo-fi, avec des, 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 des trucs qui bendent, qui, qui courbent. Voilà. Donc, euh, Omnisphere a imposé ce style de son une sorte de retour à l'acoustique, tu vois, mmh. ou, ou à l'hybridité de, de son acoustique et électronique. Et donc là, moi, ce que je constate, c'est que dans les charts américains, il y a des pianos-voix qui sortent, il y a des pianos-guitares-voix, des il mmh. y a des trucs avec plein d'instruments acoustiques. Bah, je t'en parlais tout à du... l'heure, là, euh, là c'était Adele qui est en position numéro un. Ouais. Euh, donc la traque, tu as piano-voix, après tu as une basse qui arrive, euh, un kick euh, qui est assez euh, lointain, ce n'est pas du tout dans les normes de ce qu'on fait aujourd'hui, et ça n'empêche ouais. qu'elle est numéro 1, et c'est 100% acoustique, il n'y a, a pas un brin d'électro, et ouais. ce n'est pas du tout produit comme on produit aujourd'hui, enfin dans le sens, euh, ah voilà, bon. au niveau mmh. de l'instructeur, donc ça prouve quand même qu'il y a, y a un petit, un petit changement. Ouais. En tout cas, il y a un retour à l'utilisation des sons acoustiques. Après, certains vont dans l'extrême et ils font un tout acoustique, etc. Bon, c'est bien, quelques-uns font ça. Mais même dans les prods de ceux qui ne vont pas jusque-là, il y a des sons, je te dis, très omnisphères, c'est-à-dire très acoustiques qui reviennent. Voir des enregistrements. Nous, euh, sur les trucs qu'on fait en ce moment, on va faire plein de guitares. Dans les prochaines tracks, on, on va mettre beaucoup de guitares aussi. Donc. Euh, euh, voilà, je pense qu'il faut aller vers ça. Ça, ça revient. Donc, et ça revient avec une certaine expressivité. Rien. Alors, c'est pour ça que là où je voulais en venir, c'est je te disais, certes, il y a la technologie, et c'est peut-être la musique de demain viendra peut-être d'un nouvel instrument ou d'une nouvelle. Moi, j'ai toujours beaucoup cru, par exemple, à la resynthèse. Et la resynthèse, rien n'en est jamais vraiment sorti à ce jour. Donc, par exemple, j'ai un projet. Alors, j'ai pas le temps de le faire et tout, mais mm -hmm. on va voir dans les mois qui viennent où j'ai des tracks électro où tout est fait en resynthèse. Resynthèse, bon, c'est hein, hein. vocal, hein, tu parles resynthèse vocale ou ça peut être la resynthèse d'un instrument acoustique okay. notamment la resynthèse vocale et personne n'a creusé ça pourquoi parce que c'est chiant hey, chut, chut. <laughs> faut pas non, le dire mais... <laughs> non mais parce que c'est très dur à faire ouais, parce ouais. Que, honnêtement on est sur un résultat satisfaisant avec ça mm. et je, je peux le dire personne va trouver enfin, dire il faut des heures à passer dessus encore une fois c'est toujours ça tu vois c'est comme chercher ses banques de son il faut des heures à passer dessus pour trouver un résultat probant tu vois et mm. où tu te dis waouh ouais, ah ouais, ouais. là c'est probant mm. tu donc, en fait, c'est toujours ça. Bon, et il se trouve que ça n'a jamais rien donné, euh, cette technologie-là. Bon, ouais, c'est peut-être peut après son... encore. Peut son mmh. heure n'est pas venue. Ouais, voilà, ouais. Donc, c'est peut-être une technologie de demain. Mmh. Euh, Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir d'autre, à part la resynthèse euh, euh, Ce que fait, par exemple, Output avec euh, Arcade euh, ouvre des portes aussi vers des façons de procéder qu'on n'avait pas accès. Le fait que tu puisses transposer dans n'importe quelle tonalité, n'importe quel sample, et le bon tempo et la tonalité en un clic. Euh, ça ouvre des portes en termes de sampling tu utilises ouais, Arcade tu, tu, beaucoup ouais, ouais ouais ah ouais moi j'avoue que j'ai jamais euh, pas beaucoup hein, mais ouais, je l'utilise assez, assez régulièrement mais pas, pas, pas systématiquement ouais. j'y suis pas allé moi je dis oh, allez encore un abonnement je, <laughs> ré, je résiste <laughs> t'as raison ouais. <laughs> non mais ça c'est il y a quelque chose de novateur là et t'as vu que l'Arcade c'est plus c'est 3.0 2.0 là qu'est sorti là, ouais, ouais c'est maintenant il y a des sons jouables en tant que son lead ouais donc voilà tout ça, tout ça. Donc oui, oui, la musique du futur peut venir des technologies, mais ne sous-estimons pas qu'elle peut venir aussi tout simplement de la musique. C'est-à-dire que si demain, va savoir pour quelles raisons euh, étranges et bizarres, tout le monde se met à kiffer les accords jazz à, à quatre ou cinq notes, il euh, y a de quoi révolutionner la musique si tu te mets autorisé à, à utiliser des accords qu'on n'utilise plus du tout aujourd'hui. Ouais, ouais. euh, à faire un nouveau style de musique et que tu révolutionnes la façon de structurer, que tu fais plus couplet refrain couplet refrain, quoi. Comme euh, David, pour moi, c'est David Guetta qui a fait le premier euh, Break Riser Drop, Break Riser Drop, tu vois ce que je veux dire Ouais, et puis après euh, tout le monde a suivi jusqu'à jusqu maintenant encore quoi d'ailleurs. Malheureusement, fait Break Riser Drop, Break Riser Drop. Ouais, malheureusement, et ça n'a pas bougé. Euh, ouais. Inventer un truc, tu vois, un truc qui va dépasser la technologie, inventer ouais. un truc musical. Ne faites plus Break Riser Drop, c'est génial, mais, mais c'est bon, on a compris, ouais. tu vois. Donc je pense que celui qui cherche quelque chose en électro, aujourd'hui, la première chose qu'il vous y c'est défait-toi du break riser, euh, drop, tu vois, commence par là déjà. Mmh. Euh, et, et alors, il ne faut pas sous-estimer pour la musique de demain la musique en elle-même, tu vois. C'est-à-dire les, les mélodies, les accords, les top lines, la structure, les grooves. Les groove. Ça revient un peu euh, quand même, hein, parce que je voyais quand même que l'urban, finalement, qui a... Qui a donné la priorité à la voix et au, au drum, et plus trop à la mélodie, ou voilà, euh, à des accords un peu, à des mélodies simples. Et, euh, voilà. et là, je trouve que, par exemple, avec The Weeknd, c'est un bon. Donc, c'est un bon exemple euh, par rapport en plus à ce qu'il faisait avant. Maintenant, ce qu'il fait, c'est un peu de la synthwave avec des, des jolies notes qu'on pourrait eu, eu avoir en, en 1980, tu vois, de la musique très très pop, très facile à retenir et finalement très musicale. Et moi, je suis assez content parce que c'est pas que j'aime pas l'urban, mais j'étais un peu triste quand même de perdre quand même les mélodies et, et la musique aussi. Et, et, et même si j'aime l'urban. Je trouve que c'est quand même un style qui n'est pas très... Euh, voilà, ce n'est pas des grandes évolées, euh, des envolées avec beaucoup d'émotions, tu vois ce que je veux dire. Et pour moi, la musique, c'est aussi un peu ça. Donc, euh, et ça revient. Ça revient. C'est pour ça que ça peut on peut très bien, moi, on peut très bien imaginer, je ne sais pas, euh, des grosses 808 et des, et des gros drums, alors que dessus, on va être beaucoup plus créatif en termes d'accords, de grilles d'accords, d'envolées de, de, lyriques dessus. Lyrique, c'est un, ouais, un, ouais, un bon. bon. Voilà quoi. Pas de, de, de mélodie beaucoup plus euh, savante, on va dire. Ça pourrait, ça pourrait, avec un son de vocal qui serait processé d'une façon qu'on n'aurait jamais entendu. En fait, tu vois, je veux dire, mais à un moment donné, c'est une démarche. C'est-à-dire que euh, quand tu te mets derrière tes machines, euh, tu dois avoir une démarche dans la tête. Si ta démarche, c'est je veux rentrer sur énergie, ce qui est beaucoup, j'avoue, mon, mon cas, ouais. euh, tu vas pas forcément être enclin à faire des recherches de trucs qui euh... ouais, qui pètent tout. quoi. Ça, ça va être compliqué. Quoi. Tu... Bon, bon c'est le game ouais, ouais. Euh, au niveau créativité. Mmh. Tu vas essayer d'être dans le game. Et d'amener, comme j'ai souvent dit, je l'explique dans le tuto, un tuto qui s'appelle Les 7 erreurs de musique produceur tu, vas, tu, vas, tu dois être 80% dans le game et tu as 20% de créativité mmh. qui te sont acceptables et qui vont déterminer qui est ton artiste, pourquoi ton artiste est différent des autres. Nan 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 nan. Mais quand même, 80% de ce que tu vas faire, si tu veux rentrer sur énergie, il faut que ça soit du énergie. Il mmh. ne faut pas que ça soit euh, du, du. Je ne sais pas quoi. Tu vois ce que je veux dire Mais par contre, j'ai envie de dire souvent ce qu'on me demande je ne trouve pas mon style et tout. Il y a des questions comme ça qui viennent souvent qu'est-ce que je dois faire pour avoir mon style ou comment rentrer dans les clous et je dis mais selon ta finalité si tu t'as pas envie de tout de suite signer sur énergie mais ne rentre surtout pas dans les clous et, et expérimente trouve des trucs et puis éclate-toi parce que personne t'attend et c'est là où tu dois proposer des choses et puis le jour où tu commences à avoir un succès ou commencer à avancer, c'est là où te poser des questions et dire bon, bah, où je veux aller. Mais je pense que quand tu commences à proder et à débuter là-dedans, je pense qu'il faut lâcher les vannes et faire faire tout ce que tu veux, quoi, justement. Enfin, je sais pas. Après, si, si oh, la finalité ouais, c'est d'en faire un métier, c'est différent. Mais si, euh, si tu veux te faire plaisir, je pense qu'il faut pas se restreindre avec, comme tu dis, euh, voilà, drop, riser, drop et compagnie, quoi. Si tu veux, on voit les deux erreurs. On voit les gars qui cherchent à être uniques. Et qui sont trop dans les normes. Mmh. <laughs> je me rappelle quand je faisais des one-to-one. -one. Il me dit Est-ce que je Mais je lui dis Tu perceras jamais, tu fais du tiesto. Ouais, tiesto il existe. Qu'est-ce <laughs> que tu veux Et tu feras jamais aussi bien que lui. Arrête de faire du tiesto, fais du mmh. toi-même. Et donc là, il y a tout un, un état d'esprit à développer et tout un travail, parce que c'est un travail. Comment tu te détaches et comment tu deviens toi-même Et comment tu oses sur quoi tu vas toucher, à quoi tu vas toucher dans ta prod pour personnaliser ta prod Bon, ça, c'est tout un travail. Et tout aussi bien, je vois le cas inverse des gars qui viennent me voir, ils me disent. Ouais, euh, euh, moi, je, je veux trop euh, gagner ma vie avec, je veux faire des hits et tout, je ouais, veux rentrer en radio partout il et te il propose des un trucs. hallucinants. « Tu n'as jamais entendu de ta vie. Ouais. Euh, et tu, vu que ta structure, elle ne respecte pas, tu m'amènes un morceau de 3 minutes 50, tu sais qu'aujourd'hui, le morceau, c'est de 2,50 de, de Ou de... Tu vois, voilà, déjà, de 50, c'est long aujourd'hui, ouais. tu sais <laughs> Donc, tu as suivi un peu ce qui se passe ou bien qui se passe Tu vois, la structure, les, le choix des sons, le... Enfin, bon, voilà, quoi. Donc... Les deux, je pense qu'il y a les erreurs des deux côtés. Mmh. Donc, encore une fois, ça revient à savoir ce que tu vises et à ne pas te tromper dans ce que tu fais par ouais. rapport à ce que tu vises. Mmh. Voilà, c'est important, ça je le dis tout le temps c'est quand, quand on fait quelque chose, il faut avoir une finalité, savoir pourquoi on le fait. Et souvent, bah, ça nous permet de nous orienter, de répondre à des questions. Est-ce que ce que je fais, ça va dans, dans mon optique Est-ce que déjà j'ai une optique et, euh, et souvent, je remarque que les. Les, 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 enfin les jeunes ou les jeunes producteurs, en tout cas, euh, finalement font des choses et se mettent dans des cases tout seuls. Et finalement, ils ne savent même pas pourquoi ils le font. Parce qu'ils savent même pas s'ils veulent en faire un métier. Ils ne savent pas s'ils veulent, euh, veulent avoir du succès. Et, euh, et ils se, ils se brident tout seuls. Alors que finalement, euh, le fait de d'avoir de, une destination, ça te permet de répondre souvent à des, à des questions quoi, quand tu as des doutes. Oui, ouais, bien sûr, bien sûr. D'accord, enfin, euh... je crois que c'est ça. Le... C'est un regard juste sur ce qu'on fait. Ça commence par là, en fait. Le succès, quel que soit le succès qu'on veut, qu'on veut un succès d'estime, un succès commercial, ça commence par savoir ce que tu veux faire ouais. et pas t'illusionner sur tes objectifs. Parce que c'est le cas le plus fréquent. J'ai reçu encore une chanteuse il n'y a pas longtemps, qui, je, je, encore une fois, je ne dirai jamais qui, mais. mais, mais... Allez, qui veut exploser, balance. Qui veut non, qui veut exploser, mais qui veut faire tout comme il faut pas. Par exemple, tu ne mettras pas de clap. Hein. Ah, mais, ah ouais, euh, ouais, ouais, ouais. ouais, On fait comment Tu ne mettras pas de plug, tu mettras pas ça. Mais, donc, tu ne veux pas que 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 exploser puisque ouais, tu, ouais. tu refuses. C'est comme si à l'époque du rock, le gars, il vient te voir et dit Je voudrais exploser. Je guitare, hein. Tu ne mettras pas de guitare électrique. Hein. Oui, ouais, ouais. forcément. Mais ouais, mais alors, comment on fait C'est hum. en fait, pour ça que le, je crois que vraiment, le point faible, on, il faut, on peut choisir ce qu'on veut. Mais il faut être juste par rapport à ce qu'on vise et ouais. ce qu'on fait. Voilà, on va se tromper. Ok, okay. bon, c'est une, euh, une bonne phrase de fin. Euh, alors, avant de faire le petit studio tour, juste un truc il y avait euh, des gens qui demandaient si on pouvait écouter des prods à toi. Mais du coup, oui, on peut, mais sans s'en rendre compte. <laughs> ouais, non, ça, ouais. je ne fais pas. Mmh. Bah, les prods, tout ce que j'ai fait avant dans le passé, je déteste revenir sur le passé. Et, euh, et voilà, parce que c'est des trucs. Euh soit que j'ai fait quand j'étais dans des teams, des trucs comme ça, ou des trucs vraiment anciens et que je... Ouais, bah, que voilà, c'est as... pas que je les renie pas hein, du tout, mais je trouve que ça n'a pas, de... ouais. pas de sens. Ceux qui savent, savent. Et puis, euh, et voilà. Et puis, euh, euh, ensuite... Bah... Si je rentre dans cette formule de beaucoup plus faire publiquement sur les projets qui vont fonctionner euh, des tutos pendant le projet, bah, vous saurez forcément le projet sur ouais, lequel ouais. on travaille. Ça, c'était la question voilà. justement la suite Tuto, qu'est-ce qui arrive Donc, ça serait, on espère ça. Et puis, bah, tu vas finir les, 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 les tutos qui sont en cours un petit peu Ouais, bah, KickBass sera fini d'ici décembre, mmh. puisqu'il est à 91%. Euh... Et puis, quoi d'autre Il faut que je finisse compresseur. Je vais le finir en début d'année. Ouais. Et sinon, voilà, les nouveaux mais... tutos, là, on demande sur le chat. Il y a des, des nouveaux tutos, genre, euh, je ne sais pas, vocal, euh, des trucs comme ça qui, qui ouais, arrivent. Ce que ouais. je vais faire après, je vais finir déjà, donc kick-bass et, et compresseur, c'est les deux qui sont à finir, mmh. vraiment, clairement, depuis un moment. Euh, et une fois que ça, c'est fini, je vais voir. Normalement, j'avais prévu de faire euh, euh, stéréo, ultimate. Et j'avais prévu de faire, euh, effectivement, plus tard, vocal. Il euh, y aurait guitare aussi, tu vois. J'ai tellement de choses à dire sur les guitares parce que ça, mmh. ça a représenté toute une partie de ma vie. En réalité, j'en ai plus jamais reparlé depuis tout ce temps. Mais dans ma, mon plus jeune âge, j'ai passé 10 ans avec des guitaristes. Donc on a tout enregistré, on a tout, tout, tout plié dans tous les sens. Mais c'est des, des connaissances que j'ai plus trop eu l'occasion à ce jour d'exploiter. Je suis content que par exemple la guitare revienne. Ouais, bah ouais. D'ailleurs, je me suis repayé mon ampli fétiche de guitare qui est emballé. Là, je peux pas vous le montrer, il là. mais. Euh, euh, je me suis repayé mon ampli de guitare pour justement. C'est lequel euh, C'est le Cyber Twin de Fender. C'est plus ah, cool, plus, euh, plus du tout, euh, comment dirais-je, euh, disponible si ce n'est d'occasion. Euh, donc j'ai galéré à trouver une très belle occasion du Cyber Twin. Et il euh, y a le SE et le pas SE, le V1 et le V2, tu Et donc j'aurai les deux. Euh, j'aurai les deux dans mon prochain. Euh, Ma prochaine euh, cabine et on va être amené à faire des guitares justement. Donc tout ça, ça, ça ferait un tuto génial. Mais ouais, ouais, ouais en guitares, live. Quoi. Avec, guitares, sur, sur, du concret, quoi. sur du concret, sur du concret, c'est clair. Et si tu veux, tous ces trucs là qui demandent la présence de, moi je suis pas guitariste, mais par contre je m'y connais dedans, mais je suis pas guitariste. Donc il me faut un gars qui joue. Ouais, ouais. Donc tout ça, c'est compliqué à filmer. Il faut des éclairages, il faut des trucs, il faut des machines. C'est beaucoup plus compliqué que de faire un tuto en capture d'écran où tu montes des plugins. Et ouais. Tu vois, donc c'est ça aussi qui est, qui, est, qui, est, qui est difficile. Mais bon. Le futur que j'espère pour MJ Tuto, c'est finir ce qui est en cours, ça c'est sûr, et euh, euh, essayer d'avoir ce, cette formule euh, euh, derrière les, le rideau là, où, euh, où on, on prod sur des prods qui, qui sont réalisés juste dans la foulée. Ouais. Et YouTube un peu du coup, la chaîne YouTube, euh, il va y avoir du mouvement ou... Tu sais la chaîne comment. YouTube, tu le sais toi parce qu'on en a parlé. <laughs> ce qui fait qu'il n'y a pas de mouvement sur ma chaîne YouTube, ouais, c'est que la flemme de fou de faire ce que tu as. sais très bien faire toi, c'est-à-dire des caméras, euh, euh, les trucs en un clic qui changent sur la truc. Voilà. Donc, euh, euh, si un jour tu viens en vacances chez moi ou quoi, euh, je, je tu t'aiderai à je régie, installer je tout ça, publier. avec plaisir, avec plaisir. Bon, je crois qu'on a très fait, droit. on a fait le tour des, des questions. De toute façon, là, voilà. Écoute, ça fait ça fait quasiment 3 heures. Hein, tu vois, on papote, on papote. Euh, ça, ça fait 3 heures, ça fait 3 heures. Bravo. Je pense que je pense qu'on en est au record. Hein. <laughs> ça n'a pas semblé trop long, ça va Non, moi je vois pas le temps passer. Ouais, ouais, C'est clair. Vous pouvez passer la nuit, je dirais j'ai pas ce c'est pas grave. C'est clair. Euh, je... Alors oui, il y a quelqu'un qui dit que le code marchait pas, alors normalement si. Je rappelle juste, je vous montre ça ici, et puis après on fait juste le petit tour et on se quitte. Euh... Voilà. Attends, c'est pas ce bouton là, c'est celui là. Euh... Donc je... pendant 24 heures à partir de maintenant avec le code donc 49 arki 49 vous avez euh, 49% du coup euh, surtout bah, tout le catalogue, y compris les abonnements. Donc, c'est le Merci. moment d'aller faire péter celui-là que je vous recommande vraiment. <laughs> c'est dommage de prendre lui, il n'y a pas les tutos ultimates et c'est ceux qui ont le plus de valeur pour moi, clairement, clairement. Euh, donc, euh, voilà. Et euh, le deuxième code, c'est ArkyFree, A-R-K-I-F-R-E-E. A -R -K -I -F -R -E -E qui vous permet de vous euh, payer gratuitement ce tuto qui est euh, mon top plugin. Par contre, finalement, je leur déconseille de le prendre puisqu'ils vont avoir envie d'acheter des plugins. <laughs> Et finalement, c'est voilà. un tuto qui va leur coûter très cher. <laughs> on est surtout pas ce tuto. Ouais, voilà, il est dangereux. Euh, voilà, mais celui-là, il est offert, il est gratuit. Et là, par contre, c'est euh, valable voilà pendant 500, euh, 500 invitations, 500 vouchers, comme on dit. Voilà, voilà. Et pour peut-être préciser que pour ceux qui sont abonnés déjà, puisqu'il y en a aussi... Euh, souvent, les gens comprennent pas que quand on est abonné, on peut pas, on peut pas acheter des tutos à l'unité. Donc, ce que j'ai fait, c'est que euh, quand tu vas sur n'importe quel, enfin sur kickbass notamment, pour ceux qui veulent kickbass il y a un lien qui te mène à, à mon deuxième site, qui est teammj.fr euh, sur lequel tu peux acheter kickbass si jamais tu es déjà abonné Ultimate. Tu vois voilà. Ah, d'accord. Ici, là, voilà. Euh, non, euh, là. Euh... C'est écrit pour ceux qui sont abonnés. Hein. Ah, d'accord. Ok, ça marche. Voilà, en fait, c'est assez clair, mais de toute façon. Normalement, c'est clairement fait sur le site. Donc, si tu es abonné, il faut passer par mon site secondaire qui est teammj.fr okay. pour, euh, pour acheter Kickbass Production. Voilà. Parfait, parfait. Allez, c'est l'heure du petit studio tour. Montre-nous un peu tes jouets. Que je fais ça, que j'attrape la caméra. Ouais, ouais, fais-le avec la, la webcam. Alors, ouais. Qu'est-ce qu'on a ici Qu'est-ce qu'on a de beau là-dedans Peut-être commencer par ce rack là. Hop. Alors ça... Alors tiens, ouais, du Summing, justement. Voilà, Summing 24 voix SSL. Euh... Et d'ailleurs, je le vends pour ceux que ça intéresse. Ah oui, j'ai vu l'annonce, ouais, tu le vends, ouais. Ouais, je le vends parce qu'en fait, j'ai besoin, là, comme je, vais, je passe de beaucoup de morceaux à un autre, j'ai besoin d'acheter le même, qui sonne pareil, <laughs> mais ce n'est pas pour son son, c'est parce qu'il est recall, il est total recall, donc il va me Ricole les presets. D'accord. Donc ça s'appelle bon... le il a le, exactement le même son que celui-là, donc je ne veux surtout pas changer de son, c'est pour ça que je prendrai jamais euh, autre chose. Euh, mais euh, il a le recall et tout ça. Oui, donc Avec la question, le, le, le summing est-il pertinent euh, Pour toi, oui, parce que tu vends celui-là pour en acheter un autre. <laughs> oh, le seming est pertinent. Pourquoi ça fait pas ça fait flou euh, Ouais, peut-être elle a du mal à faire le, le point. Ouais. Bizarre Ouais, c'est bizarre. Euh, Vas-y, rapproche-toi un peu peut-être. Voilà, c'est bon. Peut-être, mais pas trop ta main de, devant, peut-être que, ça, que ça, c'est la main et alors donc euh, compresseur SSL aussi legit et ça c'est pareil c'est pour ça que je vends tout ce rack parce que j'ai besoin de trucs qui sont recall donc je vais me, je vais me reprendre euh, un compresseur SSL mais recall là c'est pareil d'accord bon on va bah, contacter des... MJ hein, si vous voulez euh, surtout que tu le vends pas très cher en plus il me semble en plus pour le ouais, je, je fais 2009 pour tout mais après on peut aussi sortir pour celui qui veut pas les, les préambles on peut les sortir et donc adapter le prix en fonction de voilà. je okay. peux pas tout détacher mais ouais, ouais, bon. par exemple, bon on s'en fout dans tous les cas ouais s'il y en a qui sont intéressés bien sûr euh, je suis joignable pour ça euh, ça c'est les convertisseurs SSL euh, et ça c'est une EQ qui vaut rien qui vaut 100 balles euh, parce que je m'en sers des EQ de sidechain c'est à dire une EQ qu'on n'entend jamais et dont je me sers pour sidechainer ah d'accord euh, ok parce que ce qui passe dedans c'est pour régler le, 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 le la source de ton sidechain euh, du sidechain de lui d'accord c'est marrant ok donc tu peux faire en sorte que ton compresseur ne réagisse pas au kick ouais, ouais d'accord ok ouais le bas est baissé et le compresseur ne réagit qu'au médium et ouais d'accord c'est pour ça on s'en fout totalement de comment elles sonnent elles sonnent pas du tout bien mais c'est juste une mais ça suffit largement d'accord ouais, c'est marrant euh, ça c'est force de chez Akai je, je, je dois dire que c'est très peu connu c'est une sorte de MPC plutôt pour le bon, ceux qui font le DM à la base mais quand j'ai écouté un synthé qu y a là -dedans qui a là-dedans qui s'appelle Hype, j'ai, je me suis dit, mais c'est pas possible, c'est un Nexus en hardware. Ah ouais. Un Nexus en hardware, c'est incroyable. Chaque son de Hype est juste hallucinant. Donc je me suis fait une template avec 16, il y a 16 canaux midi. Euh, enfin, en réalité, bon, je fais que 8, mais euh, euh, 8 sons, si tu veux, de Hype qui sont là tout le temps. Donc c'est pour moi un synthé 8 voix. D'accord, je t'en euh, sers comme synthé juste pour ça. Et il est Hype, il est dispo que, que là-dedans, que dans la force. Que là-dedans. Ah d'accord, c'est marrant. Je m'en sers aussi comme elle load les banques MPC, qu'avant j'étais sur MPC. Euh, toutes mes banques Riken que j'ai récupérées aux États-Unis qui sont au format MPC, je peux très bien les mettre sur un autre truc et je joue des drums MPC là-dessus. D'accord. Donc, ça, pour moi, c'est un, un hardware qui me fait des super sons de à Nexus sans latence, en hardware. Et c'est vraiment radio ready, c'est incroyable. Quoi. Ouais. Les sons sont. Il y en a qui prodent fais... entièrement dessus, là j'ai un pote qui prod dessus, il m'envoyait j'étais assez impressionné de savoir qu'il avait fait, alors il y avait des trucs à revoir, mais de savoir qu'il avait ouais. tout fait dessus, j'étais quand même impressionné. Ah, ouais, ouais. Mmh. Voilà, ça c'est caille-force, ça c'est caille le Mac Pro, bien sûr. Eh, ouais. Enfin, ouais, ouais, ouais. ouais. <laughs> qui, est, qui est obsolète. est <laughs> ah, non. Non, non. de chez... Mais quand même c'est chiant ce flou. Ça, c'est un analyseur de chez TC mmh. qui me fait le loudness, surtout pour le Landness et l'équilibre gauche-droite. Après, j'ai plein d'autres analyseurs, pour ceux qui ont suivi mon tutoriel analyseur, qui sont disséminés partout. Ouais. Donc là, j'en ai trois. J'en ai sur ma grande télé là-haut, je vous le montrerai après. Ça, c'est un hub USB 16 voix. Parce que le Mac n'a pas beaucoup de ports USB. <rire> <rire> Ça, c'est un limiteur clipper de chez Better Maker, analogue. Euh, génial, ouais. évidemment. Bien connu. Voilà. Ça, c'est ma carte au son, donc c'est une Matrix de chez Avid. Euh, voilà, que dire Avec la carte Pro Tools HDX bien sûr Qui est dans le, dans le Mac Pro là-bas Ça c'est mon, mon chouchou Depuis que j'ai ça Je ne je, je reprendrai plus jamais aucun autre contrôleur moniteur C'est-à-dire c'est un contrôleur de moniteur Qui n'a pas un, un, un rotatif Mais qui a des boutons et chaque bouton correspond à un volume Et donc ce qui fait que Tu, tu, ne, tu connais tes 8 volumes Et euh, tu ne connais pas les volumes Entre les deux, c'est-à-dire que mmh. 4 c'est pas pareil que 5 5 c'est pas pareil que 6 et en fait, tu t'habitues à travailler à 5, à 4, à 6. Ça ne fait pas le même nombre de DB en sortie, évidemment. Et euh, tu sais que quand tu écoutes des disques du commerce que tu les écoutes à 6, tu te rends compte quelle dose de bas il y a. Mmh. Et donc ton cerveau, il apprend le 6. Il apprend le 5. Okay. Il apprend le 4. Et donc, si tu veux, euh, ça te permet de beaucoup moins faire attention aux analyseurs et de savoir Oh non, j'ai trop de bas, j'ai pas assez de bas, etc. Parce que juste, tu sais qu'à 6, mmh. ah non, bah, quand j'écoute des disques du commerce à 6, j'ai pas ce bas-là. Tandis que quand tu as un rotatif. Ouais, tu ne tu sais es jamais es où t'es tu n'écoutes jamais, jamais au même volume ouais, ouais. donc tu peux jamais te dire qu'il y a trop de bas ou qu'il n'y en a pas assez, puisque tu n'es jamais au même ouais, niveau tu que, que 8, 8 niveaux voilà. c'est bien parce que ça visible. coûte pas cher en plus cet appareil ouais c'est pas très cher hein. <laughs> euh, tu peux mettre en mono tu peux comme tous les trucs ouais, mais... ouais. ça c'est le contrôleur euh, Pro Tools euh, euh, qui te permet de contrôler Pro Tools évidemment mais ça, ça contrôle aussi Cubase ça contrôle euh, Logic tous ceux qui sont compatibles Viewcon en fait euh, donc moi j'adore parce que j'ai besoin que d'un fader, hein, tu vois ce que je veux dire, ça switch, ça suit les pistes, et puis tu as tous les contrôles d'automation, euh, les contrôles de zoom, et surtout sur le touchscreen, tu as euh, tout ce que tu veux, tu rentres dans les inserts tu vois tes cours d'EQ, tu vois ta, ta compression, tu vois les points bouger, tu vois vraiment, bon, il faut que Proto soit ouvert. Ouais, ouais. Euh, moi, tu, tu m'as montré, c'est ouf. Mmh. Et là, tu as, 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 as 8 encodeurs qui te permet de prendre n'importe quel paramètre de plugin juste en le touchant. Ouais, de Donc, mettre C'est ouais, top. Il y a la des questions rapide. là, il demandent la... Pardon, je te coupe la, la marque euh, alors, du hub, mais je ne sais pas si tu sais, euh, et la marque du euh, contrôleur de monitoring là, avec les, les chiffres. Alors le hub, je l'ai acheté chez Thoman, vous le trouvez, vous marquez hub 16, je ne me rappelle plus, Swissonic je crois, je ne me rappelle pas. Et le contrôle monitoring, ben, ça s'appelle 2400 audio. Je ne sais pas si je peux filmer ça. 2400, c'est le, le prix, hein, c'est pas la référence. <rire> <rire> oh non, c'est la marque. 2400 audio, euh, Imperium. Voilà, ici j'ai euh, bah, l'écran incurvé. Putain, c'est chiant, en flou. Ouais, je ah, crois qu'il faut, vraiment... en fait, faut pas. Ouais, quand tu bouges plus, il fait la mise au point. Ouais, donc il y a un écran incurvé où je te vois. Coucou. <laughs> euh, en dessous j'ai console one. J'ai un loop deck qui ouais. est l'équivalent d'un deck. Et euh, là-bas, j'ai un clavier et un, un remote. De ah, tu t'en sers oui. encore de ça Honnêtement Ouais. Ouais, ouais. ouais, ouais. Ah, d'accord. Ouais, parce que délai, c'est le délai, ça Ouais. ouais. C'est le délai et je l'adore trop le délai. C'est tu sais que c'est eux qui ont inventé le délai sidechainé. D'accord. cest que tu essaies d'appeler ça dynamic delay. Et à l'époque, dans ce rack, c'était un rack. Il y avait la première fois de l'histoire un délai sidechainé. C'est-à-dire quand tu jouais, tu était moins fort. Ah, ouais. Quand tu jouais. Bon. Ok, d'accord. Donc, ça appelé ça Dynamic Delay et quand il en recrée un plugin avec le contrôleur, j'ai tout de suite pris le machin. D'accord. Et du ouais. coup, tu t'en sers. Ouais. C'était pas, pas un ouais, gadget. Donc. Hein. Il y a un délai. Euh, quand je dois faire un délai side je prends celui-là. D'accord, ok. Ouais. Je pourrais très bien le faire autrement. Mais... Oui, mais là, c'est pratique. <laughs> et puis tu connais les boutons. Ouais. Ça, c'est un, MP... un MPK. Qu'est-ce que je raconte C'est un Advance de Kai, <laughs> Advance 49. Et ça, c'est un clavier, tu sais, de chez euh, Logic qui, ouais, ouais. qui te permet un de. Mais qui n'est pas ouf, tu m'avais dit, non, tu pas content, non Ouais, en fait, j'avais je, 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 avant l'autre marque concurrente, la Créative, ou je ne sais pas comment elle s'appelle, mais aucun des deux n'est. Ouais, n'est très ne pas performant. Mmh. Mais bon, celui-là, au moins, il a. Il, non, celui-là, oh, ça va. Je, mmh. Après, voilà, si tu veux, on n'est jamais content à 100% de quelque chose. <rire> <rire> ah, la nouveauté Ouais, ça, c'est vraiment mon meilleur achat depuis, euh, bah, depuis les. les cinq dernières années je dirais mmh. parce que quand tu as été un petit peu formé sur SSL là tu retrouves des boutons SSL de taille réelle ouais. et compresseur euh, et EQ et gate et tout ce que tu veux euh, et c'est un plaisir je me régale c'est vraiment mon meilleur achat euh, et c'est fluide les plugins SSL fournis c est, c est avec son fluide c'est les plugins c'est les plugins qu'on trouve euh, qui sont vendus en, en, enfin les plugins SSL quoi Ouais, le ouais, channel strip. Et du toi, coup, par euh, rapport à, au son, tu trouves qu'il sonne vraiment comme. Euh, ouais, Tu t'y retrouves euh, Je m'y retrouve. Alors, ce, je regrette et je pense qu'ils vont le corriger qu'ils n'aient pas intégré les saturations dedans. Mmh. Euh, cela dit, quand tu pushes le in level ici, quand tu pushes l'input euh, et que tu baisses l'output, tu retrouves la coloration assez mmh. Donc il faut faire comme sur la console il faut pousser ouais, le gain. D'accord et donc l'émulation faite par SSL fonctionne maintenant ça serait bien si qu'elle soit or, or, or de... ouais, quand même en option quoi, de... ouais. ben, ça serait bien qu'on puisse régler comme ils avaient fait dans leur plugin le VHD ouais, le VHD ouais. c'est le drive je sais pas quoi euh, qu'on a là-bas sur le, le summing et où je peux régler euh, les troisièmes harmoniques ou les secondes harmoniques et je peux choisir entre les deux et etc, etc. Hum. donc je pense que comme ils sortent leur plugin Violet Violet EQ et, et l'autre module de distorsion je pense qu'il y aura forcément soit un contrôleur dédié Soit on pourra en tenant Shift ou à savoir quelle connerie, mmh. peut-être toucher la distorsion dans okay, une ouais. prochaine update. Le, le, de passer d'une track à l'autre, c'est facile, il ouais, n'y a pas de souci, tu t'y retrouves. Tu n'es pas toujours en train de te dire c'est quoi cette track, je suis sur quoi, non Jamais de la vie. Là, tu ouais. vois le nom de la track, tu tournes le rotatif, tu changes de track. Et surtout, tu as une application, c'est-à-dire si j'appuie là, euh, il faut que tu vois là-haut. Attends. Ouais, euh... ouais, ouais j'ai vu, tu as une sorte de console virtuelle, c'est ça, ouais, d'accord. Là-bas. Tu peux changer de track, bah c'est nul, nul. Bah, vous, il faut que vous alliez voir les démos. Mmh. J'ai une télé là au mur et où j'ai le, toutes les pistes ici. Tu vois. voilà euh, Ensuite, j'ai un convertisseur ici, euh, 16 entrées et 16 sorties. Euh, là, c'est des modules NIV qui simulent une tape et avec les fameuses NIV Silk Red et Blue. Ah ouais. Donc, sachant que sans, sans silk, bah, tu as le son de la tape, de la bande. Avec silk rouge, ça booste les, les hautes fréquences. Avec silk bleu, ça booste les basses. Voilà. Là, j'attends des modules que j'ai pas encore reçus. Euh, ça, c'est un BBE. Ah, bah des... tiens, tu en parles dans un de tes tutos, mais du plugin. <laughs> BBE. Voilà, j'ai le... celui-ci en, en, en hardware. Et je m'en sers souvent sur les vocales avec juste un point, tu vois, juste à peine. Souvent, ça passe sur la master vocale. D'accord, ok. Vocal. Pour saturer Ouais, non, ouais. Ça, fait, ça fait le fameux son british... D'accord, ok. C'est le vocal qui fait... Voilà, comme ouais. ça. Évidemment, j'en fous pas la dose parce qu'il mmh. y a d'autres moyens de faire dans le séquenceur. Mais disons que d'avoir le hardware, c'est vraiment pas cher en plus. Ouais. donc Dès que j'ai l'impression d'avoir le hardware, je, je... Oui, il y a quelqu'un de... qui demande s'il y a une différence avec le plugin, je sais pas trop. Non, 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 non. Pas vraiment. Hum. Et euh, le... il y avait une question, là, le... comparé à Console One, là, le SSL, pourquoi tu gardes quand même le Console One C'est que tu as des sessions avec ou tu es habitué ou... Alors, j'ai des sessions avec, ouais. mais surtout, il n'y a pas de SSL 9000 nulle part ailleurs. Ah bah ouais, du ça coup, fait, le, le fameux drive. G. Mmh. Mais moi, le drive de la 9000, je ne peux pas m'en passer. Ouais, ouais, vrai. Donc, c'est le meilleur drive de la 9000 qui n'a est, qui est, qui jamais été émulé sur aucune marque. Donc, rien que pour ça. Alors par contre, je t'avoue que dans ma prochaine config, je ne l'aurai pas là. Je pense que j'aurai le SSL là. Et lui, il va passer sur le côté là. Ouais, ouais, ouais juste pour. Coup, le hardware n'a plus trop de sens pour moi. Je m'en sers juste du drive. Mmh. Donc si tu veux, je pense que le hardware finira. Euh... Je vais inverser en fait. Je vais okay. avoir le euh, sur le côté. Je vais avoir le console one parce que je m'en sers très peu des boutons quoi. Mmh. Euh, c'est de nouveau bon. voilà. Et j'aurai euh, les SSL devant moi. Ok, c'est ouais. intéressant ça, les SSL. Tu vois, moi, je t'ai passé un peu à côté. Je me dis, ouais, ça fait quand même cher pour un contrôleur. Mais si tu me dis que c'est vraiment euh, vraiment cool, j'y réfléchirai. <laughs> c'est un préamp Focusrite is a One euh, qui est tourné vers là parce que j'ai le truc guitare ici mmh. et donc on rentre en DI dedans en guitare c'est pour ça que les contrôles sont vers l'avant je peux pas aller plus loin avec ma caméra mais ouais. là j'ai des amplis de guitare et tout le bazar là euh, là-bas il y a le coin de canapé euh... <laughs> ouais. là-bas t'écris les paroles tu vois ouais 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 il bah, est bien ton studio non a... ah, pas tu c'est mmh. relaxes. Voilà, donc lui il bosse, là il a ouais. <laughs> Du kéké, café champagne pour les chanteuses, évidemment. Voilà. évidemment. Euh, les Neumann kh euh, 70 Ah, et derrière, euh, tu as euh, conservé euh, les focales, du coup le... Non Pour l'instant, toujours. Mais, mais tu ne je... tu les, tu les utilises pas Non, je ne les utilise pas. J'utilise vraiment les Neumann avec le sub. Et là, j'ai commandé le nouveau sub DSP. Parce qu'avec le nouveau sub DSP, même si tu n'as pas des Neumann, il recalibre toute la pièce. Ah, cool. Et. Aligne automatiquement, tu peux le mettre où tu veux dans la pièce. Si vous avez suivi mes tutos sur le placement du sub, vous savez qu'il faut normalement poser le sub ouais. à un précis de la pièce, différent pour chaque pièce. Et donc là, avec les nouveaux subs Neumann, tu le poses où tu veux, le machin il s'auto-aligne tout seul, bim, au revoir. C'est cool. génial. Ouais. Et surtout, la ligne tes enceintes, c'est ça ouais. qui est fou. Ouais, c'est top. Et les fréquences de tes enceintes, donc ça c'est absolument, absolument génial. Voilà, qu'est-ce que je peux te montrer d'autre ben, Les analyseurs, évidemment, j'ai un autre Mac qui me sort tout le temps en temps réel les analyseurs donc j'ai six ou sept analyseurs euh, vous, si vous avez suivi le tuto euh, analyseur exact, hein. et là-haut sur la télé souvent j'ai l'analyseur flux ouais. Pour voilà. bien, okay. euh, et puis alors après de l'autre côté euh, j'ai push parce que si tu veux quand je suis sur le clavier en train de jouer ici euh, donc ça c'est un montage un montage 7 de chez Yamaha qui reprend finalement tous les sons qui ont fait l'histoire de Yamaha et j'ai le push ici parce que si tu veux, quand je suis dans Ableton, comme ça, je n'ai pas à regarder Ableton vu que c'était ouais, à 150. ok, forcément. Vu que tu es en, en compo en mode, en mode production, euh, c'est cool d'avoir ben, le push. Je, oui, je fais play, start, record, ouais, je ouais. fais mes drums si j'ai envie, etc. C'est pour ça que je l'ai mis là. Et là, de l'autre côté, j'ai machine. D'accord. Voilà, et au centre, j'ai l'écoute au raton parce que comme c'est au raton mono, si vous avez suivi là encore mes tutos, vous savez qu'il faut des ratons mono euh, ou des avant mono. Et donc, pourquoi j'ai mis là Parce que quand je suis assis là, elle est dans mon dos pile. Et, et j'avais pas de place pour la poser. D'accord. <laughs> j'avais pas de place pour la poser là, au milieu. Et il est hors de question de mettre une enceinte mono à gauche ou à droite. Tout mon espace il est pris tu vois, quand je suis là. Ouais. Donc en fait, je pouvais même pas la mettre au-dessus de l'écran incurvé parce qu'elle va ça me boucher. Ça te bouchait. Ouais. Ouais. Le donc, gros en fait, problème je... du setup, c'est qu'on a trop de jouets, on sait plus où les foutre. <laughs> c'est ça, ça, tu sais plus comment te mettre. Donc j'ai foutu l'enceinte mono derrière et en fait ça marche super bien. Ah ouais Parce qu'elle est juste au milieu de ma tête et on s'en fout totalement qu'elle soit ouais. qu'elle soit devant marche aussi bien et... donc en fait je switch là et quand je veux écouter en mono euh, qualité dégueu et si vous avez suivi mes tutos surtout 808 vous savez pourquoi il faut faire ça si tu fais pas ça tu es dead et voilà euh, ok top ouais. que, euh, le tour après j'ai une cabine voix euh, ouais. tout ça mais bon ok, okay. Je pas à là, parce... non <laughs> là il y a la cabine ouais. 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 et l'acoustique, il y a quelqu'un qui demandait un point sur l'acoustique mais c'est pas toi qui l'as fait, ouais, le studio était comme ça, donc c'est compliqué d'en parler le studio était comme voilà. euh, ça moi je, hein, je suis pas propriétaire ici ouais. Euh, en fait, c'est ouais, une régie historique ici. Hein, ça, euh, Gainsbourg a été enregistré ici. Euh, Il <laughs> y a tout, de, tout un tas de tous les plus grands artistes français des années 80-90, tout ça, ont été enregistrés ici. Et donc, euh, on a gardé la régie historique, sauf qu'elle était beaucoup plus grande parce qu'il y avait la SSL et tout. Ça a été euh, raccourci, si tu veux, pour faire des cabines de prod. On est 12 producteurs ici dans le, dans le building. Enfin, je crois qu'il y a 12 studios, je ne sais plus, ou 10 studios, je ne me rappelle pas. Euh, et donc, euh, voilà, c'est reformaté. pour. C'est Antoine Clamaran qui fait ça. Euh, sur Paris, il fait des régies comme ça. Et souvent, c'est en reprenant des anciens studios historiques qui étaient. Euh, euh, bien connu ouais. et qui coule un peu tu vois et souvent en... C'est déjà pas mal au moins ça permet de pas les transformer en supermarché quoi déjà. Exactement ça reste des et si tu veux tu... ça a une âme le lieu il a une âme et... ouais, un ouais. coup, Il y a monde... le fantôme de Gainsbourg qui vient boire des pastis euh, ouais, de temps en ça, temps. Ça, il est là d'ailleurs tu le vois <laughs> mais tu le vois pas non <laughs> Donc voilà, c'est assez cool. Ok, ok. Euh, bon, bah écoute, je pense qu'on a fait un bon petit tour, de manière générale. Je pense que... Oui, avec plaisir. Je... Ouais, Je crois qu'on a battu le record hein, de l'émission la plus longue. Bravo. <laughs> tu, tu peux être fier. Battre le record. Ouais. <laughs> tu peux être fier. Bon, en tout cas, écoute, comme tu sais, c'était vraiment un grand plaisir de parler de tout ça. J'espère que dans le chat, ça vous a plu. En tout cas, les gens sont restés. Il y a eu une moyenne de 150 euh, viewers tout le long. Euh, voilà, là, là, on est à 145, tu vois. Donc ça n'a pas baissé, les gens sont restés. Et, euh, et, et Nelwax il me demande une imitation de fin Non quand il y a des, <laughs> quand il y a des invités Je fais pas d'imitation <laughs> euh, donc, donc voilà En tout cas bah, moi déjà je salue Toute la team MJ aussi ceux que tu connais Et puis merci euh, Merci à eux d'avoir euh, bah De de, ouais, d'être de, de, resté et puis de me suivre et puis que la, la team se soit élargie. Et puis qu'en plus, c'est vrai que le, le, le c'était quand même cool ce Discord parce que ça m'a vraiment permis, et ça je pense que tu le voulais, de faire des connexions entre nous. Et, euh, et moi j'étais vraiment tout seul avant à produire dans ma chambre et puis euh, à, à sais, faire peu de connexions à Nice. Et depuis que, bah, voilà, depuis que je suis arrivé un peu dans la team, ça m'a permis de rencontrer plein plein de gens. Et de parler euh, production via WhatsApp un peu toute la journée, c'est plutôt très cool parce qu'on se sent euh, moins seul euh, devant nos enceintes. Donc ça, c'est vraiment, vraiment top. Génial. Écoute, encore un plaisir partagé. Et puis c'est quand tu veux, on se le refait l'an prochain. Ouais, ouais, hein, une mise à jour, <laughs> une mise à jour l'an prochain, ça marche. ça marche. Bon, vraiment, et merci à tous. Ouais, merci. Ouais. Les gens sont contents. Alors désolé, hein, j'ai pas pu répondre à... et regarder tous les commentaires, mais vous voyez qu'on avait beaucoup de choses à dire et c'était un peu compliqué. J'espère quand même qu'on a répondu aux questions principales. Euh, et puis voilà, n'hésitez pas, peut-être à, à poster dans en description de la vidéo des commentaires. Et puis voilà, si moi j'ai le temps et puis si MJ a le temps, on, on répondra. En tout cas. Voilà, ouais. moi, moi, je lui ferai, ferai un retour sur les questions euh, importantes. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions, même pour ceux qui regardent en replay. Et puis, voilà. Et puis, bah, écoute, euh, donc, tout ce qu'on peut te souhaiter, c'est de faire un, un gros carton là avec, euh, avec ce que tu prépares pour que tu puisses nous faire des super tutos. Euh, quand, tutos, quand euh, ouais, des, tutos des tutos live. Voilà, il faudra merci trouver bien. un nom hein, pour ça. moi ouais, je vais je vais y réfléchir, je vais ouais. réfléchir. Ça marche. Allez. Allez, merci, on va aller manger. <laughs> Allez. Générique <laughs> Générique Merci Simone. Allez ah. salut Ciao 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 à tous Merci